Wesh, j'attendais que les gens arrêtent de dire leur âge dans le chat pour arriver. On se retrouve dans 100 ans. Non, je suis là avant. Bientôt les 100%. Ouais, peut-être. J'espère. Les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est la suite de Yo-Kai Watch 2. C'est l'épisode numéro combien? Numéro 100, je crois. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, surtout ceux qui sont sur YouTube. Les autres, vous ne pouvez pas de toute façon. Commentez, partagez, vous abonner, vous savez, vous savez. Et... c'est la suite de Yo-Kai Watch 2 Spectre Psychique pour les 100% du Médallium. Alors, qui manque-t-il aujourd'hui? Je sais très bien qu'il ment. Que qui, je dis ment, qu'il manque. Alors, Médallium. J'ai l'impression que j'ai du délai. Quoi? Non, ça va. Ah oui, bah d'ailleurs, comment ça, 110? 110 quoi? Attendez, on en est à où déjà? 93? 92, let's go, 92% du Médallium, les amis, ce sera pas terminé aujourd'hui, hein. Bon, alors, lui, ça va être horrible, hein. Lui, j'aimerais bien qu'il cesse d'exister, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, salut Akram. S'il pouvait juste disparaître du Médallium, ou par magie, genre, en dehors des lives, apparaître dans mon Médallium, soudainement, via peut-être la magie du Save Editor, oups, non, j'ai rien dit. Belzel, est-ce que j'ai Timmy Démon? Parce que la réalité, c'est qu'il faut juste fusionner Timmy Démon. C'est pas difficile. Je crois que j'ai pas Timmy Démon en vrai. D'ailleurs, il y en a qui l'ont Cornac ici. Parce que là, ça a l'air d'être vraiment l'enfer infernal. Timmy Démon. Bonsoir, Nexo. Timmy Démon, le boss. T'exagères.
Ouais, Timidémon, il est pas là. Hein. Bon, alors Timidémon, qu'est-ce qu'il aime? Où est-ce qu'on le récupère? C'est parti pour aller sur Super Solus. Alors. Mais putain, Timmy. J'arrive plus à écrire ou quoi? Timidémon, Yokai Watch 2. Adolphe. Jeton. Adolfo Jeton, plutôt. Et je l'ai déjà lui, non? Donc il est. Il aime les ramen. Il est dans la route des Vandales du Yokai World. Est-ce que j'ai des ramen? Ramen ta fraise? Bref, bon. Je peux te trad Belzel? Non. Ça ira, merci. Je n'ai pas de ramen. Mais écoutez, on va abandonner, hein. Si on a un ramen de luxe, on n'a qu'un seul. Bon, allons au magasin de ramen, là. Ramenons-nous au magasin de ramen. Et ça suffit, Kirbendo, hein. Salut Dragon Kai, salut Ethan. J'ai regardé toutes tes vidéos Yuka Watch 1, 2, les 110 et 3. Ah ouais? Mais il y en a, vous avez du temps à perdre, hein. Écoute, bienvenue à toi. Hein. Salut Kirbario. Ramène-moi à boire, je suis pas ton chien. Non mais, par contre, ramenez-moi des dons. Il y a écrit Zelda, Link Between World Random. Bah, c'est pas normal que tu te dises. Tu te rappelles quand t'as eu Enemy dans les premières minutes du live alors que c'était un live chasse Enemy? Non. Au contraire, moi dans mes souvenirs, j'avais l'impression que Enemy, je l'avais pas eu. Mais ok, d'accord. C'est possible. Parce qu'il y en a eu beaucoup des Yoko en même temps. Alors, les ramen, c'est où? C'est dans la quartier des boutiques, non? Maintenant, essaye 100% du Milan Kavage 3. Oui, 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 oui. Oui, mais bien sûr, oui. Payez-moi pour ça, payez-moi 1 million d'euros et je le fais. Là je vous jure je le fais, 1 million d'euros je le fais. Non mais dégage par contre, j'ai vu un coffre. Mais qu'est-ce que je m'en fous du coffre en vrai? Alors c'est là. Il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué fur, pavillon du soleil. Mais non mais ça c'est le chinois, c'est pas ici. La bonne époque quand je suivais les tutos et vidéos sur YouTube, voilà que de souvenirs. Ok. Salut Matt le bien. Ça remonte à Yuka Watch 1. Ok. Ah, bah alors, d'accord, non. Bah alors, ok. Effectivement, je l'ai pas eu dans Yuka Watch 2, je crois. Dans le tunnel sans fin. Il me semble que je l'ai loupé. Oula. On est richissime. Donc, il me semble que justement, j'essayais dans la porte numéro 13 de l'avoir plusieurs fois et j'ai jamais réussi à l'avoir. Par contre, Yuka Watch 1, c'est possible, c'est possible. Ça me dit un truc là pour le coup. Avec la miniature, ça me dit un truc. Genre, j'ai fait la miniature, je lance un live pour essayer de l'avoir et je l'ai quasiment dès le début. C'était pas la seule fois d'ailleurs que j'ai eu un truc comme ça. Hein. Comment il a eu Vampiloc? Alors comment il a eu déjà le il? Il a un prénom, hein, pour commencer. Et en plus de ça, bah, je sais pas, moi, t'as qu'à regarder les vidéos, non? Ou sinon tu vas sur Super Solus. Voilà. Après moi je dis ça. Mais après, faut connaître Internet, les gens. Je sais pas si vous savez ce que c'est Internet. Vous savez, sur Internet, il y a un truc. Ah, je le dis souvent. Hein, mais sur Internet, il y a un truc. Après, c'est très peu connu. Ce truc, ça s'appelle Google. Mais c'est vrai que c'est un petit site. On est, je pense, une dizaine sur Terre à savoir ce que c'est Google. Et sur Google, quand tu tapes des trucs... Bah genre, ça peut te permettre de trouver des choses. Mais après, je sais pas. Hein. Parce qu'il faut aussi avoir un clavier. Un clavier genre comme ça, par exemple. Hein, tant qu'à faire. Ou alors un clavier comme sur le téléphone portable. Mais ça aussi, genre, on est... Je pense on est que 4 ou 5 sur Terre à avoir un clavier. Hein. Et d'ailleurs, mais il y a un truc aussi, j'étais dépassé. Bon, je suis 1m65, donc il y a beaucoup de gens qui me dépassent. Mais j'étais dépassé parce qu'il y a un gars, quand même. Vous savez, dans la vidéo Yuka Watch 3, là... Et ben j'ai traduit au début le nom de Yuka Watch 3 100 fois dans Google Trad. Donc il y a un gars dans les commentaires, il me dit « Ouais, j'aimerais bien savoir comment on fait pour traduire 100 fois un texte !» Je le cite pas, je connais pas son nom, mais c'est dans les commentaires. « J'aimerais vraiment bien savoir comment on fait pour traduire 100 fois mal un texte !» Donc moi je lui dis bah exactement ce que j'ai fait quoi. Genre je savais pas non plus hein, j'ai ouvert Google et j'ai mis « Traduire 100 fois » dans Google Translate. Premier lien. Et c'était ça. Donc le gars, je lui dis, bah tu sais, je l'ai trouvé en 2 secondes sur Google. Et il me dit, ah bon, moi, j'ai toujours pas trouvé. C'est comme on disait la dernière fois, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression vraiment que... Aujourd'hui, il y a un décalage.
Et que genre les nouveaux boomers maintenant, c'est la jeune génération. Ils savent pas se servir d'un ordinateur, ou même d'un téléphone portable, même de Google. Ça me paraît délirant quand même. J'ai mis 2 secondes à trouver 2 secondes. On peut faire ça ensemble. J'ai pas encore vu l'iceberg d'Akram là, faut que j'aille regarder. Regardez les gens. Ah bah en plus voilà. Google Translate 100 time. Ah merde, vous voyez pas? Mais attendez. Full screen, c'est pas ça. Voilà, alors. Attendez. Là, Google Translate 100 times. Premier résultat. Je veux dire, attendez. En fait, je suis en train de j'ai l'impression quand même, aujourd'hui en 2024, que ce que je viens de faire devant vous, hein, c'est littéralement Big Brain. En gros, là, d'après ce que je comprends par rapport aux commentaires dans les vidéos, ce que je viens de faire devant vos yeux ébahis, je pense, c'est littéralement quelque chose que seul a few of us, genre littéralement 0,1% de la population mondiale est capable de faire. Je suis choqué. Le fait de savoir faire une recherche sur Google, je me disais, ah, ça me rend pas intelligent, je suis comme tout le monde. Mais en fait, non. Tes yeux ne s'appellent pas Eba. Ah mince, bah dommage, alors on parle pas de tes yeux. Donc salut le Mario. Comment t'as fait? Je veux savoir. La dinguerie, oh là là, mais je sais Akram, hein, vraiment. Mais devant vos yeux, vous venez de voir un expert hacker en informatique. Je suis Mister Robot, littéralement. Là en fait, ce que je viens de faire, c'est que après, faut pas le dire, hein, ça reste entre nous. Mais je viens de hacker la NASA, littéralement, devant vous. Ça m'a pris pas beaucoup de temps, mais normal, je suis un big brain. Mais voilà, c'est littéralement ce qui vient de se passer. C'est quoi ce Womi? Mais quoi vous. Mais de quoi que vous parlez? Moi sur mon live, il y a bien marqué Yokai Watch 2. Quoi, y a pas marqué. Genre Breath of Wild, je sais pas quoi, bref. Enfin, Link's World. Quelle est cette magie noire? Salut Ghostrick! Salut Sandbad! J'ai l'impression que. Il y a un problème là entre Sandbad et Akram, hein. Parce que Sandbad et Akram, ils sont souvent en même temps sur mon stream, mais pas sur le même. T'en as un qui est sur Twitch et l'autre qui est sur YouTube. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz, hein. Là, les vieux frères se font la tête, hein. Sur l'overlay. Ah, mais oui, ah, d'accord. Ah, ouais, bah, ça, il aurait fallu me le dire, non? Non, mais. Alors. Yo-Kai Watch 200. Wow. Je sais pas centrer, hein. Ça, par contre, je sais pas faire. Alors, c'est où le mont de je sais pas quoi là? On a les backstage, oui, et pas les backrooms. Donc, il doit y avoir un trou quelque part. On va rentrer dedans en direct live. Ah, c'est peut-être pas là. Le mont du menteur, c'est ça, c'est pas là. C'est pas là, super. Le col de la famine. Ok, mais. Ah bah c'est pour ça que ça s'appelle le code de la famine, parce qu'il y a littéralement de la bouffe partout. D'accord, et bah dis donc, c'est vraiment gaulerie Yokai Watch. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent m'échanger pendant le coup, etc. alors qu'ils peuvent le dire dans le serveur Discord. Exactement, merci Soulé. Ils t'ont saoulé pour le coup. Mais quelle idée d'appeler son enfant Soulé, voyons, voyons. C'est quoi ta toute première vidéo de ta chaîne? Aucun souvenir, c'était il y a longtemps aussi, hein. Petit changement d'heure cette nuit. Hein? Il y a un changement d'heure cette nuit? J'ai l'impression que le dernier changement d'heure, c'était il y a littéralement 2 semaines. Ça passe trop vite le temps. Hein. Alors, le mont des liars, là, il est où? Ici. Ça doit être le mont de Akram, alors. Eh ben voilà, littéralement. J'ai toujours trouvé cette partie du Yokai World hyper bizarre. Pourquoi, Akram? Where is Timidemon? Ah, j'ai eu peur, il n'y avait aucun yokai qui apparaissait sur la map. Bah, c'est bizarre, il y a peu de yokai qui apparaissent sur la map. Attends, il y a un petit bug, non? C'est peut-être un bug de. Du mode? C'est le cas, c'est pas grave, on peut le retirer temporairement, mais. C'est qui là? C'est Papilla. Bah c'est les bons yokai ici, ils sont censés avoir Baku et tout ça. Mais elle est gigantesque cette zone! Mais comment ça y a Papilla et Baku ici, c'est normal?
Ah non, mais c'est pas là en fait. C'est pas dans le truc où il y a du feu qu'il y a Timmy Démon? Y a JLK. Salut JLK. J'ai enfin terminé de sortir la vidéo Super Mario Bros. Ça c'est de la lave. Alors le rendu ouais, t'en es fier. Salut Massa CLX. Oh, c'est le gars bizarre là. Dark Capi. JLK connaît pas, ça doit être un bozo. Ah, oh, je le connais, je te confirme. J'ai aucun souvenir du Mont du Menteur là, vraiment. Mais y a une route genre où il y a de la lave et tout, non? Je crois que c'est là-bas. Parce que là, Timmy Démon, ça n'a pas l'air d'être ici. Hein. J'ai aucun souvenir de cette zone d'ailleurs. On est tous bizarres pour toi, non? Le sol, c'est du caca! Bah, littéralement, Conker! Tout le monde n'est pas bizarre, par exemple, il y a Akram, lui, il est pas bizarre. Je vais vous dire, le changement d'heure était 2 plus GMT Zone France. Merci Google. Ouh, pourquoi ça a lagué d'un coup? Donc normalement, je crois que c'est là. Et? Moi, dans mes souvenirs, il était là, mais pas sûr. Hein. Par contre, il y a moins de yokai que d'habitude, non? Mais il y a surtout pas les bons yokai. Comment ça, il y a lui ici? J'ai l'impression quand même que là, le mode, il pète un peu. Ah, Blender, je connais pas du tout. Nouveau concept Mario, mais le sol, c'est du caca. Je vais rentrer dans l'un des combats, mais... Ah, mais si, il y a bien Timmy Démon. D'accord, ok. La route des Vandames. Jean-Claude Vandal. Allez. Non! Mais les gens, pourquoi vous m'avez pas prévenu? C'est pas du tout ça qu'il fallait envoyer! Mais qui m'a affiché des abonnés pareils? C'est ici, il y avait Vampilogue dans Mecha Watch 1. Il y a Vampilogue dans Mecha Watch 1? Ah bon? C'est pas un nouveau yokai de Mecha Watch 2, Vampilogue? Vampilogue, c'est bien le démophage violet, non? Il n'existait pas. Vas-y, allez! D'amitié. Et oui, il y a la vidéo Karine of Time qui est sortie sur Kirby Deluxe, là, faut aller voir. Allez, allez. Yes! Ok, bon. Le combat se passe plutôt bien. On va envoyer un ramen complet. Et on va les buter assez rapidement. Théorie, on est tous bizarres sur un point. Ouais. Tu confondrais pas avec le... Le chauve qui peut, Akram? C'est le chauve qui peut d'une autre couleur, là, alternatif? Parce que lui, je me souviens qu'on pouvait l'avoir, là. Les gens qui veulent faire des échanges d'Yokai Watch ou des combats, allez sur le serveur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Vampiloc, c'est le chauve coucou shiny? T'es sûr? Ah oui, je confonds avec Vampiric, c'est ça? Eh, t'as raison, Akram, ok. En fait, on pensait au même Yokai, mais toi, tu lui avais donné son bon nom, alors que moi, non. J'en ai marre, j'arrête de jouer Yokai Watch, c'est bon. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 18 heures qu'on y est. 18 heures, j'ai pas que ça à faire. Possible de ban Akram le plus bizarre de tous. Ouh! Akram écrit avec un C? J'avais jamais vu Akram. Enfin, un prénom me piquait autant les yeux. Pourtant, Akram, c'est devenu l'un de mes prénoms préférés. Mais alors, Akram avec un C, ouh, ça me fait remettre en question l'amitié que j'ai pour ce nom. Hein. Possible de ban Kirbendo. Bannez-moi Massa CLX là, je l'aime pas. Acrameux et crémeux. Bref, j'ai rien dit. T'es qu'un connard, c'est le mec qui paye un plomb. Oula! Akram bing Akram. Y a aucune surprise ici. Akram il m'a cramé. Akram, tu peux bannir Kirbario, s'il te plaît? Alors, Timmy Démon. Vous savez, moi je l'ai vu Akram en vrai. Et je peux vous confirmer que Timmy Démon est le yokai qui ressemble le plus à Akram. Pas physiquement à Akram, il fait 2m85, mais dans sa personnalité. Pourquoi Max t'écrit en arabe? On a dit de pas écrire dans une autre langue sur le chat. On ne sait pas si vous écrivez des insultes ou quoi. L'anglais est à peu près toléré, mais toutes les autres genre langues, chinois, japonais, arabe et tout, on évite.
J'ai fait un docu sur les discriminations que Kervano me fait subir. Il m'a dit que j'étais un mauvais abonné. Je maintiens. Salut tout ne plus! Wistiacram. C'est vrai, je l'avais appelé Akram ou Wistikram. Tu parles arabe, Kirb? Non, je parle pas arabe, non. Je lisais un peu un moment, mais lire, genre pas comprendre, quoi. Comme par exemple, je peux lire l'allemand, mais je comprendrais pas un mot, quoi. Mais ça fait longtemps, hein. Même ça, ce qu'il a écrit. Bah, je pense que si je me concentre beaucoup, je pourrais lire, mais. Flemme. Mais c'est où? Ok, j'ai eu peur. Vous m'autorisez à ce que je dorme? Non! On ne dort pas ici. Sinon, je te fais un conseil de discipline. Non, bah ça, par contre, tu peux être sub, s'il te plaît. J'ai vu que t'avais Amazon Prime. Donc, sub-toi. T'es pas arabe, t'es pas un vrai DZ. Les vrais DZ sont kabyles et donc ils parlent kabyle, pas arabe. Voilà, c'est dit. Pour prendre un loco, c'est au pif ou pas? Qu'est-ce qui est au pif? La question, il manque une subordonnée, hein, sinon on comprend pas ce que tu dis. Hein. Parce que pour Pandanoko, c'est au pif. Pour manger Pandanoko, c'est au pif. Bah non, vu que c'est un personnage de vie, on peut pas le manger. Est-ce que manger était le verbe qu'il fallait deviner ici? J'espère que oui. Le kabyle n'est pas une langue. Ouais, Amazir? Enfin, si, enfin. Tu veux dire quoi, c'est pas une langue? Tu veux dire c'est pas une langue, c'est un dialecte? Ouais, dans ce cas-là, oui, si tu veux, mais. Ok, il veut pas devenir mon ami, super. Comme Akram en fait, timidément c'est vraiment Akram. Quand tu parles en allemand, tu cries. J'avoue. Coucou Aga. J'imagine trop les nouveaux arrivants qui viennent sur le chat, il y a un message d'insulte d'Akram. Normal, la base. Ouais. Pandanoko, c'est dans l'auberge des voyageurs. Mais super rare et c'est en street pass. Hein. Combat-moi sur le 3, s'il te plaît, je t'en supplie. Faut pas me supplier si vous voulez que je joue avec vous, faut me payer. En plus, je demande pas trop d'argent. Il y a plein de trucs où je demande beaucoup d'argent. Mais si tu veux que je joue avec toi. €80 et je joue avec toi pendant 1 heure. Au jeu que tu veux. J'ai insulté personne, mais je vais revenir à mon Prime si vous m'y forcez. Comment ça, revenir à ton Prime? Akram est en train de sous-entendre qu'il a un jour quitté son Prime? On parle pas de la même personne. Hein. Enfin, justement, là, tu viens de te dévaloriser. Tu viens donc littéralement de quitter ton Prime, à mes yeux. Ok, hello Mario. Oh. Eh bien sûr, toujours pas les cœurs, mais Pandanoko, vraiment? Mais son talent de merde, quoi. Si j'ai Pandanoko, je l'appelle Kirbendo, tu l'auras jamais. Tu veux essayer d'avoir les perfides classiques? Ouais, il m'en manque quelques-uns. D'ailleurs, c'est où qu'on les trouve, les trucs de fusion des perfides? Faut que j'aille les chercher. Hein. Est-ce que j'en ai d'ailleurs pas quelques-uns? Ça va toi, Rav Disney? Non mais, what? Attendez, bon, on va vérifier si on a les trucs de fusion de perfide, là. C'est dans objet. Non, c'était randomisé, donc j'en ai pas eu, hein. Faudra qu'on retrouve leurs emplacements. On va aller voir vite fait combien il nous en manque de perfide. Pas tant que ça, hein. 2 ou 3, je dirais, et imagine, il m'en manque 10 000. Ah ouais, quand même. Il manque 4. Est-ce qu'il y aura assez de trucs? Ah, il en manque 5. Est-ce qu'il y a assez de petites sacoches, là? Petites sacoches de perfide. Dis-moi de... Ah, ok, bah, mais ça, faudrait vraiment le bannir. Tu vas en avoir à l'endroit de Luminoct à la loc. Mais oui! Ah, mais c'est vrai qu'en accéléré, on pourrait. Oh. Dans Guerra Land. Ah, mais j'ai déjà dû ouvrir les coffres en question. En randomisé. Et donc, bah, j'ai pas eu ça, vu que c'était randomisé. Action ou vérité? Aucun des deux. L'essence perfide s'obtient grâce aux quêtes des perfides d'élite. Il n'y en a pas assez dans une sauvegarde. Ouais, les quêtes des perfides d'élite, elles les donnent? Je pense que je vais aller faire ça. Ils en donnent combien? 2, 3?
Vas-y. Eh oh! Mais la malchance que j'ai. Oh, l'autre il est presque mort par contre, ça c'est pas ouf. Non mais wesh! L'amitié c'est pour les chiens ou quoi? Vite, vite, vite! Ok, c'est bon. Non, Talo, Talo, Talo! Non, va-t'en, va-t'en, va-t'en! Ok, il flâne encore. L'autre par contre il cherche son âme ultime jusqu'à la fin des temps? Ah ouais, elle s'est fait attendre celle-là. Hein. Elle était lente cette âme ultime. Non mais lui par contre l'amitié est interdite. Non mais j'ai jamais fait autant d'essais. Ah voilà. Vous vous souvenez quand dans les commentaires il y avait des gens qui me disaient que pour que le taquinage marche, il faut taquiner sur le yokai. Genre que dans la forme, il faut que ce soit l'endroit où se place le yokai sur l'écran du bas. Genre on m'a jamais fait un si gros mensonge que ça. Et littéralement dans la vidéo où on m'a dit qu'il fallait faire ça, et bah genre il y avait des dizaines d'exemples où c'était pas le cas en fait. Mais en fait j'ai jamais vu de plus gros menteur que les gens sur YouTube. Et en plus s'il y a de dingo, c'est qu'ils disent des mensonges mais avec un aplomb. En mode genre tu sais ils disent pas, je pense qu'ils disent non mais t'as pas compris Kermando, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que bah non en fait. Tu seras pas le meilleur viewer tant que tu seras pas sub Massa. C'est surtout la politesse qui est pour les chiens. Ah ouais? Ah bon? J'ai connu des chiens plus polus que certains d'entre vous. Plus polus que certains d'entre vous. C'est quoi la surprise Kid Bendo? Et qu'est-ce que Akram a supprimé comme message, le sien? T'as donné une pub Evan. Eh d'ailleurs Evan, c'est quand Fortnite? Je t'ai attendu toute la semaine. Mais d'ailleurs j'ai mis la pub, merci. Alors. Eh ben voilà, Evan arrive et il nous porte chance, merci. Timidé mon approche. Ouais. Tu cherches qui? Herbendo. Alors. Genre c'est un démon timide, vous l'avez. Non mais c'est pas du tout ça, hein. T'as pas du tout compris. Salut Matt le bien. Les chiens ça fait waf ou wouf? Ça fait aucun des deux. Un chien ça fait un son qu'on peut pas écrire comme ça, surtout ça fait des sons différents en faisant son humeur, en moi je réponds premier degré. La connaissance sur le kawash c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale. Exactement, exactement. J'y fis des idées de génie, mais c'est quoi la... pourquoi tu dis ça d'un coup? Akram fait maintenant partie de mes amis, il l'a toujours été, surtout quand il commence... à mettre un message YouTube sur mes... Enfin, un commentaire YouTube sur mes vidéos pour me faire des insultes homophobes. Ça a eu son effet, hein. Mais ne faites pas la même chose. Trop un bacasse de Timmy Akram. Lundi, je sais pas si je pourrais, Van, mais... ben... C'était cette semaine. On avait défini cette semaine, donc trop tard, c'est terminé. Non, non, on verra la semaine prochaine, mais lundi, je pense que je pourrais pas. Alors, allons faire la fusion. J'ai l'objet de fusion, mais tout de même, pour ceux qui ne l'ont pas, parce que c'est un objet de fusion qui est apparemment rare, enfin genre il faut combattre plein de timidémons pour avoir une chance de tomber dessus, eh bien je vais vous montrer où vous pouvez l'avoir sur le mode. Akram il est randomisé. Dis pas ça ici. Ça ici, je l'ai dit, tu vas faire quoi? Bref, alors on va où? C'est dans le quartier des boutiques, juste ici. Cette semaine j'ai pas pu parce que tous les soirs j'étais pris. Mais on aurait pu faire autrement qu'un soir. Tu cherches des excuses? Non mais t'inquiète, la semaine prochaine les soirs t'es dispo ou pas? Bon alors, ah mais non mais c'est la nuit. Et voilà, je suis trop nul. Via le mode c'est l'inspecteur, tu peux acheter de l'essence perfide à la boutique. Non je crois qu'on avait vu et qu'on pouvait pas. On va aller voir Nathan, on va aller voir. Si tu as raison, bah, je te dirai merci, voilà. Je connais un gars, attendez, attendez. En parlant de Nathan, je connais un gars sur Twitter, un abonné à moi, de l'époque, il est trop trop beau. Et en fait, et bah, ce Nathan, justement, pourquoi je pense à lui, on a découvert avec Noy que il avait 3 prénoms. Et attendez, vous allez rire de ces 3 prénoms. Pris par qui? Quoi?
Je sais même plus de quoi je parlais. Ah, d'accord, ok. Mais oui, vous allez rire, il a trois prénoms. Et alors, ses prénoms, le premier, c'est Nathan. Normal, je l'ai dit. Le deuxième, c'est Nate. Et le troisième, c'est Nathaniel. C'est comme si moi, mes trois prénoms, c'était Thomas, Tommy, Tom. Ça n'a aucun... Comment? Quoi? Pourquoi tu donnes trois prénoms à ton enfant et c'est trois fois le même prénom? C'est trop trop drôle. Quoi? On n'est pas la nuit? Toi, il est quelle heure? J'ai fait dormir jusqu'à demain, j'ai pas fait dormir jusqu'à la nuit. Il y a moyen, c'est juste qu'il fait trop moche. Nathan, Nate, Nathaniel. Bah d'ailleurs, pourquoi j'ai besoin que quelqu'un dans le chat s'appelle Nathan pour y penser alors que littéralement on est en train de jouer à un jeu où le personnage principal s'appelle Nathan? J'abuse. J'aurais pu y penser bien avant. C'est pour qu'il soit reconnaissable. Oui, bon. Nate comme Nathan en anglais. Oui, bah de toute façon, Nathan, Nate, Nathaniel, c'est trois fois le même prénom en vrai, hein. Il faut dormir jusqu'au soir. Oui, qui est l'abonné qui m'a dit ça? Je ne sais pas, mais c'est pas ouf. Je vais... Pardon. Pardon, pardon, pardon. S'il vous plaît, m'en voulez pas. S'il vous plaît, ne dislikez pas la vidéo à cause de ça, par pitié. J'ai juste le Covid. Je suis mourant. D'ailleurs, si vous pouviez faire des dons pour payer ma chimiothérapie. Covid, chimiothérapie et tout, il n'y a rien qui va. Bon alors, briques et broc. Donc ici, dans cette boutique, moi je vous ai dit je l'ai l'objet. Mais, si vous ne l'avez pas, au briques et broc, vous pouvez l'acheter. C'est... Les objets de fusion, allô? Pourquoi il y a autant de trucs de merde? Mais qui veut acheter un badge d'Hermès à 110 putains d'euros? Et le voilà, l'éclat de démon il est ici. 777, ah ouais, bien heureusement que j'en ai. Ah ouais, l'essence perfide elle est pas là, hein. Celui qui m'a dit que l'essence perfide était là, il me l'a dit encore une fois avec plein d'aplomb. Il a mis deux points d'exclamation en mode l'essence perfide est au bric-à-broc! Et en fait, non. À moins qu'il parlait d'une autre boutique et que je me suis trompé. Mais ouais, l'essence perfide elle est peut-être quelque part d'autre, non? Où est-ce qu'on pourrait la trouver? Est-ce qu'il y a la boutique. Vous savez, la boutique de Maître Niada? Comment s'appelle la mère de Nathan de Yukawash? Car je crois que dans le jeu ça s'appelle maman de Nathan. Ah ouais, elle a pas de nom? Ah ouais? Bah même son papa il a pas de nom aussi. Je sais pas. L'essence perfide est nulle part. On est sur un mode Moutarde Extra Forte, salut d'ailleurs. Donc c'est possible qu'elle soit quand même en vente quelque part, mais je sais pas où. Il s'appelle Gaëtan, son père. Ouh, j'aime pas ça comme prénom. Pourquoi t'as mis la récompense où t'es ban tempo? Parce qu'il y a toujours des billes pour la prendre. Ah non, mais c'est juste là, mais... Mais non, il n'y a pas de boutique ici. Ah, oh, mais j'ai pas fait le truc du tuyau. Je me demande ce que c'est. Bah c'est un tuyau, je sais même pas à quoi ça sert. Peut-être pour la quête des perfides? T'as déjà regardé dans toutes les boutiques du mode, après je me trompe peut-être. Bah tu t'es bien fait chier pour rien, un Conolif, parce que... Ok, la boîte rouge. Parce que genre le gars du mode, c'est sur sa page, enfin sur la page du mode, il y a marqué littéralement tout ce qu'il a modifié. Donc bah merci de me confirmer, mais t'aurais pu juste lire la page du mode. Si tu galères avec les perfides classiques, ceux que tu obtiens en fusion, je peux t'en envoyer. Non mais... Les gens! J'ai littéralement... Il y a 246 personnes qui sont là sur mon live sur YouTube. 55 qui sont sur Twitch. Vous pensez que... En fait, je me sens insulté quand je vois ce genre de commentaires. Vous pensez que je suis stupide? C'est ça que vous êtes en train de dire? Parce que s'il y a 300 personnes qui me regardent, genre, je pense que... Genre, déjà, moi, j'arrive à faire une recherche Google, ce que la plupart des gens ne savent pas faire. Donc, je pense que, quand même, je suis capable de réfléchir et de me dire... Je peux demander aux gens s'ils ont les yokai que je veux et qu'ils me les échangent. Ce qu'il y a, c'est que de 1, je suis sur émulateur. Flemme de mettre ma save sur 3DS. Mais de 2, je suis en train de vouloir faire le jeu tout seul. Je pourrais terminer. Là, dans 1 heure, on peut s'échanger tous les yokai qui manquent et terminer, hein. Même moins de temps. Mais je veux pas. Laissez-moi finir le jeu moi-même. J'ai pété un câble, je suis en burn-out. Bref, en burn out. Non, non, elles sont à l'intérieur, vous en faites pas. Enfin, elles pourraient être dehors, de toute façon. Il n'y a pas la caméra, donc j'ai le droit. Alors, la boîte rouge, voilà, à l'unanimité générale.
Tu verras la boîte rouge, non? Mais je t'avais bien dit de ne l'ouvrir en aucun cas! Caca! Oh non, je suis le chien! Hein? Ah, qu'est-ce que ce nuage qui te suit? Hein? Je fais un roleplay à crame. Mais j'ai jamais eu ça. C'est la première fois que je l'ai. En plus, attendez, écoutez, ça fait en rythme. Par contre, pourquoi ça ne fait pas aller plus vite? Ça devrait, hein. Eh mais le pauvre Noko! Enfin, pauvre Panda Noko! Eh, le Panda Noko, là, il doit... Je serais lui, je me décalerais un peu, hein. Mais non, peut-être qu'il apprécie cette odeur, hein. Le prout, c'est hilarant. Est-ce que les PNJ, ils s'en rendent compte? Ça m'étonnerait, hein. Imaginez, il nous fuit. Ah non. Bonjour madame. Vous êtes où? Bonjour. Certains endroits du coteau fleuri sont très sombres la nuit, fais attention. Et tu veux ça? Vraiment? Tu comprends pourquoi il voulait pas venir sans le mode? T'as vu comment tu le traites? Je traite qui, quoi? Où? Comment? Où? Pendant que c'est de lui rappeler des heures sombres de la deuxième. Comment ça? Pendant le coup, il était dans la Deuxième Guerre mondiale? Tu te la pètes. Merci, Sinbad. Effectivement. Aga doit être mort de rire. Bah, je crois qu'il est parti, mais c'est vrai que s'il avait été là. La dernière fois, Aga, il lui... Enfin, bon, il parle tout le temps de caca et tout ça, mais il nous a dit, ouais, faut que je fasse un énorme P, la team. Genre, je me mute. Il s'est vraiment mute. Et il est revenu. Ah, ça fait du bien. Je pensais qu'il déconnait, mais non, je pense qu'il a vraiment... Lâche une énorme caisse. Merci Caporal! Merci pour ton prime! Ah mais même à l'intérieur! Attendez, il va falloir ouvrir les fenêtres là! Hein. Bon vas-y, on fusionne Timmy Démon. J'arrive pas à me cause sur Discord, mais s'il te plaît, combat-moi sur le 3. Je rêve de te combattre jour et nuit. Jour et nuit. Non, non, je n'ai pas le temps. Mais paye-moi et je jouerai avec toi, il n'y a pas de problème. Ah, je voyais pas Timmy Démon, j'ai eu peur. Il était timide le petit Akram. Vas-y, Timmy Démon et éclat de machin truc. Au moins il est respectueux, il se mute. C'est vrai. Moi je rote des fois en live, en voc et tout. Mais alors péter ça par contre, j'ai jamais osé. Belzel. Ah, c'est Akram depuis qu'il a commencé à avoir de la barbe. Non, non, il a déjà un surnom. Que répondrais-tu aux personnes qui affirment que ton public est entièrement composé d'enfants? Attention, passe n'étant rien à mon avis. Je dirais que malheureusement, ils ont quand même un peu d'accord. Bah, en fait, je constate chaque jour que. On peut pas dire entièrement. Entièrement, bah, genre, c'est faux. Ça a toujours été faux. Même à l'époque, il y avait des parents qui me regardaient. Donc, à partir de là, c'est que non. Mais c'est vrai que c'est en grande partie. Et c'est étonnant parce que. Je comprends pas comment. Yokawash, il y a quand même 6 ans, quoi. Et genre, les gens qui avaient 10 ans à l'époque, ils sont censés avoir 16 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens qui me regardaient, ils avaient 6 ans. Pour qu'aujourd'hui, ils puissent en avoir 12. Ou alors deux théories. Soit mon public, c'est vraiment toujours des enfants. Soit ils ont juste. Genre, j'ai réussi à fédérer la communauté du QI le plus bas de France. L'un ou l'autre. Un QI, soit par l'âge. Soit par la génétique, je n'en sais rien, mais bon. En tout cas, ils ont pas l'air d'être gâtés par la vie. C'est il y a 8 ans le 1 en France? Ah ouais? Alors, maintenant, il faut Vénaldo. Vénaldo Piubidou et Volibrius. On abandonne, non? Si on avait la flemme. Mon Vénaldo, il est où? Est-ce que les carrards du Bingo Kai sont trouvables dans la nature? Ça dépend lesquels. Vénaldo. Alors, Vénaldo, il se trouve. Il aime la viande et il est dans les limbes éternelles ou tunnel sans fin. Quatrième, cinquième cercle. Est-ce qu'on a de la viande? J'avais 12 ans à la sortie de Yokai Watch 1. Donc, c'était bien il y a 8 ans. C'est quoi le site pour trouver où sont les Yoko? Moi j'utilise Super Solus. Il y en a plusieurs, mais Super Solus il est pas mal, je trouve. J'en ai 9, j'espère que ça suffira. Non, par contre, ça va s'arrêter le P à un moment?
Oui, tu vois, toi, tu dates. Non, mais vous êtes sérieux? Et voilà, les gens commencent à dire leur âge dans le chat. Alors, Akram, quand quelqu'un dit son âge et qu'il a moins de 13 ans, c'est ban définitif. Je sais pas si tu l'avais fait, hein. Je l'ai fait quand même par défaut, mais c'est ban définitif. Je vous rappelle, il faut toujours le rappeler, si vous êtes mineur, évitez de dire votre âge où que ce soit sur Internet. Où que ce soit. Et si vous avez moins de 13 ans, c'est même pas éviter, c'est vraiment ne le faites pas. Parce qu'il est interdit, je le répète, hein, mais il faut faire cette parenthèse à chaque fois, il est interdit d'avoir un compte sur quelque réseau social que ce soit si vous avez moins de 13 ans. Ce qui veut dire, et en plus de ça, la responsabilité pénale de cet acte n'est pas sur vous, mais sur nous, les youtubeurs, ou les dirigeants de la communauté, ou du serveur Discord, ou de tout ça. Ce qui fait que si je vois l'un d'entre vous qui a moins de 13 ans et qui le dit, je suis obligé de vous bannir. Même si, ça se trouve, vous êtes super sympa. Ça se trouve, vous êtes sub. Ça se trouve, vous m'avez fait 500 euros de dons. Ça se trouve, vous êtes super gentil, j'en sais rien, tout ça. Je suis obligé de vous bannir. C'est la loi. Je suis obligé parce que vous n'avez pas le droit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux. Donc, il y a rien à prendre personnellement. Hein. Ne venez pas dire après sur un autre réseau ou faire un second compte en disant Mais Kirbendo, je t'adore, pourquoi t'as fait ça? Je viens de l'expliquer. Si t'es trop débile pour comprendre, c'est effectivement que t'avais pas ta place ici. Mais non, non, j'ai aucun problème avec vous. C'est juste que si vous avez moins de 13 ans, il est interdit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux. Donc, moi, si je peux vous dire un truc, même si en théorie je devrais pas vous dire ça, c'est taisez-vous, ne dites pas votre âge. La vraie chose qu'il faut vous dire, c'est ne créez pas de compte sur les réseaux sociaux si vous avez moins de 13 ans. Mais si vous le faites quand même, que vous estimez ou que vos parents estiment que vous pouvez, taisez-vous, ne dites pas votre âge. Mais si vous avez plus de 13 ans et moins de 18 ans, évitez quand même de dire votre âge sur les réseaux sociaux. Mais après, nous, on veut pas que vous le fassiez ici parce qu'il peut y avoir des problèmes, des dangers. Mais vous pouvez le faire ailleurs si vous voulez. Mais donc nous, on vous bannit temporairement si vous avez plus de 13 ans. Mais c'est juste histoire de vous dire ne le faites pas, quoi. Mais c'est où les larmes éternelles? Mais attendez, mais il y a... Il y a un Télémire, non? Ah oui, ok, c'est bon. Par contre, dites votre adresse. Alors, non. Quand vous êtes mineur, ne dites aucune information privée sur Internet. Enfin, vous pouvez dire votre prénom. Personne ne vous retrouvera avec votre prénom. Mais à part le prénom, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez dire. Après, si vous êtes majeur, comme je dis, vous dites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse, votre nom de famille. Vous faites ce que vous voulez si vous êtes majeur. Ça ne me regarde pas. Et ne dites pas que vous avez moins de 13 ans pour rigoler, s'il vous plaît. Alors... Est-ce qu'il y a une limite d'âge version vieillesse? Non, malheureusement, dans la société, il n'y a pas de limite d'âge version vieillesse. Non, mais c'est une question de protection des mineurs. Genre, je comprends que quand on est petit, on se rend pas compte que ce truc est nécessaire, mais si il est nécessaire de protéger les mineurs de plein de façons, de plein de trucs, et donc c'est normal de ne pas vous exposer comme ça sur Internet. Quand vous avez moins de 13 ans, on n'a pas le droit de stocker des informations sur Internet sur vous. C'est tout. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit d'avoir de compte. J'ai plus de 13 ans, mais moins de 18 ans, je vais pas le dire. Bah oui, tu viens de le dire, en fait. Ceux qui ont 6 mois en sueur, ouais, donc la majorité des abonnés de Kirbendo. Attendez, mais lui on l'a pas, non? Ah si, on l'a. Non, c'est Piubidou qu'on n'a pas. Lui, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est la viande qu'il aimait. Le P s'arrête au bout de 4 heures in-game. T'imagines, tu pètes sans arrêt pendant 4 heures. Je suis sûr, il y a des maladies qui te font faire ça. Après, c'est triste, hein. Mais bon. Je fréquenterai pas une personne comme ça. Hein. Vous savez que... J'ai roté. Ça, vous le saviez. Vous savez que quand on pète, il y a littéralement des fragments de caca qui s'envolent dans l'air. C'est réel, hein. Genre, de tout petits morceaux. Mais il y a littéralement des petits morceaux de caca qui s'envolent bah, dans le gaz éjecté par vos fesses. Toujours. Vous savez que quand vous sentez. Genre, pas volontairement, hein, enfin, certains le font volontairement. Mais quand vous sentez à votre insu. Le P de quelqu'un d'autre, vous inhalez, littéralement, surtout si vous sentez par la bouche, vous inhalez des morceaux de son caca. Voilà. C'est réel, hein, là j'invente pas. Hein.
Justement, ouais, Ghost Trick, ça m'étonne pas de toi de toute façon, ça. C'est réel. Après, il y en a qui apprécient, hein. Je n'en fais pas partie. Je suis jalouse. Ah, Little Paquet qui est jalouse. Parce qu'elle a pas pu sentir le P de quelqu'un. Oh là là, mais j'ai jamais les cœurs. Pourquoi malheureusement? Vous êtes vraiment des détraqués. Mais c'est ça qu'on aime. Des fois, les abonnés de Kirbendo sont drôles quand même. Tu peux faire un tuto pour installer le mode? Non. Il y a des dizaines, je vais le redire, hein, mais il y a des dizaines sur Internet, sur YouTube, de tutos qui vous permettent, enfin qui vous expliquent comment installer. Pour moi, si vous n'êtes pas capable de faire une recherche YouTube, voire une recherche Google, c'est que vous serez jamais capable d'installer un mode. À mon avis, hein. Donc non, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne suis pas payé suffisamment pour vous faire un tuto. Par contre, effectivement, si vraiment, malgré les différents tutos, vous ne savez pas comment faire, je ne suis pas technicien, mais je peux venir en privé, en vocal avec vous, et vous expliquer comment faire. Il n'y a aucun problème. Je peux faire ça. Cependant, genre YouTube, tout ça, c'est mon métier. Ça veut dire que si je fais ça, je fais pas ça gratuitement. Je ferai ça sur mon temps de travail. Mon temps de travail que vous devrez me rémunérer, ce serait une prestation. Donc si vous voulez que je vous fasse un tuto personnellement en privé sur comment installer des mods 3DS, je veux bien vous les faire, mais il va falloir m'envoyer 20 euros sur PayPal. 20 euros de l'heure de tuto sur PayPal. 20 euros payables d'avance. Mon PayPal, c'est paypal.me/kirbendo. Vous m'envoyez l'argent là-dessus, vous mettez votre adresse email ou votre compte Discord dans le message. Je viens sur Discord. Et je vous explique comment installer. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas d'autre façon. Hein. Je vais pas vous expliquer gratuitement comment installer un truc. Sachant que déjà, j'ai déjà fait une vidéo. En plus de ça, plein de gens ont fait d'autres vidéos. Et donc, s'il faut que je vous installe... Enfin, que je vous explique de manière personnelle, il faut que je sois payé. Hein. Je fais ça sur mon temps de travail. Hein. Tu peux pas entendre mon PayPal, dommage. Mais il est dans la description, non? Eh ben non, je suis pas ami. Je gratte de... Il gratte de l'argent là? Bah pas vraiment. Non, c'est normal. Là par contre, c'est normal. C'est comme si tu demandes à un plombier de venir chez toi, de réparer ta plomberie. Enfin, genre tu vas voir un devant tu vas devant chez des plombiers et tu dis: "Ah, j'arrive pas à réparer ma canalisation et tout." Et tu fais que de tourner dans le bureau du plombier en disant: "Ah, j'arrive pas, je sais pas comment faire, etc. Est-ce que vous pourrez m'expliquer et tout?" Le gars, à un moment, il va te répondre: "Bah écoute, mon travail, c'est la plomberie. Donc tu me payes, je viens chez toi sur mon temps de travail et je te répare ma plomberie. Enfin ta plomberie. Normal." Donc voilà, moi vous me demandez de faire un truc alors que j'ai déjà fait un tuto et que des dizaines de tutos existent déjà sur YouTube. Si tu veux que je t'aide en privé, donc que je t'explique personnellement comment faire, bah c'est une prestation, c'est mon travail. Donc Oula, Akram! Vive le sexe, oui bien entendu, mais Ok. Mais oui, vive le sexe. 15 euros, c'est pas grave. Alors, t'as retiré. Il assume pas. Non. Parce que moi, vu que j'ai une entreprise personnelle, enfin individuelle, je paye la moitié de ce que je reçois en cotisation sociale. Donc, quand on m'envoie 20 euros, en réalité, je gagne que 10 euros. Hein. Donc, c'est moins que le SMIC. Donc, 15 euros, je suis désolé, je ne travaille pas pour 7 euros par mois. Je ne suis pas. Enfin, on n'est pas au Bangladesh. Akram a large raison. De dire vive le sexe, oui. Sauf qu'il connaît pas ça, Kram. Alors, est-ce qu'on va devenir son ami? T'es à combien de pourcents du médallium? 92. Oh! Oh non. Merci, Akram! Merci pour le don! Akram, c'est vraiment le meilleur. Soyez comme Akram. Non. Non, non, on va. Non, soyez pas comme Akram. Alors, Akram, excité par la fin de One Piece là, qui approche de plus en plus? Par contre, je vois en ce moment, à chaque fois que je pense, enfin que je vois des trucs One Piece, je pense à toi, Akram. Donc, quand je vois de la pisse, je pense à toi. Non, mais en vrai, tu sais, j'ai vu de plus en plus sur Twitter des tweets sur One Piece qui parlent de One Piece LGBT. Et alors en vrai, je suis d'accord sur pas mal d'arguments qu'ils ont. Genre effectivement, c'est vrai qu'il y a...
il y a des crossdressers, il y a des trans, etc. dans One Piece. Mais par contre, il y a un truc sur lesquels les gens, je trouve, genre vraiment, ils ont ils sont en mode extrêmement. Enfin, là, je trouve vraiment c'est de la surlecture. C'est quand ils parlent de Luffy et qu'ils disent que Luffy, tu sais, il est asexuel et aromantique. Et en fait, déjà, moi, je suis en mode, mais wesh, Luffy, quand One Piece a commencé, il avait 16 ans. Est-ce que c'est anormal pour quelqu'un de 16 ans de pas parler de sexe ou de pas être intéressé par l'amour? Genre, je veux dire, effectivement, les gamins de 16 ans, souvent, ils sont intéressés par ça parce qu'il y a les hormones, mais il y en a qui le sont pas, hein. Surtout qu'en plus, il avait des motivations de la vie, je veux dire. En fait, le fait que Luffy ne parle jamais ni de trucs romantiques, ni de baisers, pour moi, ça veut pas dire qu'il y pense pas. Genre, par exemple, on le voit jamais aux toilettes, ça veut pas dire qu'il va pas aux toilettes non plus. Donc, je sais pas, ça je trouve par contre que c'est un peu de la surlecture. J'imagine que t'es d'accord un peu, non? Oui, il y a beaucoup de trucs de LGBT dans One Piece. Ça, c'est très bien d'ailleurs. Justement, donc les gens qui disent non, One Piece ce n'est pas LGBT, les gens qui voient des trucs dedans LGBT, c'est des wokistes, etc. Non, non. Non, non, Oda, il a fait. Des fois, il l'a mal fait par contre, mais. Il a quand même essayé, et Oda, pour ça, oui, One Piece, il y a plein de trucs LGBT inclus, de temps en temps extrêmement visibles, et c'est d'ailleurs très très bien. Mais pour Luffy, je trouve que par contre, c'est quand même vraiment. Pour Luffy, c'est vraiment, vraiment trop en vouloir, quoi. Enfin, je veux dire, je pourrais en citer des centaines des personnages de séries ou de films qui ne sont ni intéressés par le sexe, ni intéressés par le sexe, ni intéressés par l'amour, enfin, en tout cas, dans leur dialogue. Et qui pourtant sont pas asexuels ou aromantiques, hein, donc Il en parle hors champ, bah c'est possible. Puis en plus, je suis désolé, il est obnubilé par autre chose, Luffy, par le One Piece. Je veux dire, si je voudrais parler de mon expérience, dans les périodes de ma vie où j'étais vraiment, où je m'ennuyais de fou, j'avais une activité sexuelle de dingo. Genre, vraiment, ça m'occupait de fou. Les périodes de ma vie où j'étais super occupé, surtout par des projets YouTube ou quoi, et ben j'arrive, il pouvait m'arriver, pendant plusieurs semaines, d'avoir aucun rapport. Genre, c'est. Et de même pas y penser, en fait. D'avoir aucune libido. Parce que, genre, là, je trouve que. Genre, des fois, quand t'es occupé par d'autres trucs, c'est juste. Et ça faisait pas de moi un asexuel, quoi. Enfin, donc. Je sais pas, je pense que Luffy, pour ça, c'est vraiment une grave surlecture. Mais bon, après. Mais c'est vrai que pour le coup c'est bien, et les autres gens de l'autre côté qui disent ouais non il n'y a pas de LGBT dans One Piece, mais en fait vous avez pas lu One Piece quoi. J'en ai marre, ça fait 10 minutes que je suis dans le générique de Miles Morales, comment ça? Si Luffy veut être gay, laissez-le. Alors peut-être oui, mais là c'est pas ce qu'on dit. Luffy à aucun moment il a sous-entendu être hétéro ou être gay. Hein. Ah let's go! Adam en sueur quand il te voit t'ennuyer. Non, ça va, au contraire. Il aimerait que je m'ennuie plus souvent. J'ai été en couple avec une meuf il y a longtemps. Et c'est parce que j'étais dans le déni. Ok, bon. Là, il va falloir trouver Piubidou. Ou Shipper Piubidou, je crois. Oh, pour l'instant, là, j'ai eu 3 Yoko. C'est pas énorme. Hein. Ça fait combien? 30-53 minutes? Ah non, Cornac, à chaque fois j'ai envie d'aller voir ce qu'il en est, mais. Piobidou. La corniche, je suis sûr, il va pas être très rare. Il n'y a pas un autre son dans les limbes éternelles, là. Voyons voir. Tant qu'à faire. Non, il n'y a personne dans les limbes éternelles, là? On peut même pas devenir ami avec eux comme ça. Bon, ok. Cubidou, c'est Corniche, ouais. Et il aime quoi d'ailleurs? Moi, j'aime plus ou plus? Akram, tu n'aimes plus parler à des filles ou tu aimes plus parler à des filles ou tu n'aimes plus parler à des filles? Donc, il aime les hamburgers et il se trouve, ouais, rendez. Est-ce que j'en ai des burgers? De quoi s'attendre? Faut pas s'attendre à grand-chose. Ah mais j'en ai en plus des burgers, j'en ai plein je crois. Ouais j'en avais acheté plein. Salut Valou! Ça va et toi? Valou Shinobi. La vidéo sortira le week-end prochain comme d'habitude, ouais c'est toujours le samedi. Alors, je vais vous teaser un truc, mais j'ai tourné plein de vidéos de Yokawash 3 d'avance là.
Randomize. Et alors... Avec l'épée de Nathan en fond. Non, mais en vrai... l'épisode 8, donc c'est pas tout de suite. J'ai deux yokai, mais incroyable dedans. Hein. Même moi, j'en revenais pas. Hein. Plus du tout. Ah bah, ça m'étonne pas, Akram. Hein. Akram, tu t'affirmes enfin en tant qu'homosexuel, mais on l'a toujours dit. Hein. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à Sandbad, il était tout à fait d'accord avec moi. Non, c'est pas par là, je crois. Je vais aller là. Je trouve ça grave relaxant de regarder ces lives, merci. J'aimerais trop que t'es Zombgaros. J'avoue. J'ai trouvé le l'Oni Orcanos avec des peintures la tribale. Je suis pas devenu ami avec lui, mais je l'ai trouvé. Le mage noir, c'était toi. C'était toi qui quoi? Sandbad, je vais le tuer. Ça changera pas la vérité, Akram, hein, t'inquiète. Moi, les filles me saoulent, soit elles disent que je suis trop petit, je parle de ma taille, ou alors c'est oh, Trambaka, t'es trop kawaïné. C'est quoi ce truc? Après, c'est l'âge. Mais je suis désolé, Akram, mais par contre, Sandbad, c'est en train de devenir mon nouveau Marocain préféré. Hein. Je te remplace. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça devient ton projet là d'aller à Paris en avril, comme tu disais? C'est annulé? Enfin, après, comme je te dis, moi, j'y suis pas encore en avril. Mais à la Japan Expo, faut que tu viennes! On peut pas sortir par là la nuit. On peut sortir par là la nuit, ah ouais? On peut juste pas rentrer. Ouais, ok, d'accord. Y'a quoi en vente à la scène? Ah oui, c'est le truc des musiques. Donc, c'est un rendé qu'on trouve dans les fleurs, ce que vous m'avez dit. Ah, déjà un rendé. Sous les voitures, je pense pas que ce soit là, mais bon. Regardons. Pas du tout. Je peux sortir mais pas rentrer, ok, la logique. C'est pas logique mais au moins c'est pratique quand même. J'ai déjà eu deux meufs en même temps, je déconseille. Ouais non mais oui. Japan Expo c'est prévu. Et tu vas dormir où? Hein? Dans la rue? Est-ce qu'il vient à des arts à la... J'ai trop envie de le voir à des arts. Oh oh, des. Pas encore sous la voiture! Ouais, c'est que les noms sous la voiture. Reset la zone, intéresse-toi juste aux trois parterres aux fleurs devant le musée. Ah bah le mieux c'est que je sois le jour alors. Ok, j'y vais le jour. Vous aimez le noir? Mais c'est quoi ce mème de. C'est de Josplay, c'est ça non? Josplay en ça! Plutôt BG quand même, non? Comment t'as su que t'étais gay? Bah, c'est un peu physique. Après un moment de déni. J'ai pas besoin de faire un dessin, non? Pourquoi tu pètes quand tu cours? Ah, j'ai pas le droit! Nathan, il a une maladie. Il a une maladie du système intestinal. Et il n'arrive plus à contracter son anus pour retenir ses pets. Et donc ça fait qu'il est toujours obligé de tout relâcher. Imagine l'état de son caleçon. Donc arrêtez de vous moquer. Non, Josplay aussi, surtout, en parlant de lui, ses cheveux. Qu'est-ce que j'aimerais avoir les mêmes cheveux que lui. Mais alors j'ai regardé sa vidéo là où il parlait de sa routine de cheveux, wesh. Attendez, j'ai pas le temps de ça. Hein. j'ai pas son temps à Josplay. Hein. Par contre, genre, il y avait les gens dans les commentaires, ils étaient dingos. Parce que Josplay, il dit dans sa vidéo... Que il dit ne vous lavez pas les cheveux, lavez-vous les cheveux, oh let's go. Il dit lavez-vous les cheveux le moins souvent possible. Et en vrai les gens étaient là en mode t'es dégoûtant et tout, mais enfin genre il a raison. Hein. Genre lavez-vous les cheveux que quand c'est nécessaire, ça dépend de votre nature de cheveux. Mais plus vous vous lavez les cheveux, plus ils vont devenir gras vite. Ça genre ça nique les cheveux de les laver trop souvent. Hein. Donc en fait Josplay, Là, pour le coup, il avait littéralement raison et les gens étaient en mode... Bah, comme moi, quand j'étais au collège et au lycée, hein, je me lavais les cheveux tous les deux jours et genre, je regrette la vie, j'aurais jamais dû faire ça. Il met du caca sur ses cheveux. Mais je me souviens d'Alex Robles. Oui. Bah, il est toujours sur le serveur Discord, non? J'ai vu des messages de lui il y a pas longtemps. J'espère pour Nathan que c'est pas le type de paix que je pense. C'est-à-dire... Est-ce que tu utilises Citra? Non, 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 n'appelez pas Nintendo, pitié, pitié.
Par contre, il ira ou quoi, ce yokai? Fait des allers-retours au haut de Grandval. Bah, pourquoi? Ça revient au même, là, non? Ah, peut-être que ça reset pas la zone. Ah, y a Middle, attendez. Il y a plein de gens qui le disent, mais moi perso, si je la fais une fois tous les 2 jours, ils deviennent trop gras. Ouais, ça reset pas. Bah alors oui, mais justement, en fait, moi je suis tombé dans ce piège. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est juste que j'ai dû laisser mes cheveux devenir sales, volontairement. Pendant le Covid, j'ai laissé mes cheveux devenir sales, j'ai arrêté complètement de me les laver pendant plusieurs semaines. Et ensuite, je me les suis lavés, j'ai commencé à les soigner correctement. Et depuis, mes cheveux, j'ai besoin de les laver vraiment, genre normalement une fois toutes les 2 semaines. Et vraiment quand ça va pas, une fois par semaine. Donc ouais, il faut supporter que ses cheveux soient de laisser ses cheveux devenir sales à un moment. Quand vous êtes à l'école, c'est compliqué, mais attendez les vacances. Pendant les vacances, si vous avez prévu de ne pas sortir, laissez vos cheveux devenir sales, vraiment à fond. Et après, vous faites un énorme shampoing. Et à partir de là, vous prenez les shampoings de manière, enfin, plus espacée. Ah oui, les teintures, les décolorations. Des frisages, lissages permanentes, ça ne faites jamais dans vos cheveux. Ou alors, si vous les faites, faites-les vraiment chez un coiffeur et chez un coiffeur qui coûte cher. Pas des petits coiffeurs comme ça. Faites-les surtout pas chez vous à la maison. Faites-les faire par un professionnel qui vous mettra des produits de professionnel. Parce que si vous mettez n'importe quoi, vos cheveux, genre des fois, va vraiment falloir vous raser la boule à zéro pour que vos cheveux redeviennent bien. Quand t'avais fait ta cure de sébum, t'avais plus jamais enlevé ta casquette. Oui, pendant ma cure de sébum, ma casquette, je la retirais jamais. Quoi? Peut-être que c'est dans le combat, par contre, essayons. Tu utilises quel câble pour connecter ta DS? Je connecte jamais ma DS à l'écran. Par contre, je connecte ma 3DS, mais ma DS, non, jamais. Oh. Vas-y, tuez-les. Ma casquette, je ne sais plus où je l'ai achetée, elle est plus en vente nulle part. Et oui, je me souviens de Spectrolo. Bah, d'ailleurs, il est repassé sur un de mes lives il y a quelques temps. Il est venu dans le chat, il fait toujours des streams et tout. Et tu t'es rasé à crâne depuis la dernière fois ou toujours pas? Moi, les cheveux, je lave 2-3 fois par mois, je vais jamais chez le coiffeur, les parents le font eux-mêmes. Ouais, bah ouais, 2-3 fois par mois, c'est bien. Hein. Genre, vraiment. Après toi, t'as des cheveux lisses. Je crois que c'est des cheveux qui. Oh. Qui. Enfin, c'est une nature de cheveux, je crois, qui graissent pas trop, mais ouais, c'est ce qu'il faut. Non, mais attendez, mais c'est une blague! Je vais recharger la zone, mais. C'est bien rendez pourtant! Ouais, broussailles et fleurs. Par contre, je vends ma casquette 500 euros. On va galérer pour un yokai de merde, vous allez voir. Ah non, le... Ah ouais, bon, enfin, c'est pas sûr qu'on va devenir son ami, par contre. Il aimait quoi, déjà, rappelez-moi, les hamburgers? Un oiseau qui mange des hamburgers, je suis pas sûr que ce soit bon pour sa santé. Je suis rasé. Ouf. Super, Akram. Enfin. Tu redeviens beau. Le truc, c'est que mes cheveux, ils graissent hyper vite. Ouais, mais il faut... Faut se forcer à espacer. Ils finiront par reprendre un cycle normal et par régresser moins vite. Ok, bon. Akram, il s'est rasé sa barbe. Il avait une barbe, mais genre. Ta, les djihadistes. Non, je déconne. Pas à ce point, mais. Ok. Comme je dis, la barbe, ça lui allait. Mais c'est surtout la moustache. De toute façon, la moustache, ça va à personne. C'est quoi, Wii Room? C'est quoi, Wii Room? Comment ça, c'est un nouveau truc dont tu viens d'apprendre l'existence? Tu viens de me l'apprendre aussi. Wii Room, ça n'existe pas. Une creepypasta, c'est ça? Oui, Noma. Ah ouais? Ah, c'est un truc au Japon? Oui, Noma, c'est ça? Ah, vas-y, j'en lis pas plus si tu fais une vidéo. Mais ça, c'est inconnu, hein, inconnu au bataillon. Et il a arrêté les vidéos, Craconix, ou quoi? J'ai vu qu'il avait arrêté de poster.
Comme on parle de trucs, oui, je pense à ça. Ah ouais. J'aime trop ces miniatures à Krakow, par contre. Wouah, chaque fois, elles me font bander. Quand je vois ces miniatures à Krakow, je suis tout nu. Oui, Noma. Ouais, c'est Wii Room. Oui, Noma. Oui, non, mais je crois que t'es en décalé, Akram, en vrai. Parce que ouais, j'ai vu ton truc, mais en retard. Enfin, sur YouTube, vous êtes grave en décalé, hein. Tu vas saisir le bail. J'appelle Krakow, je lui dis de faire une vidéo dessus. Krakow, il continue? Bah ouais, ça fait une semaine qu'il a pas sorti vidéo, donc pas anormal. Ah, encore? Ok. Let's go! Tu connais la chanson de tourner la manivelle? Non, je connais quasiment aucune chanson. Salut Rex, ça va? T'es capable de faire la danse Nya Arigati? Non, je danse pas et je sais pas de quoi tu parles. Ouais, ces mini, elles sont trop belles à Krakow, vraiment. En plus, ce qu'il y a, ce qui me tue, c'est qu'elles sont simples. En fait, je suis sûr que Krakow, la majorité du temps pour ses miniatures, c'est du temps de réflexion. Je pense qu'il doit passer 80% du temps en réflexion et 20% à littéralement les faire. Parce qu'elles m'ont vraiment pas l'air d'être dures à faire, hein. C'est juste l'idée qui est derrière qui est dingue. Enfin, après, on en parle de tes miniatures à Krakow, elles sont aussi pas mal, hein. Oh là là! Non mais ah. Vas-y, vas-y, vas-y. Balek, mon DZ préféré. C'est qui ton DZ préféré? J'ai 97% du médaillon, mais il me manque que Roboyan F. Bah alors mets le mode. Y a que la moustache qui me va. Salut Secretti. En fait j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression c'est soit la moustache, soit la barbe, ça va à quelqu'un. Mais les deux en même temps, ça fait toujours genre vieux. Mais genre vraiment vieux, vieux ou sale. Souvent ça fait sale en fait. C'est surtout ça. J'ai l'impression que barbe plus moustache, ça fait souvent sale. Parce que c'est vrai qu'en fait. Genre je réfléchis, il y a des gens, la moustache, ça leur va bien, mais la barbe non, et d'autres l'inverse. Mais alors je connais personne quasiment où les deux vont ensemble. Surtout les deux quand c'est collé. Tu vois, il y en a à avoir une barbe là et une moustache là, ça passe. Mais genre quand c'est collé, tu vois. Bah après, prove me wrong, hein. Peut-être qu'il y aura quelqu'un un jour, je vais voir, je vais dire, ouah, ça te va trop bien, mais pour l'instant. Je préfère avoir un ongle incarné ou un ongle incarcéré. Un ongle incarcéré, deuxième option. J'ai déjà eu un ongle incarné, j'aime pas trop ça. J'ai même eu un ongle coupé en deux. À cause d'une bouteille de bière. Je pense que c'est une bouteille de bière, je n'en sais rien. Cette histoire est très cocasse. Mais ça me fait encore mal d'y penser. Surtout que j'ai toujours les séquelles. Mon ongle, il a toujours genre la marque. Mon ongle de pied, donc non. Je ne vais pas vous montrer mes pieds en vidéo. Enfin, en live. Enfin, si vous êtes majeur, faites-moi un don et je vous les envoie en PV. Hein. Il me manque Raltes, Metal, Insomnel Shiny, Rhino Limit Shiny et deux boss. Ok, bah, bon courage. Il te manque pas grand-chose, hein. T'es presque à la fin. D'ailleurs, on n'a pas accéléré le temps aujourd'hui. Hein. Accéléré le temps. Barre plus moustache, plus coupe, SSJ3, ça veut dire quoi? Oxymarque, c'est parce que bah, les gens ils ont pas trop le temps. Mais tu sais, Oxymarque, dans une semaine, c'est terminé les échanges 3DS. Il y aura plus le online. Mais il y a Pretendo. J'ai failli vomir. Mais il y a Pretendo. La ferme, putain, la ferme, ta mère, je l'en. Bref. Mais on a déjà posé la question, là, Mario. Tu préfères sauter la sixième ou sauter la sixième? Comment ça? Je parlais à quelle mère? À celui qui s'apprêtait à dire ça. Bah déjà je parlais pas à une mère, parce que j'allais pas enculer la mère d'une mère. Mais je parlais à celui qui allait me parler de Pretendo. Donc je sais pas. Oh let's go! Je sais pas qui ça allait être, mais je pense qu'il se sentira visé lui-même, il se reconnaîtra. T'es contre Pretendo? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est juste que, en fait, à chaque fois que je dis, vous savez les gens, dans une semaine, vous ne pourrez plus faire d'échange du Kawatch, donc dépêchez-vous de le faire maintenant. Il y a toujours un couillon qui arrive et qui me dit, non Kirbendo, parce qu'il y a Pretendo. Je répète le contexte. Les gens qui viennent me dire tout le temps, les gens qui ignorent que dans une semaine, c'est la fin du online, ces gens-là, genre,
à 100% d'entre eux ignorent ce que c'est que Pretendo. Et en plus de ça, s'ils ignorent comment se give des yokai via Save Editor, ils ignorent aussi comment installer Pretendo. Donc voilà, c'est pour ça, je dis arrêtez de me parler d'un truc qui de toute façon ne concerne pas les gens à qui je m'adresse en disant il n'y a plus de online dans une semaine. 32% du million sur YouTube. 32% du million sur YouTube, bah non, j'ai 420 000 abonnés, donc j'ai 42%. Vous savez pas compter. Bonne chance pour Altes. Moi, je crois que je l'ai déjà, Altes, non? Je l'avais eu à l'époque, il me semble. Au Bingo Kai. Et pour moi, il m'avait paru normal. Hein. Alors, Volibrius. Demain, tu fais quoi comme vidéo? Bah, Yokai Watch 3. Et l'épisode parle de pi. Pas de pi de vache. Il parle de pi, le chiffre. Alors, du pain. Eau de Grand Val, canal isolé. Attendez, déjà, le pain. Faut que j'aille en acheter. Raltes, c'est une horreur. Bah, en fait, moi, je suis passé au-dessus du truc avec Raltes. Parce qu'en fait, bah, genre, je l'ai eu direct, en fait. Enfin, genre, j'ai appris son existence en l'ayant eu. Donc, pour moi, le yokai, il m'a jamais paru rare ou quoi. Je suis sûr qu'un type random va réussir à glitcher sa 3DS pour remettre Internet. Alors, bah, ça existe déjà avec Pretendo, justement. Tu ne peux pas glitcher ta 3DS pour réussir à remettre Internet via les serveurs officiels. Tout simplement parce que les serveurs 3DS vont être coupés. C'est-à-dire qu'un serveur, c'est pas un truc magique. Hein. Un serveur, c'est-à-dire qu'il y a, dans les locaux de Nintendo, ou dans les locaux d'une société qu'il sous-loue, hein, c'est possible, enfin, de prestations, il y a des ordinateurs. Genre, il y a des tours. Genre, qui sont souvent grandes, hein, elles montent jusqu'au plafond, souvent sur plusieurs murs, et ces ordinateurs sont allumés 24 heures sur 24, connectés à Internet, et c'est ça qu'on appelle un serveur. Donc quand tu te connectes avec ta 3DS, en réalité, ce qui se passe, c'est que tu envoies un signal vers le serveur, qui ensuite envoie un signal aux autres 3DS. Tu vois le concept. En fait, ce qui se passe, c'est que Nintendo va arrêter les serveurs, c'est-à-dire que Nintendo... Ils vont aller dans leur salle de serveur et ils vont appuyer sur éteindre. Et quand c'est éteint, juste, il n'y a pas de glitch à faire en fait. Genre c'est littéralement physiquement impossible. Ça veut dire que quand tu vas connecter ta 3DS à Internet, elle va envoyer le signal au serveur. Et en fait, et bah, le serveur il va juste bah, pas répondre vu qu'il sera éteint. Donc il va y avoir marqué l'autre ne répond pas, les serveurs ont fermé ou un truc comme ça. Voilà. Donc là pour le coup, tu peux pas glitcher ça en fait. Je viens de voir la vidéo où tu dis c'est quand tu combats au Gralos. I don't know. Je fais quoi comme travail, Kirb? Bah, YouTube. Smash, chef, smash quoi? Smash moi? Je sais. Ah, bah, il y en a que 3. Ah, c'est ça le problème des pains en fait. J'ai envie de lui mettre un pain là. Ça dérape. Bon, il est où le canal isolé là? Peut-être que c'est derrière la poissonnerie. Talo! Du coup, on ne peut plus jouer avec la 3DS? Bah, en ligne. Tu pourras plus jouer en ligne, ça c'est clair. Il y a quoi en bas? Mais tu pourras toujours jouer en local, bien sûr. Avant que l'online 3DS ferme, ça te dit un live spécial 3DS online. La semaine prochaine, je pense que je ferai une semaine de jeux 3DS. Mario Kart 7, Blaster, Yokai Watch 2. Ah, mais Yokai Watch 2, je peux pas. Je vais voir si j'ai pas une save quand même. Quel autre jeu 3DS on pourrait faire? Tu te mets en couple avec un abonné à combien d'euros? Ah, c'est ici. Bah, je suis déjà en couple en fait. Donc non. Après, avec Adama, on s'est déjà mis d'accord. Hein. Pas pour un couple, mais pour des relations sexuelles. L'un ou l'autre, on s'autorise à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre en échange d'une suffisante somme d'argent. Hein. Alors bien sûr, on se demande l'autorisation l'un à l'autre, hein, mais si quelqu'un propose genre plusieurs centaines, dizaines de milliers d'euros pour avoir une relation avec Adama, moi je dis oui, hein, et lui aussi je pense. À quand le live létal? Bah en fait, on a pris du retard à cause de Evan. Parce que ça devait être la semaine prochaine, non? J'ai noté, la semaine prochaine. Ah mais non, mais on pourra quand même le faire la semaine prochaine. Je pense que ce sera comme prévu la semaine prochaine. Re-Ekram. Ah bah le voilà, direct. Raltes, tu l'as plus au bingo, c'est quelqu'un qui te l'a envoyé. Ah ouais? Ah ok, d'accord, très bien.
Donc, c'est parti pour le pain. T'étais où, Akram? Faut que je te parle après, d'ailleurs. Pendant le coup, il est fort. Il est pas très fort. C'est un rang A, donc ça va. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un talent qu'il y a que lui qui a. Mais en fait, il a pas un très haut taux, donc c'est un peu nul. Dengar pas 3DS, ça existe? Ok, faut qu'on nourrit l'autre. Ah, quand le Kawash 1, 100%, peut-être jamais, ça. Comment avoir mes métals? J'ai pas fait toute une vidéo pour l'expliquer. Je sais pas, c'est vrai que je devrais contacter le créateur, t'as raison, Ishako. Peut-être qu'il a juste oublié Corniak, hein. Bah non, parce qu'en fait, il y a un moyen, on peut l'avoir au tunnel sans fin. Donc non, 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 il y a un moyen. Et donc je vais essayer de l'avoir au tunnel sans fin, hein. Je serais bien obligé, hein. Oh là là, c'est chiant. Merde. J'étais dans le coin. Ah, t'as été mis au coin, t'étais puni? Ah, c'est pas le cœur. Métal, c'est plan Kyokai, ok. Ah, j'ai pas fait métal. Me dites pas que j'ai pas mes métal. Je vais aller voir. Justement, il me manque aussi Corniak et c'est long. Je pense que j'utiliserai des save states. Hein. J'ai essayé de l'avoir, mais je pense que pour Corniak, j'utiliserai des save states. Et on va utiliser un guide. D'ailleurs, ce serait bien qu'on le fasse la semaine prochaine en réalité. Mais métal, il est où? Non, je l'ai, mais métal. Bah ouais, voilà. Je l'ai, hein. Ouais, pendant un coup, il sert à R. C'est affligeant. Vraiment, là, je le mets juste pour flex. Il est censé avoir un talent de dingue, mais son taux d'utilisation est tellement bas. Ok, il passe à côté de moi sans problème. Prends Pitou sinon. Ça sert à rien, j'ai déjà l'âme superstar. Et il me semble que ça ne se stack pas. Comment t'as eu Pandanoko? J'ai fait une vidéo. Hein. Elle est pas pour les chiens. À moins que tu sois un chien. Pour le coup, ça veut dire que la vidéo n'est pas pour toi. Donc ne va pas la voir. Si t'es un chien! Après, c'est pas moi qui ai dit que t'es un chien. C'est à toi de me confirmer ou non. Après, j'ai rien contre les chiens. Il y en a plein dans mes chats. Donc pas de soucis. Non, je peux pas dire ça, Lobok. Je suis trop nul à ce genre de truc. Ah! Chat en émote uniquement demandé! Vas-y. Et je sais pas si vous avez vu, mais sur la chaîne secondaire, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui, hein. Sur The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Randomisé. Vas-y, vas-y, vas-y. J'étais sur mon portable, là. Oh là là! On n'a pas eu les cœurs dans les bulles depuis le début, hein. Le prochain épisode du Kawash 3, c'est annulé, Colombo. Enfin, c'est pas annulé, mais c'est mis en suspens. Tant que j'ai pas un don de 500 €, l'épisode sortira pas. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, les dons sont cumulables. Hein. Faut pas qu'une personne me donne 500 €. Enfin, c'est possible. Mais si quelqu'un me donne 100, quelqu'un me donne 200, quelqu'un d'autre 50 et l'autre 150, c'est bon, ça compte. Eh oui, tu l'as vu en avant-première, Moutarde. En effet. Non, mais what? C'est pas Yokai si rare que ça, pourtant. Enfin, de si haut niveau que ça. Kaku, kaku. Pourquoi tu veux pas 100% et Kawash 1? Parce que c'est impossible d'avoir Pandanoko. Voilà pourquoi. Ok. En fait, même Yoshix, il a fait le 100% du Kawash 1. Et il a dû se le donner Pandanoko. Je trouve ça nul, un jeu où pour le 100%, t'es obligé de te donner un yokai. Je critique pas Yoshix, hein, je critique le jeu là. Non, non, c'est entre chaque épisode, Moutarde sera forte. Dommage. Octorgon ou QB? Ah, un sondage a été demandé. Il n'y a pas de modo. Y a-t-il des modérateurs sur Twitch? Quand on a complété le médaillum, célèbre cette occasion en essayant de battre Orcanos. Oui, c'est prévu. Non, pas avec l'équipe de légendaire par contre. Hein. Elle a pas la strat qu'il faut. Hein. Ikawash 1, ça a plus aucun intérêt de le 100%. Ouais. J'ai pas fait de vidéo pour mes métals, mais je l'ai eu comment mes métals? J'ai dû l'avoir au hasard. Hein.
Yekawatch, mes métal. Ouais, j'ai fait pour Yekawatch 1, mais pour Yekawatch 2, non. Mais je sais pas comment on l'a alors. Yoshik, c'est Give Cockpit pour pas faire les 30 jours. Ah ouais? Il aurait pu avancer le temps. En vrai, ça revient au même, hein. C'est juste un gain de temps. Let's go! Parce que sur émulateur, tu peux augmenter le temps. Mais c'est vrai que, entre tricher pour avancer le temps ou se le donner, en réalité, il n'y a pas. Enfin, ça revient au même, hein. Il a juste gagné du temps. J'adore ta vidéo. Est-ce que tu pourras faire tous les pouvoirs de Kirby comme t'as fait pour Mario? Non, j'ai pas les moyens. Faites des dons et je pourrais relancer la chaîne Kirbédito. C'est le projet d'ailleurs. Comme je l'ai dit, quand la chaîne Kirben Deluxe sera rentable, ce qui n'a l'air de jamais arriver, eh ben je reprendrai sûrement Kirbédito. Je sais pas combien il a de défense, le pot-au-feu. Salut Exo! Je crois que j'ai trouvé. Enfin, salut Drago. Je crois que j'ai trouvé sa planque yokai et tu l'as eu one shot. Ah, ok. D'accord. Ben, ça doit être ça. Pourquoi t'as embrassé l'autre? De quel autre tu parles, Almax? Je rêve, vous galérez pour Corniak. Bah, Corniak, il est rare. Plus que Dynamo en réalité, hein. Quand un live combat avec les abonnés avant la fermeture du online, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure à Kram. La semaine prochaine, je vais faire Mario Kart 7 en live, Yekawash Blaster en live, et Yekawash 2, je sais pas parce que j'ai plus de save sur mes 3DS. Donc à voir, mais je sais pas. Comment ça se passe pour le moment? Très bien, très bien. Pour l'instant, on a eu quelques yokai sur cette vidéo, donc c'est bien. On en est où? On a pas mal de pages complètes, hein. Ok, là maintenant. Ah, là par contre, il y a pas mal de trucs. Donc, Humili et Sornella? Je vais voir si j'ai l'objet de fusion. Mais je suis sûr que je l'ai. Je suis sûr que je l'ai. Donc, Humili. Humili, c'est rare. Yamidle. Je fais plus de short, ouais. Ça prend trop de temps et ça rapporte rien du tout. Encore le pain! Tour Excellence. Ok, rang C. Je comprends pas le jeu de mots Volibrius. Alors, c'est parce que c'est un Olibrius qui vole. Olibrius, c'est vrai que c'est un vieux mot. Mais un Olibrius, c'est genre un gars lambda, je crois. On dit, qu'est-ce que c'est que cet Olibrius? C'est une expression. Qu'est-ce que cet Olibrius, je crois? Cet Olibrius. Comment ça s'écrit? Oui, qu'est-ce que cet Olibrius? C'est un individu qui se distingue par son excentricité stupide. Bref, bon, en gros, c'est quelqu'un qui se dénote, tu vois. Genre dans une classe, tu vois, un gars qui fait n'importe quoi, qui fait du bruit, qui chahute, on dit c'est un Olibrius. Voilà, sauf que c'est un vieux mot pour le coup. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu dans un vrai contexte. Et donc c'est un jeu de mots entre vol et Olibrius. Pourquoi tu me mets pas sur montage 50 centimes le short? Parce que vu le temps que ça prend, hein, je peux pas te payer 50 centimes le short à Kram. Hein. Ce serait littéralement te sous-sous-payer là. Hein. Et à Kram, envoie-moi un snap s'il te plaît, que je pense à te parler après. C'est pas rare, Humili. Ok. C'est quand précisément la fin des serveurs 3DS? Le 8. Attendez, le 8 c'est quoi? Lundi. À quelle heure? Attendez, je vais regarder. Je suis un Olibranus. Ok. Le 9 avril à 1h du matin. Ah bah je pense que. Ce sera les vacances, mais pas pour tout le monde. Je pense qu'en fait le 8. On fera peut-être un live marathon de la fin de la 3DS. Je pense qu'on fera ça en vrai. J'ai pas Snap Moutarde, mais en plus tu l'as. Ah, de Luigi Mansion 2, ouais, moi aussi. Et mais comment c'est ominous ça? Et je suis sûr c'est le. Comment l'émulateur qui est comme ça? Hello Kirb! Hey, oh, et Kirb, c'est Adama dans une vidéo, Mario Wonder. Bah, parce que Adama, c'est mon mec, c'est tout.
C'est la personne avec qui je suis en couple. Alors, rancé. Ça peut être un peu partout d'après ce que j'ai vu. Les voitures, les broussailles. Tout ça, tout ça. La quête de QB est glitch dans le mode. Bah, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait pas mal de glitch en réalité. Après, il suffit de désactiver le mode. Hein. C'est bien rancé, ouais. A plus, Vlakadam. J'avais même pas vu que t'étais là. Je déteste cette zone. Enfin, en vrai, dans le concept, je l'aime bien. Mais pour chercher des yokai, c'est un enfer. B encore? Mais pourquoi enfin, il y a plus de rang B que de rang C. Ah! Rang C! Je sais pas s'il peut être dans les arbres. Hein. Et pour enlever le mode, c'est pas dur. Si vous avez réussi à installer le mode, j'ai du mal à comprendre comment vous réussissez pas à l'enlever, en fait. Il suffit de renommer le dossier ROMFS. ROMFS! Bref. Attendez, mais... C'est bizarre, parce que là, il est censé avoir un rancé quelque part. À l'intérieur, là, peut-être? Monsieur à l'intérieur. Ah, ouais, peut-être. Mais non, c'est encore l'arbre. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Pokémon Sleep ici? Parce que vous savez qu'en ce moment on peut avoir Raikou, hein. Le légendaire, hein. Tu parles à qui, Akram? Et salut, Notaku. Désactiver l'option quand on démarre la 3DS. L'option de quoi? C'est que le talent sympathie est cumulable avec l'âme superstar. La vérité? C'est vrai? On doit mettre Pitou alors, hein? Sinon, juste de voir s'il y a des rancées dans le coin. Bah, dis donc. Ça pue un peu la merde cette zone. Il a cramé la maison. Je veux dire entre les deux. Ah oui, vous parlez de... Ouais, d'accord, ok. Vous parlez des factions, là. Et il a dit quoi, Balek? Bon. Je pense pas qu'il puisse être là-haut. Est-ce que ça redémarre la zone d'aller ici? Cornio a déjà le talent sympathie. Ah, pour vrai? Ah, mais ouais, il y a moyen. Enfin, popularité, tu veux dire. Ah ouais, bon, bah alors non. C'est vrai que si tu combines l'eau et le feu, ça fait de la vapeur. Ouais, en effet. C'est prouvé dans une vidéo, Fluffy Nexus, on dit que le talent sympathie est cumulable avec l'âme superstar. Ok. Comment je suis rat, tu l'aimes bien, Kirb? Ça va, moyen. Non, mais par contre, oh là là, je le sens mal, là, humilié. Hein. Je suis sûr qu'elle est pas très rare en plus. Hein. Je suis sûr qu'on l'avait trouvée en plus la dernière fois. Où c'est? Où c'est? Où c'est? Un arbre? Hein? Attendez, ah, mais il y a un passage sur le côté. Puis si on tombe dessus, je veux qu'on devienne son ami. Ah ouais, immédiatement, parce que là, c'est long. Ici, peut-être là. J'ai vu sur ta chaîne que tu avais fait une série sur la dernière version du randomizer. As-tu des retours, suggestions à faire? Salut MH13! Toujours sur le randomizer. Alors, il y a un truc que, en deux fois que j'ai fait le randomizer... Merde. Il y a un truc sur lequel vraiment, je pense, en priorité, il faut que tu te penches. Parce qu'en fait... On n'a pas eu trop de problèmes, juste un truc, c'est que dans la dernière vidéo, en fait, on est toujours obligé de retirer le randomiseur dans le boss final. Parce qu'en fait, enfin dans le niveau final, parce qu'en fait, à un moment, tu sais, les statues, enfin, il y a une statue de Bowser géante qui doit être détruite par les bisons, je sais plus comment ils s'appellent. Et en réalité, bah, quand tu randomises les ennemis, ces ennemis-là sont randomisés. Nous, c'était des scrunchs, et donc en fait, eh ben, ils détruisaient pas la statue. Et donc ça, c'est impossible. Ça, on peut juste... pas le passer si cet ennemi spécifiquement est randomisé. Donc ça, je pense que tu dois empêcher cet ennemi spécifiquement d'être randomisé. Pour le reste, globalement, ça va. Il y a quelques moments où on a dû retirer le mode. Je sais plus trop pour quelle raison, mais c'était pas des énormes trucs. C'est que... Tu
Tu devrais peut-être forcer aussi que dans le niveau, tu sais, où tu dois pousser. Le niveau du désert où tu dois pousser des blocs pour ensuite rentrer dans des portes. Empêcher aussi de randomiser les ennemis. Parce que les ennemis ont tendance à être randomisés par des scrunchs. Et les scrunchs empêchent, pareil, de pouvoir pousser les portes. Ah, quand tu fais Undertale en randomize? Depuis que j'ai fait ma dernière vidéo sur Undertale et que personne n'a regardé. Et à quand on fait un concept à deux là, à Cram? Ah, d'ailleurs, je vais sûrement faire des lives avec Adama. J'ai pensé à un truc grâce. Ah non, attendez, je crois que c'est Lomario qui m'en a parlé. Mais je vais dire que. Je vais dire que. Attends, est-ce qu'il est là, Lomario? C'est plus drôle s'il est là quand même. Je crois qu'il est là. Je vais dire, c'est moi qui ai trouvé l'idée tout seul. Je suis diabolique. Je vais faire Mario et Luigi. Mais moi, je suis Mario et Adama, c'est Luigi. Voilà. J'ai eu l'idée tout seul. Mais il est où ce rancé? Mais je sais plus si c'est toi qui l'as dit. Quelqu'un m'en a parlé en vocal. Je crois que c'était toi, non? Tout ce crétin, je sais plus. Tu vas faire des hall quests de KH2 de... Non, les hall quests, non. Surtout que par contre, j'ai pas pu récupérer mes quêtes. Donc, ça, malheureusement. Quand tu m'inviteras. Ouais, mais j'ai pas trop de concepts à faire à plusieurs en réalité. Mais il faudrait que je trouve. Après aussi, t'es un random à Cram. Moi, j'invite pas des randoms dans mes vidéos. Faut qu'on trouve un truc à faire. Mais pas un truc de Kirbelito. Je voudrais qu'on fasse un truc sur des jeux. Bah, ouais, mais toi, t'as pas de jeu. Toi, en fait, c'est ça ton problème à Cram. T'as trop une vie. Genre, tu pues pas assez. Donc, laisse tomber, hein. Arrête de te laver, on en reparle. Et quand on fait un concept à deux? Bah, je sais pas par contre si ce sera sur Kirby Deluxe, mais quand Majora's Mask sortira, je pense que... en rando, je pense qu'on pourra faire des streams. Mais vu le peu de vues que ça fait sur la chaîne principale, enfin sur la chaîne Kirby Deluxe, je pense pas que je les sortirai là-bas, mais ouais, je pense qu'on pourra faire des lives. Je l'humilie, viens, je te la donne. C'est gentil, mais non, il faut que je l'aie moi-même. C'est le défi. T'as eu Frérot au Bingo Kai? GG. Moi aussi, la dernière fois, je l'ai eu. T'as des muscles? Low bug? Tout le monde a des muscles. Enfin, si tu n'as pas de muscles, tu peux pas te maintenir debout, hein. Je suis probablement moins random que toi sur ta propre chaîne. What the fuck? Banné à Cram, s'il vous plaît. Il manque de respect, là. A plus Romain. Humilie, c'est la merde, hein. Je suis harcelé de rance. T'es rampé. Là, je comprends pas par contre. Parce qu'il est censé avoir un yokai, mais il est où? Ah, Cram, le respect, il connaît pas. En fait, il y a deux spawns ici. Ah ouais? Ok, il y a deux spawns. Tu es qui comme Yoko BG? Je sais pas à qui tu parles parce qu'il n'y a pas de BG ici. À part toi, Footlife. Non, bah, quelques-uns, je sais plus lesquels. Mais par contre, là, on cherche Humili, c'est un peu... C'est un peu la hesse. Ouais, j'ai vu vite fait ton commentaire. On t'a incendié en commentaire. Je vais aller voir. C'est dans l'herbe, cherche pas dans les cartons, tu perds ton temps. Ah ouais? Et c'est bien sûr pas dans les arbres. Mais c'est où les meilleurs spawns d'herbe qu'on faille que de les fouiller? Je crois que c'est pas que l'herbe, hein. Je crois avoir vu que c'est... Broussailles, fleurs, sous les voitures et distributeurs. Ah. Non, ça c'est Osef. Ils sont où les distributeurs? Mais y a pas de distributeurs. Ah là, il y a des distributeurs. Les voitures ici. Je pense qu'on va fouiller autour des voitures, hein. Quoi dans les toilettes? Oula! Link Astuce, c'est un malade, hein. Distributeur aussi. À l'entrée, tu fais des allers-retours entre la corniche et la tour. C'est vers la gauche, non? Comment t'as eu pendant nos co... Mais lol, man, j'ai fait une vidéo, putain! Ta mère, elle est gentille, je pense. C'est d'ailleurs pour ça que je l'aime. Et aussi parce qu'elle est... Non, ah, rien. Oui, ça peut aussi... Ah, ça peut pas être sous les voitures, tu dis, tu mens. Ah! Ça, c'est pas l'herbe, c'est l'arbre encore. Oh, putain.
Le spawn de l'arbre, il est trop chiant. Ah 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 ah! On sait jamais si c'est les arbres ou si c'est l'herbe. Oh là là. Oh putain. Ouais, sur Super Solus, des fois, ils disent n'importe quoi. Hein. Oh là là, rang B. Attendez, je me trompe pas. C'est un rang C, c'est un rang C. Humilie, elle m'humilie, ouais. Bien dit Footlife. Le mec qui dérape, oui. C'est qui le salaud qui me bloque toutes les... qui me bloque H24? Ah non, tu parlais de moi et des mamans? Ah, peut-être. Vraiment, ils m'aiment trop, là, les rangs B. Hein. Moi, je les aime pas. Hein. Si vous deviez me donner un rang de Yo-Kai Watch, ce serait quel rang? En ça. Faut que j'embauche un mini-maker. Embauche Craco. Premier degré, en vrai. Craco, c'est minia. À l'époque où je cherchais un mini-maker... Si j'étais toujours en contact avec Craco, je pense que je lui aurais demandé en vrai. Écoute, tu vas sur le spot de fleurs à gauche de la map. Pas les fleurs à côté des arbres, mais juste les fleurs. Et du coup, tu vas à côté. Ici? Ah, ici, non. Je suis rang UZ. Rendez car je ressemble à Woko. Bref. Non, c'est à Trépignou qui dit ce que je ressemble, non? Ouais, ça, on s'en fout. Bloquez, bannissez Anto, s'il vous plaît, rang E. Non, mais moi, je suis rang UZ. Hein. Merci, Footlife. Merci. Merci, Flocop. Merci, l'étoile de Jordan. Merci, tout le monde. Merci. Non, non, pas merci, tout le monde. Rang Z pour Zizi. Rang UZ pour Ultimate Zizi. C'est ça, hein, ils vous l'ont pas dit, Pouni Pouni, mais UZ, ça veut dire Ultimate Zizi. Ici, non, je pense pas. Oh, putain. Un peu à droite de ce spot. Tu veux dire là? Ici. Ah, mais oui, il y a des spots ici. Là, il n'y a pas. C'est vrai que je devrais aller jusque là, en réalité. Mais après, tes minières, elles sont aussi pas mal à Krama. Oh, 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 oh. Mais c'est dur de faire des bonnes minias. Hein. C'est une putain de blague? C'est Jacasse-couille! Jacasse-couille! Oh oh. Voilà, Humilie. Pose ton tel, ma belle. On va se fight. Qui aime le pain? Ah merde, j'aurais dû sauvegarder. C'est chiant, j'ai pas assez de pain. Pourquoi le lien pour Mario Run ne marche plus? Bah, ils ont désactivé le service, je pense. Ah ouais! Ah, c'est chiant! Je cherche pendant 3 heures pour ça. Vas-y, vas-y. Faites venir la bulle, je vous en supplie. C'est plutôt toi, Link Astuce, qui est un peu égoïste. Regarde, désolé, je dois partir. Je suis si déçu que tu m'aies pas combattu, moi qui pensais que tu avais le cœur bon, que tu ne pensais pas qu'à toi et que tu allais exaucer mon rêve, c'est-à-dire de te combattre. Attendez, attendez. Pour un petit test, là dans le chat, qui aimerait bien jouer avec moi? Genre, vous êtes plus de 200, là. Si je voulais jouer avec tout le monde, imaginons, je prends juste 5 minutes, hein. Juste 5 minutes pour jouer avec chacun d'entre vous, alors qu'en plus, le temps d'ajouter les codes amis, tout ça, c'est bien plus long que ça, hein, mais ça fait, il y a à peu près 230 personnes. 230 x 5, ça fait 1150 minutes. 1150 minutes divisé par 60, ça fait que j'aurais besoin de 19 heures. 19 heures si je voulais jouer avec chacun d'entre vous. Donc en fait, Link Astuce, quand tu dis que je suis égoïste, que je ne pense qu'à moi, en réalité, c'est toi qui penses qu'à toi. Parce qu'en fait, tu veux que je joue avec toi, mais si je joue avec toi, ça veut dire que je joue pas avec les autres. Je peux pas.
Donc, en fait, il y a un égoïste dans l'histoire et l'égoïste, c'est toi. Littéralement. Je n'ai pas 19 heures à consacrer dans ma journée, là, pour jouer avec vous. J'aimerais, hein. La vérité, les gens. Si on vivait, si on était immortel, si les journées faisaient un nombre d'heures infini, bien entendu, je jouerais avec chacun d'entre vous. Je prendrais le temps, même de parler en privé avec chacun d'entre vous, de jouer avec chacun d'entre vous, même plusieurs heures. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que c'est impossible. Je ne peux pas consacrer 19 heures pour jouer avec chacun d'entre vous. Et encore, 19 heures, c'est quand on a pris le minimum. Ça ne prend pas 5 minutes de jouer avec chacun d'entre vous. Ça prendra au moins 10-15 minutes. Donc, il faut multiplier par 2 ou 3 ce chiffre. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, si vous voulez que je joue avec vous, spécifiquement avec vous, alors que des fois, en plus, je fais des lives où je joue avec des gens de manière aléatoire, mais juste avec vous, malheureusement, il faut que je prenne ça sur mon temps de travail. Et pour que je le prenne sur mon temps de travail, il faut me rémunérer. Si vous me rémunérez, eh ben, ça veut dire que je vais prendre du temps où j'aurais pu travailler autrement, et ce temps, je vais le consacrer à vous. Et comme c'est du temps que je ne vais pas gagner d'argent, parce que je ne fais pas de montage, je ne fais pas de tournage, etc., il faut qu'il me soit rémunéré. Et pour qu'il me soit... Parce que moi, je dois manger, hein. Je dois manger, je dois payer mes factures, je dois payer mes impôts, je vis plus chez mes parents. J'ai besoin de vivre, hein. Genre, c'est vraiment... C'est indispensable, je ne peux pas manger de l'air, et je ne peux pas manger l'amour de mes abonnés. Donc j'aimerais hein, me nourrir de l'amour que vous me portez, mais je ne peux pas, malheureusement. Donc y a pas de solution, par contre c'est du foutage de gueule, parce que ça fait 2 minutes, hein, 3 minutes que j'explique tout ça. La bulle de Pandanoko, elle est dans notre cul ou c'est comment? Ok d'accord, super, bah écoutez, laissez tomber. Ah non mais j'ai fait exprès. Et waouh. Sam elle était sur live, je l'ai pas vu. Je t'avais bloqué en live. Parce que tu faisais quoi Kéliane? Tu faisais que de rejoindre les parties alors que tu... J'avais dit non. Oh là 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 là. Bon, on va aller dormir, acheter du pain et on revient parce que la flemme quand même. Hein. J'ai des conversations aléatoires à propos de... Parce que là, ce que je dis, c'est un peu normal, non? En fait, je sais pas pourquoi j'essaye d'expliquer à l'infini ce genre de truc, mais vous êtes enfant et vous vous rendez pas encore compte, mais... on oublie un live 24h avec Kirbendo. Il y aura pas de live 24h, mais quand la 3DS va s'arrêter, il y aura un live peut-être 6 ou 12 heures. Hein. Mais bon, en fait, vous vous rendez pas compte, après je peux pas vous en vouloir, parce que quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte aussi, mais moi, j'ai la trentaine. Je paye un loyer. Salut Yashik. Je paye un loyer, je paye ma nourriture. Genre, mon loyer, c'est quand même 1000 euros par mois. Je dois payer mon internet, c'est 80 euros par mois. Je dois payer aussi... mon internet, j'en ai besoin, hein. Sinon je peux pas faire les lives et les vidéos. Je dois payer mon électricité. Mon électricité et mon gaz, ça me coûte 160 euros par mois depuis l'inflation. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les choses par mois que je peux pas... sur lequel je peux pas faire de, comme on dit, d'économie, ça me coûte au moins 1600 euros. Donc je suis obligé de faire beaucoup de vidéos, de faire beaucoup de lives. Salut Yoshix, les courses aussi, hein, ça coûte trop cher. Et ça coûte, la vie coûte de plus en plus cher en plus. Donc vous savez que moi, si vous voulez que je prenne du temps pour jouer avec vous de manière personnelle, ça veut dire que ce temps-là... Déjà, moi, j'ai pas le temps de sociabiliser. Mes amis, je les vois pas, hein. Je sors jamais chez moi voir mes amis. Parce que je fais mes lives, je fais mon montage. La vidéo, là, j'ai sorti cette semaine sur Ocarina of Time, là, sur ma chaîne secondaire. 20 heures de montage. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quand quelqu'un travaille, il travaille 35 heures par semaine en France. Moi, je travaille, genre, au bas mot, 50 ou 60 heures par semaine. J'ai le temps de rien. Je dis pas que mon travail est particulièrement dur, hein, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que par contre, j'ai pas de temps, en plus. Je suis pas en train de me plaindre de la difficulté de mon travail, je suis en train de me plaindre du temps qu'il me reste pour faire autre chose, pour faire des trucs en plus. Donc effectivement, quand j'ai terminé le montage, quand j'ai terminé les tournages, les lives, etc., j'ai un peu envie de faire autre chose. Les rares moments que j'ai, où je dois pas dormir, faire à manger ou travailler, j'ai envie de faire autre chose, et donc ce moment-là, j'ai pas envie de jouer avec vous, avec une personne, le prenez pas personnellement, hein, mais j'ai pas envie de prendre le temps de me connecter avec un abonné pour jouer, surtout que là, faudrait que je passe 19 heures par semaine pour le faire, 19 heures en plus de mon travail. Donc ce que je dis, c'est que je pourrais le faire, mais pour le faire,
Eh ben, enfin, je pourrais jouer avec vous de manière personnelle, mais pour le faire, il faudrait que ce soit du temps de travail. Et pour que ce soit du temps de travail, donc du temps en moins sur lequel je travaille sur autre chose, il faut que vous me rémunériez. C'est tout. Et je demande pas grand chose, hein. Quand je vous demande 20 euros par heure pour que vous jouiez avec moi, je sais pas si vous vous rendez compte, vos parents sont payés au moins 2 ou 3 fois plus cher que ça. Donc c'est rien du tout, hein. Je suis sûr que si vous montrez ce segment à vos parents, là, du live, ils seront d'accord en plus. Donc je suis désolé, hein, y a rien de personnel là-dedans. A plus, Captain Timo. L'augmentation des charges, c'est une dinguerie. Mais oui, hein, quand je suis arrivé en France, de la Thaïlande, je payais 80 euros par mois de l'électricité et de gaz. Maintenant, je paye 160 euros. Et j'ai reçu un mail, là, il n'y a pas longtemps, de EDF, pour me dire qu'il fallait que j'augmente le prix de mes mensualités, parce que sinon ça, j'allais avoir une régularisation hors de prix. Donc en fait, genre, je pense que cette année, sur le lissage, je vais probablement payer 200 euros d'électricité et de gaz par mois. Non mais c'est une dinguerie, hein. Heureusement que je déménage et que je vais payer moins cher de loyer, parce que là, c'est pas possible, hein. Vraiment, la vie, ça devient trop dur pour tout le monde, ça coûte trop cher, c'est... enfin... C'est dingo, hein. Ah, dommage, Konoluf. Ok, là, il y en a 3. J'ai sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. Si, peut-être. Faut que je confirme. Je sais pas quelle couleur je vais prendre pour petit Yoshi, on verra. Surtout les courses, je paye 200 balles par semaine. Non, mais... Eh, les courses, ça, j'en parle pas. Parce que moi, en ce moment, genre, je vais pas vous mentir, hein. Tout ce que je mange chaque jour, c'est des pâtes. Genre, le lundi, je me fais des pâtes. J'attends qu'elles refroidissent. Je mets dedans de la mayonnaise, du maïs. Je mange des œufs durs. Et c'est tout ce que je mange à chaque repas. Littéralement. Tous les repas, c'est ce que je bouffe. Il y a juste une exception que je fais de temps en temps. Ça me coûte plus cher. Mais genre, j'ai juste... Bah, j'ai envie de varier un peu ce que je bouffe quand même. C'est que je mange parfois des sandwichs jambon beurre avec du jambon vegan. Littéralement, mes 2 repas de ma vie, c'est ça. Les pâtes, ça coûte 97 centimes le kilo. Ouais, c'est plus cher chez moi parce que Chartres, c'est une ville bourgeoise, donc les trucs coûtent trop cher. C'est pour ça que j'ai quand même hâte de déménager pour ça aussi. Mais vraiment, là, c'est la catastrophe financièrement, hein, pour tout le monde. Hein. Je comprends pas que... Genre, les gens protestent pas plus. Mais en vrai, les gens peuvent pas protester. On est tous... Enfin, on est tous pris à la gorge, en fait. Les gens peuvent pas faire grève. C'est incroyable, hein. Pain de mie charcuterie, non mais ouais, c'est vraiment le repas... Genre ça m'étonne pas, Yashik. Aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens font pour vivre. Hein. Genre là, je sais pas, enfin... Moi en plus, j'ai eu de la chance parce que mon propriétaire n'a pas augmenté le loyer plus que ce qu'il devait, donc ça c'est très bien. Après, je déménage, mais ça c'est très bien, mais ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Ah, je peux plus... En plus de ça, ce qui est dingo, c'est que, genre, moi, je suis pas normalement financièrement à plaindre. Alors, c'est vrai que je gagne de moins en moins avec les vidéos YouTube, mais en fait, quand je vois, moi, avec ce que je gagne, les difficultés que j'ai, mais je me dis, mais les gens qui sont au SMIC, comment ils font? C'est... Vraiment, y a une désillusion globale en France... Qui est en sont incroyables. Le gouvernement, il est complètement déconnecté. Les gens qui gagnent 1400 euros par mois, je ne sais pas comment ils font pour vivre. J'en ai aucune idée. Et moi, en plus, genre, ça fait des mois que je ne suis pas allé au restaurant. Ça fait des années que je ne suis pas allé en vacances. Ça doit faire 2 ans, 3 ans. Genre, littéralement, 1 ou 2 week-ends par an que je me prends. C'est waouh. Alors... sandwich, ok, vas-y. Ok, me plaindre, en tout cas, ça aura eu du bon. Let's go. Tu gagnes combien environ? Ce début d'année, c'est très compliqué avec les charges et tout. En vrai, c'est difficile de dire combien je gagne. Parce que maintenant, j'ai changé de régime d'imposition. Regardez, je vais vous dire. En décembre, j'ai gagné
2012 euros. Exactement, parce que j'ai mes déclarations devant moi. En janvier, j'ai gagné 800 euros. 800 euros, hein. J'ai à peu près 1300 euros de charges à payer par mois. Donc ça veut dire que sur le mois, j'ai perdu 500 euros. Genre, il y a 500 euros que j'ai dû sortir de mon épargne pour payer mes trucs. Et en février, j'ai gagné 1033 euros. Donc pareil, hein, j'ai aussi perdu 300 euros. Mais ça, c'est parce que j'ai changé de régime d'imposition. Donc normalement, ce sera peut-être compensé par certains trucs. Donc à voir. Peut-être qu'à la fin de l'année, je changerai encore de régime d'imposition. Mais c'est compliqué, les sociétés en France. Mais voilà, enfin, en décembre, je gagnais 2000 euros. Et 2000 euros, c'est quand même pas suffisant pour vivre en France. Genre, c'est chaud, hein. Ok, bon, en tout cas, on est sur Kai dans tout ça. Là, on n'a même pas les moyens de s'acheter un repas pour Pâques, ce sera seulement des pâtes au beurre. Bah oui, hein, c'est la réalité, c'est le quotidien de plein de Français aujourd'hui. Et quand je vois que le gouvernement, il veut baisser la durée du chômage. Attendez, en fait, il y a un gars, j'ai vu un tweet, il résumait tout, c'était assez marrant. C'est qu'il a dit, en fait, il y a deux types de sociétés capitalistes. Il y a les États-Unis, tu payes 0 euros de cotisation, mais par contre, t'as rien qui est gratuit. Genre, si t'es malade, c'est pour ta pomme, les transports, c'est pour ta pomme, l'éducation, c'est pour ta pomme, ok. Mais au moins, ton salaire, c'est ton salaire. Donc, tu gagnes 3000 euros par mois, quoi. Et de l'autre côté, il y a la France. La France, c'est en gros, c'était, hein, tu gagnes pas beaucoup d'argent, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cotisations. Quand tu gagnes 1400 euros par mois, en réalité, tu gagnes 3000, hein. C'est juste qu'il y a 1600 qui part en cotisation. Mais par contre, il y a plein de trucs gratuits. L'école, c'est gratuit. Quand t'es malade, c'est gratuit. Les transports sont normalement pas très cher, etc. T'as des aides, t'as le chômage, t'as la retraite, etc. Donc très bien, moi c'est un mode de société qui me va. Et là, on arrive à quel mode de société en France? On arrive à un mode où en fait, on va payer un max de cotisations, mais par contre on n'aura plus rien de gratuit. Wesh, non mais genre, c'est pas possible. Non, 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 c'est l'un ou l'autre, hein. On n'a pas les désavantages des États-Unis avec les désavantages de la France, ça va pas du tout. Bon, alors, est-ce qu'on a... Elle s'appelle comment, Ornella? On donne, mais il n'y a plus de service. Bah oui, où va l'argent? Mais on sait très bien où va l'argent. C'est des exonérations d'impôts pour les sociétés multimilliardaires. Littéralement, hein, les cadeaux aux entreprises ont explosé depuis les élections de Macron. Et explosé de ouf, alors que ça n'a eu aucun impact sur l'emploi ou les salaires. Et ça, c'est documenté, c'est prouvé, hein. Bon, on a son objet de fusion, c'est bien. Pensez à nos ministres qui n'arrivent pas à survivre avec leur salaire. Dans 50 ans, j'imagine même pas. Non, non, mais vu comme ça va, de toute façon, ça va exploser avant. Enfin, c'est pas possible. La France est foutue, retourne t'évader fiscalement en Thaïlande. Non, 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 non. Moi, en vrai, je suis quand même content avec mon salaire de participer à la. Quand je suis parti en Thaïlande, j'avais pas le même état d'esprit. En fait, on peut faire cette petite parenthèse, mais quand je suis parti vivre en Thaïlande, j'avais pas le même état d'esprit. J'étais. Mais tu peux parler, Linkasius? J'étais de droite quand même, hein. J'étais vachement de droite. Alors, j'étais pas de droite sur les questions sociales, hein. J'étais pas raciste, pas homophobe. J'étais un peu anti-immigration. J'ai honte de cette époque, hein. J'étais un peu anti-immigration. J'étais bien entendu par défaut anti-musulman, hein. Genre. J'ai honte de le dire aujourd'hui, mais après c'était mon éducation, hein. Genre, pas forcément ma famille, mais en tout cas mon entourage. Mais je connaissais pas de musulmans, hein, j'en avais jamais rencontré de ma vie, donc tous comme ça, hein. Genre, littéralement, il n'y aura jamais une personne qui vous dira je n'aime pas les musulmans, mais qui en a déjà fréquenté un. Hein. Tous les gens qui vous disent ça, ils en ont jamais vu de leur vie. Hein. C'était mon cas. Donc voilà, je suis parti en Thaïlande parce que bah légalement, hein, j'ai triché de rien. Je suis parti en Thaïlande. Parce que on payait moins d'impôts là-bas. Voilà. Mais par contre, j'ai déclaré ce que je devais en France et après, j'ai déclaré en Thaïlande ce que je devais déclarer. Hein. Et j'ai payé ce que je devais en Thaïlande. Hein. J'ai pas triché. Hein. Il n'y a pas de truc illégal là-bas, hein, là-dedans. Hein. Mais en fait, après, j'ai changé. Et maintenant, je me suis quand même un peu beaucoup radicalisé à gauche. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont fait changer beaucoup, pas mal d'avis. J'ai rencontré des musulmans, j'ai rencontré des étrangers. Je me suis rendu compte en plus de l'hypocrisie du délire. Genre en mode, moi, j'étais un peu anti-immigration. Et j'ai fait quoi? Je suis allé vivre en Thaïlande. J'étais quoi en Thaïlande? Je suis thaïlandais, moi? Non, parce que c'est marrant, hein. C'est marrant de dire pas d'immigrés chez nous, mais d'aller vivre en tant qu'immigré ailleurs.
Bah comme beaucoup font, hein. Enfin je veux dire, les gens qui sont anti-immigration, qui partent vivre en Pologne et tout ça, bon, ok, d'accord, un peu foutage de gueule, mais bon, j'étais un expatrié, non mais ouais, c'est ça qui est bien en fait, quand t'es blanc, t'es pas immigré, t'es expatrié, en fait c'est ça qui m'a fait prendre conscience des, littéralement, c'est le fait d'aller en Thaïlande, et que je me suis rendu compte, j'étais riche, blanc, et que je me suis rendu compte de la différence de traitement, en fait... Le truc qui m'a fait vraiment le plus changer d'avis, c'est que j'étais en couple avec un Thaïlandais et que je me rendais compte de la différence de traitement envers la police, envers tout ça. Littéralement, quand on se faisait contrôler par la police, mon mec, qui était Thaïlandais, on lui demandait ses papiers d'identité. Moi, on ne me les demandait pas. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. En Thaïlande, on se fait arrêter par la police thaïlandaise, mon petit ami thaïlandais doit montrer ses papiers, et moi, manifestement pas thaïlandais, qui ne parle pas un mot de thaïlandais, je n'avais même pas besoin de montrer mes papiers. En fait, c'est ça qui m'a fait prendre conscience des privilèges, hein. Oui, je suis homosexuel, mais le thaïlandais avec la moto, je sais pas si c'est lui, je sais pas. Il y en a eu plusieurs. Mais donc c'est là que je me suis rendu vraiment compte des privilèges. Privilèges de classe, privilèges raciaux. Enfin, privilèges de tout, en fait. Genre, en tant que blanc à l'étranger, j'étais plus chez moi qu'un Thaïlandais dans son pays. Donc, il n'y avait pas à réfléchir. Genre, devant mes yeux, j'avais la preuve qu'en fait, être blanc... Ce que j'avais jamais voulu voir, hein. J'avais la preuve qu'être blanc, c'était littéralement l'avantage suprême de tout dans la vie. J'avais la preuve, par A plus B, de tous les avantages que j'avais dans la vie juste parce que j'étais blanc. Et donc ça m'a fait remettre tout en question. Littéralement, je me suis remis en question sur le fait que... Parce que, en fait, quand on est blanc et qu'on vit en France, on se dit parfois « Non mais la vie elle est dure, j'ai pas d'avantages parce que je suis blanc. » C'est faux. En fait... Ce qu'on a du mal à comprendre quand on est blanc et qu'on est de droite, c'est que on se dit la vie elle est dure. Oui, la vie elle est dure. Quand t'es blanc, quand t'es un mec blanc hétéro, la vie elle est dure. Bien, on dit pas l'inverse. La vie elle est dure pour tout le monde. C'est juste qu'en fait elle est dure, mais t'as pas à rajouter d'autres difficultés. Parce que le fait d'être noir ou le fait d'être musulman ou le fait d'être gay, c'est des difficultés qu'on rajoute. Ta vie est dure comme celle d'un autre mec blanc hétéro, mais en fait tu rajoutes des modes de difficultés en plus. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai vraiment vu devant ma gueule. À quel point, genre, y avait la preuve de tout ça, en fait. Chaud, hein. Bref, alors, Ornella, est-ce qu'on l'a? Et ça m'a fait littéralement tout changer. Et j'ai voté à gauche pour la première fois. Je l'ai pas. Alors, elle est où, Ornella? Ornella, que j'appelle toujours Toiletta, parce qu'en anglais, elle s'appelle Toiletta. Ah merde, Ornella s'écrit comment? Avec deux N? Ouais. Docalais. Haute-Grandval, école élémentaire, deuxième étage, et elle aime les Ancas. Y'a que moi qui trouve que les Noirs, ils ont plus d'avantages en beauté, mais pas en vie sociale. Comment ça, plus d'avantages en beauté? Tu peux élaborer? Tu veux dire que les Noirs sont plus beaux que les Blancs? Ça, c'est... Enfin, genre, c'est pas vrai. Enfin, après, c'est des goûts, hein. Tu peux trouver que les noirs sont plus beaux, y a pas de problème, c'était goût, mais y a pas de... Votez tous à gauche. Bah, j'avoue que... Si demain, y a... En fait, ce qui me tue, c'est que si demain, il y avait les élections, je dirais, bah, votez Mélenchon. Bah, votez la France Insoumise, alors que littéralement, comment je déteste ce parti. Mais en fait, c'est vraiment le moins pire. Mais c'est quoi la question, Marlon? En termes de style, je sais pas comment dire ça, bref, c'est subjectif, hein. Ah, c'est subjectif. Je votais pas pour Zemmour, il s'est jamais présenté. Enfin, il s'est pas présenté à l'époque. Ça, les Ancas, j'en ai. Qui a fait de l'EMC avec la géopolitique? Comment ça, de l'EMC? Tu es un aimant-fille. Quoi? Mais c'est pour ça aussi que, par contre, genre, il y a un truc qui me terrifie. Par une certaine gauche qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que je vois des gens de gauche sur les réseaux sociaux qui vont faire du harcèlement envers des gens qui disent un peu n'importe quoi. Genre... Et quand je vois l'âge des gens en question,
Genre, je vois plein de gens de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans qui disent des conneries et ils se prennent du harcèlement de par la gauche. Et ça, genre, ça me terrifie parce que, genre, quand je vois, moi, l'état dans lequel j'étais quand j'avais 18, 19 ans, même jusqu'à mes 24 ans, ben, en fait, je me serais fait tuer par la gauche Twitter. Alors que, littéralement, aujourd'hui, je connais quand même pas grand monde. Enfin, il y en a, hein, mais je connais pas grand monde qui soit plus à gauche que moi. En fait, j'ai l'impression que les gens sont traités, quand ils sont petits, comme si c'était irrécupérable, alors que quelqu'un qui a 25 ans, il connaît pas encore grand-chose à la vie. Donc, genre, ça peut toujours changer les avis, hein. C'est raciste, Romain, ça. A plus, Nintendo. Éducation morale et civique. Alors, premier étage, c'est ça? Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... Il est dans les intérêts de quasiment tout le monde de voter à gauche. Sauf si vous êtes millionnaire. Dans ce cas-là, oui, votez à droite, mais bon... Si vous êtes millionnaire et que vous ne m'avez toujours pas fait de don... Vous êtes des connards, c'est tout. En vrai, j'ai rien d'autre à dire. Je viens de parler de mes difficultés financières. Et genre, vous m'écoutez, vous aimez mon contenu, et vous faites zéro don alors que vous êtes millionnaire. mais pourquoi il y a si peu de yokai qui apparaissent? Ah, il y en a. Ok, il n'y a pas... A plus, Mathéo. Il y a un problème sur le mode. Pourquoi il y a si peu de yokai qui apparaissent? Pourquoi tu détestes la France Insoumise? Vraie question. Parce que la France Insoumise tolère... Enfin, est littéralement antidémocratique. En plus de tolérer... Ah, lui, il donne le truc... En plus de tolérer des gens qui battent leurs femmes. Enfin, je... En fait, c'est vraiment ce que je dis, c'est le moins pire. Ce qui n'est pas vraiment un compliment, mais bon... Puis bon... Aussi, la France Insoumise, il y a quand même des trucs qui sont assez ambigus. Hein. Mélenchon, il a eu des discours quand même sur les Juifs, parfois, qui sont pas... Ils sont un peu ambigus. En plus, Mélenchon, genre, quand il caresse les complotistes, ça me plaît pas trop. Puis bon, être incapable de dire que le Hamas, c'est des terroristes, c'est quoi cette histoire? Alors, moi, je suis pro-palestinien, hein, et depuis longtemps, hein, vraiment, mais il y a quasiment aucun gouvernement aussi pourri que le gouvernement israélien au monde. Je le dis, je le maintiens. Cependant, le Hamas est une organisation terroriste. Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est un attentat terroriste. Il y a pas d'autre définition. Genre, il y a une complaisance bizarre dans le discours de la France Insoumise. Puis il y a pas que ça aussi. Mélenchon, il a quand même une lubie antinucléaire. Je ne comprends pas sa lubie antinucléaire. L'énergie nucléaire est l'énergie la moins polluante. Oui, Katniss, voilà, c'est ça que je parlais. L'énergie nucléaire est l'énergie la moins polluante, la moins dangereuse. Quand on regarde le nombre de morts qu'ont causé l'intégralité de la production d'énergie nucléaire sur Terre par rapport au charbon, ou la pollution par rapport aux éoliennes et tout, mais littéralement, les centrales nucléaires, c'est l'avenir. Enfin, tant qu'on continue... Je vais retirer le mode. Tant qu'on continue à avoir un mode de consommation capitaliste, parce que moi je veux qu'on en sorte du mode de consommation capitaliste, mais tant que ce mode de consommation existe, et même si la France Insoumise est élue, on ne va pas sortir du capitalisme demain. Il faut une transition. Et cette transition, pendant qu'on fait la transition, on a besoin de l'énergie nucléaire. Et faut comment ça faut. À partir du moment où tu fais du mal à une femme, tu mérites de mourir. Bah, je suis pas d'accord pour le coup. Enfin, en fait, déjà, pourquoi mettre femme dans la phrase? À partir du moment où tu fais du mal à quelqu'un, dans tous les cas, c'est pas bien. Je vois pas pourquoi femme, ça devrait être un peu considéré différemment. Enfin, si t'es un homme, effectivement, et que c'est ta femme, oui, parce que là, c'est vraiment littéralement un truc misogyne. Mais en vrai, mourir, je suis quand même pas d'accord. Hein. Je trouve que tout le monde a probablement droit à la rédemption. Hein. Tout le monde a fait des conneries à des moments de sa vie, tout le monde a le droit à la rédemption. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la rédemption, justement, enfin, on peut parler de rédemption, mais dans tous les cas, Katniss a été élu. Quand on l'a élu, on ne savait pas ce qu'il avait fait. Le fait qu'ils veulent continuer sa carrière politique, peut-être, il a le droit à la rédemption. Cependant, il aurait dû démissionner, on refait des élections, et on voit s'il est élu. C'est la démocratie. Et si... Le peuple l'élit quand même, c'est la démocratie, là j'ai rien à dire. Mais pour le coup, il aurait fallu repasser par les élections. Enfin, par contre je comprends pas là, je sais pas où est... Elle est si rare que ça, on est là.
Alors, t'es complètement misogyne, caporal, et les femmes n'ont pas plus d'avantages que les hommes, c'est complètement faux. Cite-moi ces avantages en question. Ah, c'est deuxième étage. Ces avantages en question sont-ils dans cette pièce avec nous actuellement? Les femmes n'ont jamais, et non pas, toujours pas plus d'avantages que les hommes, ça n'existe pas. Alors oui, les avantages en question, quoi. Oui, là, il continue sa vie comme tant d'autres, et ça, c'est pas normal. En vrai, comme je dis, Katniss a fait une grosse connerie. Tout le monde peut faire des grosses conneries à un moment. Tout le monde peut prendre conscience de sa connerie et changer. Moi, je suis pour la justice. La justice, c'est pas pour punir les gens. C'est pour, on est pour réhabiliter les gens. Sinon, autant condamner à mort tous les gens dès qu'ils font le moindre crime ou délit. Hein. Donc non, je suis pas pour ça. Mais pour qu'une leçon s'apprenne, déjà, faut pas faire comme si de rien n'était. Katniss aurait dû être forcé à démissionner, aurait dû se représenter. Et s'il avait été élu, tant pis, bah après c'est la vie des gens, hein. Ça c'est... C'est les gens qui auraient été cons. Trop cool de se faire suivre dans la rue, avoir peur quand t'es sans dans la rue, exactement. Trop cool aussi que dès que t'es sur un réseau ou que t'es sur en stream ou quoi et que tu montes ta gueule, tu reçois plein de mecs qui te disent à quel point t'es belle, qui voudraient faire ta connaissance, etc. J'ai encore vu ce matin, mais un gars, attendez. Les femmes ont des seins et un vagin. Et c'est ça l'avantage? Littéralement, l'un des deux, c'est le truc qui a permis qu'elles soient les premières victimes de... Enfin, deux de ces choses permettent qu'elles soient les plus grandes victimes de violences sexuelles depuis des années. Enfin, depuis des millénaires, donc je vois pas en quoi ce serait un avantage. Avoir un truc visible qui te prédispose aux agressions sexuelles, j'appelle pas ça un avantage. Mais bon, bref. Mais je voyais encore un truc aujourd'hui, genre il y avait un gars... Qui postait sur Reddit un message et il disait « Ouais, ce matin, je suis allé acheter mon café et genre la barista, c'était une fille qui était très mignonne et tout, elle avait des tatouages d'animé. » Et je lui ai dit « Ouais, bonjour madame, vos tatouages sont super beaux et tout. » Et la dame, elle m'a répondu « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous prendrez ?» Et je lui ai dit « Ouais, c'est quoi vos personnages d'animé préférés et tout, moi j'aime bien ceci, cela. » Et la dame lui a répondu « Il y a d'autres personnes qui attendent, je suis désolé, vous voulez commander ou pas? » Et le gars a répondu « Bah, je voulais commander et faire la discussion, mais vu votre attitude, je vais plutôt partir. » Et le gars, il disait comme quoi « Est-ce que vous pensez que j'ai mal fait? Est-ce que mon comportement était déplacé ou quoi ?» Et genre, il y a des gens qui répondent quand même que la meuf, elle a abusé. Wesh! Comment ça? Son travail, c'est de servir du café, c'est pas de faire la discute à des mecs. Il y a d'autres gens qui attendent, elle est pas payée pour discuter avec les gens. Et comment ça? Elle a peut-être pas envie d'être copain-copain, elle a peut-être un mec, elle a peut-être... C'est quoi ça? Et ça, c'est le genre de situation auxquelles les meufs sont constamment confrontées. Alors que des mecs qui ont des situations similaires, il y en a. Hein. Mais ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Enfin... Attention, hein, les mecs aussi peuvent être violents, enfin peuvent être victimes de harcèlement, d'agression, d'attouchement, de V-word, etc. Bien entendu, hein. On dit juste que c'est quand même un peu plus rare. On parle de la ministre de l'éducation qui a mis ses enfants dans le privé. Oui. Non, mais parlons pas de ça. Se faire agresser dans le bus quand on est gamine par un quarantenaire, c'est un avantage. Mais oui, genre, vraiment, le gars n'a toujours pas répondu à la question de quels sont les avantages en question, quoi. Y a pas d'avantage à être une femme. Genre, demain, si je pouvais me réincarner dans le corps de quelqu'un d'autre, il est certain que je ne me réincarnerai pas dans le corps d'une femme. Genre, faudrait me payer cher. Je retire le mode parce que ça fait apparaître Célornian. Il est quasiment sûr que je me réincarnerai pas dans le corps d'une femme. Hi, fellow. Welcome. Et ouais, en vrai, si demain je pouvais me réincarner, je serais pas dans le corps d'une femme, je serais pas gay, et je serais manifestement blanc. Genre, c'est obligé. Enfin, si je pouvais choisir, en tout cas. Hein. Parce que genre, tous les désagréments que t'as autrement... Ornella est dans les toilettes. Ouais, mais en planque, non? Oui, c'est normal, c'est le mode... Quand je disais qu'ils ont plus d'avantages, c'est que les hommes font plus confiance aux femmes. C'est quoi cet avantage? Mais déjà, quand on veut parler d'avantages ou de trucs, on parle de faits. Hein. Les faits, ils sont documentés par la sociologie, par des chercheurs. Les hommes font plus confiance aux femmes. C'est quoi ça? C'est documenté? Non, ça s'appelle du ressenti.
Il y a littéralement aucune expérience qui démontre quoi que ce soit là-dessus. Comme le fait de dire aussi, ouais, les femmes, elles sont plus douces, c'est quoi? Mais comment ça? En plus, c'est même pas vrai. C'est juste du ressenti. Toilette pour en est là, mais y a pas de yokai dans les toilettes. Est-ce que c'est possible d'avoir McCracken dans le KOH 2? Je crois pas, non. Si le KOH 4, on peut l'avoir. Mais où est Ornella? Je suis une femme et des gens dans la rue vont pas se confier à moi. Oui, ça, bah oui. Puis pareil, genre les hommes font plus confiance aux femmes. Ça veut dire quoi? Que quand t'es une femme et que tu vas demander un prêt bancaire, la banque elle va te prêter 15 000 euros sans te demander de contrepartie? Alors là, pour le coup, si c'était le cas, ok, il y a des avantages à être une femme. Mais non, ça n'arrive jamais dans aucun scénario. Je fais qui? Je fais Ornella. On cherche Ornella, mais je sais pas où elle est. Si c'est dans les toilettes, en fait, c'est une planque. Et alors, ça veut dire qu'on peut pas devenir son ami, si. En plus, y a même pas... Enfin, genre... Elle peut apparaître avec un pourcentage de chance dans les toilettes. C'est ça, le délire? Peut-être qu'elle est dans le combat, là, avec Sumochi. Dans les toilettes des filles avec Cathy. Elle saute des toilettes? Ça veut dire quoi? Faut fouiller les toilettes? Je vais aller voir. Bon, dépêchez-vous là, c'est pas compliqué comme combat là. Dans l'infirmerie? Mais vous avez tous des... Des idées différentes, c'est en planque. Pourquoi Super Solus ne précise pas quand c'est en planque, c'est chiant. C'est pas Ornella. Je sais même pas qui c'était, c'était Folion. On peut pas fouiller les toilettes. Non. On la trouve au deuxième étage. Oui, mais où ça? Planque yokai dans l'infirmerie. Je vais aller voir. Faut ouvrir la dernière porte des toilettes des filles. Ah, mais donc je peux pas. C'est qu'avec Cathy. Là, il y a une planque, mais je sais pas si elle va être là. Non, elle est où l'infirmerie? Parce que sinon, c'est le bingo kai, c'est chiant, non? Ouais. Pièce spéciale ou pièce mauve? Qu'est-ce que j'ai? Elle était là? Elle était là où qu'il y a? C'est quoi la réponse exo? Ah, quand tu es sorti des toilettes, elle a sauté, tu ne l'as pas vue? Oh, ok, d'accord, merci. Ok, ok, donc c'est bon, on sait où elle est. Le bingo c'est chiant. Je pense qu'elle sera plus là. Mais on va refaire. En fait, faut ouvrir la porte et partir, c'est ça? Comme les yokai qui sortent, genre des broussailles et tout ça. Bon, on va reset. Elle est inspirée d'un vrai truc. Et du coup, tu dois ouvrir et attendre 3 secondes. Ah ouais? Ah ouais, let's go. Bon bah merci, ok, on sait comment la voir. Oh, on est là, je sais plus ce qu'elle aime. Les snacks, c'est ça? Ouais, en cas. Oh oui, en plus on a 3 quoi, waouh. 3 secondes et 3 on est là, let's go. Link astuce, ça sert à rien de faire que de dire « Ouin, Kirb, je veux te dire quelque chose » parce que depuis tout à l'heure, je fais que de voir ton message où tu dis « Je veux te dire quelque chose » mais en fait, je ne vois pas ton message où tu me dis la chose. Donc en fait, c'est inutile. Tu perds du temps et tu me fais perdre du temps. Si tu veux dire quelque chose, tu l'écris sur ton message et je le vois ou je le vois pas, mais ça sert à rien que je vois un message qui dit « Je veux te dire quelque chose !» Pourquoi elle aime les Anka? Je pense, vu qu'elle vit dans les toilettes, elle doit aimer le caca.
Les gens me taillent alors que j'ai dit que les femmes ont moins d'avantages que les hommes, je suis juste trompé dans le message. Ouais, ok, c'est ça, ouais, d'accord. Ok, Link Astuce, c'est ça que tu voulais me dire? Ok, d'accord. Très bien. Bon, elle veut pas flâner ou être envoûtée, là? Ah, voilà, merci. Merde, en plus, il faut lui jeter à manger. J'ignorais, elle pouvait pop comme ça, c'est juste là le mode. Non, 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 c'est normal. D'ailleurs, je l'ai retiré le mode, je crois, non? Je sais pas si là, je l'ai retiré ou remis. Alors, Dragon m'a dit, pendant qu'on la capture... Ornella est inspirée du personnage Anako-san, une fillette portant une robe rouge que l'on pourrait apparemment trouver dans les toilettes des filles des écoles japonaises au troisième étage. Ah bah oui! Effectivement, le troisième étage au Le troisième étage au Japon, c'est le deuxième étage chez nous. C'est les Japonais, ils considèrent... rez-de-chaussée comme le premier étage. Oui, Adama, il est trop mignon. Dans le troisième cabinet. Pour le faire apparaître, il faut toquer trois fois à la porte en disant « Hanako-san, es-tu là ? Hanako-san, es-tu là ? Hanako-san, es-tu là ?» Pour faire apparaître Ornella. Il suffit de faire la même chose. Aller dans les toilettes des filles. Ah bah non, en fait. Ça marche aussi dans les toilettes des garçons. Et ouvrez la porte du troisième cabinet. Celui qui se trouve contre le mur du fond. Attendez quelques secondes et Ornella apparaîtra subitement. Ah non, peut-être que c'est le mode. Peut-être qu'en fait on peut la voir que dans les toilettes des filles, enfin dans la version normale, et que le mode il fait qu'on peut la voir dans les toilettes des garçons. Peut-être, peut-être. Pourquoi Ornella est dans les toilettes? Bah, je viens d'expliquer en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois dans mes vidéos, je disais, elle est où Toiletta? Où est-ce qu'on l'a Toiletta? Et les gens me disaient, ça n'existe pas Toiletta. Et quand j'avais... L'autre, là, l'évolution, je disais, ah, c'est l'évolution de Toiletta. Et les gens disaient, non, c'est l'évolution d'Ornella. Parce qu'en anglais, elle s'appelle Toiletta, justement, pour ça. Eh bien, let's go! Ah, ok, agent poire de Poulpi confirme qu'on peut l'avoir dans les toilettes des garçons. Sans le mode. C'était vraiment sympa d'avoir ton avis, Kirbendo. Je vais dans l'âge où l'année prochaine, je vais habiter seul. Donc, ton avis sur la société, etc. C'est très intéressant. J'ai dit beaucoup de choses, donc je sais pas exactement de quoi tu parles, mais écoute, bah, tant mieux, hein, merci. Bon, bah, voilà, on s'en va, on va faire la fusion. En temps normal, Ornella s'en prend qu'aux filles, ce qui me semble. Ah, donc voilà pourquoi ils auraient pu la mettre que dans les toilettes des filles. Sauf qu'effectivement, peut-être pour pas donner un avantage à Cathy, ils ont décidé dans le jeu de mettre pour les deux. Je me suis déjà fait reconnaître dans la rue plein de fois. Plein de fois. Et là, en plus, depuis qu'il y a un collège qui a bougé, le deuxième plus grand collège de ma ville qui a bougé et qui habite juste, enfin, qui s'est déplacé juste à côté de chez moi, plusieurs fois quand je rentrais, j'ai vu des gens. Pardon. Un certain Ryan et je ne sais plus qui. Enfin, un petit blond. Plus petit que moi, c'est rare, mais je ne sais plus quel est son nom. Temple de la voix. Oui, Romain. Non! On pouvait pas la voir, elle était pas dans le 1, je crois, si? C'est dans le 2, ça, non? Bonjour, Fouronat. Alors, Ornella. Ok, j'en ai 5. L'abus. A plus, Link Astuce. En fait, son évolution, c'est qu'elle a changé de vêtements et qu'elle s'est décoiffée. Elle est pas dans le 1, ouais. Ok, bon. Ça fait 2h09 qu'on est en live. Je pense qu'on peut peut-être finir la page suivante, là. La finir, ça serait bien. Hein. Moi, je me fais reconnaître tous les jours, je sais, Anto. Par exemple, je suis trans et j'en viens même à me demander si j'aboutirais à ce que je veux. Les inégalités sociales, les discriminations, etc. Donc, ouais, mes privilèges vont disparaître. Ouais. Effectivement, hein, ça, c'est compliqué. Comme je dis, la vie est difficile pour tout le monde, mais il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas n'ont pas le choix et se retrouvent avec, en plus, des désavantages supplémentaires. C'est pour ça aussi que ça me paraît dingo. Les gens qui disent « Ouais, les gays ou les trans, vous avez qu'à faire un effort, vous avez qu'à pas être gay ou trans, pourquoi vous l'avez choisi ?» Donc en fait, vous êtes en train de me dire que Donnie et moi, on choisit
Enfin, surtout Donnie, parce que c'est encore plus difficile quand on est trans que gay. Mais on est en train de choisir de se rajouter un désavantage dans la vie. La vie qui est dure, mais en plus de ça, on veut qu'elle soit plus difficile. Parce qu'on l'a trouvée trop simple, c'est ça? Je rappelle que être trans, c'est littéralement prouvé. Enfin, genre, c'est lié à la dysphorie de genre et c'est un truc qui est socialement et médicalement étudié. Hein, ça existe. Et le fait d'aider à la transition sauve des vies. Donc, c'est pas une lubie. Enfin, je sais pas s'il faut le répéter, hein, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ignorent encore. Coteau fleuri, bosquet au bambou. Bosquet au bambou? Et elle aime le lait. J'ai fusionné Cracky et Kaku Pancake. Quoi? Pas grave, Caporal. Comme j'ai dit plusieurs fois, on dit tous des erreurs de temps en temps. C'est pas une catastrophe, ça arrive. Hein. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, si j'avais du lait. Mon logiciel pour le montage, c'est Adobe Premiere. Oui, puis en plus, dans certains pays, en France, non. Enfin, tu meurs de différentes façons, mais dans certains pays, quand t'es trans, tu peux être condamné à mort. Donc, genre, c'est pas un choix, hein, les gens... ou même gay, hein, les gens choisissent pas. Hein. Genre, tu choisirais de faire un truc qui te condamne à mort, quoi. Et en réalité, en France, effectivement, t'es pas tué. Enfin, le gouvernement te tue pas quand t'es trans, ça doit être juste là. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si tu... C'est pas là le bosque en bambou? Si on t'aide pas correctement à transitionner et si t'as pas un suivi, quand t'es trans, t'as quand même beaucoup plus de chances que les autres de tout simplement te tuer. Donc je veux dire, c'est pas un choix. Hein. Bon, c'est où le bosque au bambou? Trop cool les avantages, oui. Et quand tu penses qu'il y a des gens parfois premier degré qui disent maintenant si t'es pas LGBT, surtout aux États-Unis, t'as des gens qui disent si t'es pas LGBT, et bah dans la vie t'as des désavantages. Quels sont ces désavantages en question? Parce que être gay ou trans, je vois pas beaucoup d'avantages qu'on peut trouver en fait. Là j'ai retiré le mode. J'en ai pas besoin là pour l'instant. En réalité, c'est clair que si t'es trans, gay, lesbienne, bisexuelle, pansexuelle, quoi que ce soit d'autre. Effectivement, dans la communauté LGBT, tu as des avantages. Pour le coup, oui. Mais donc, dans une communauté déjà discriminée, t'as des avantages. Et d'ailleurs, tant mieux, heureusement que cette communauté est là. Mais sinon, oui, dans la vie de tous les jours, non, tu n'en as pas. Disons que le gouvernement... Ah oui, alors, ça n'en parlons pas, ça c'est une catastrophe. C'est même prouvé que c'est pas une bonne idée. Le gouvernement veut bloquer les... Enfin, veut interdire les bloqueurs de puberté là, aux mineurs. C'est prouvé que c'est déjà pas irréversible et qu'en plus de ça, ça a littéralement des avantages sur la santé. Genre, ça sauve des vies. Je ne comprends pas comment à ce point on veut... Enfin, c'est toujours... En fait, c'est ça le problème. La majorité des décisions de droite et d'extrême droite sont des décisions qui sont basées en dehors du consensus scientifique. Par contre, c'est où le truc au bambou? Tu pourras reconnaître Orcanos? Oui, je le ferai, tout à la fin, Kamune. Salut. Je le ferai quand j'aurai terminé le médalium. Ce sera mon dernier truc. En fait, ce que... Attendez. Ouais, le bosquet au bambou, c'est où? J'ai du mal à m'assumer, Je trouve bien que tu t'affirmes. Il faut des exemples, même si c'est difficile pour tout le monde. Il faut des... C'est bien qu'il y ait des exemples de gens... qui soit LGBT. Tout à l'heure, tu expliquais que j'avais de fortes difficultés financières. Pourquoi faire autant de lives, ce n'est pas rentable? Oh, ça, c'est pas grave, parce que les lives, tu sais, ça me fait du... C'est comme des tournages, en réalité. Et après, je fais des vidéos pour la chaîne secondaire. C'est pas là, le bosque au bambou, non? C'est où? Et en plus, oui, j'aime streamer, donc... Vu le nombre de... Comment dire, de... D'heures de travail que je donne, si je ne faisais que ce qui rapporte de l'argent et qui ne me plaît pas, je pense que je suis en burn-out. Hein, littéralement. Et je cherche une zone, je sais pas où elle est. Je
Je suis un exemple pour toi. Ah ouais. Ça fait bizarre de dire ça. Tu as fait un live combo officiel? Bah je sais pas en fait. Parce que je sais pas si j'ai une save Yoka Watch sur ma 3DS. Encore? Ah ouais? On n'a pas eu pendant plusieurs lives et là il y en a deux. D'accord. Tu as continué le speedrun de Yoka Watch 3. J'ai jamais fait de speedrun Yoka Watch 3. Ça va et toi Antonin? Non mais là j'ai un problème. C'est quoi le bosquet au bambou? Oui, on dira qu'il est interdit de l'idéologie de genre, quel est le but et le principe. Oui, non mais. En fait, je comprends pas comment on peut être dans un déni de science aussi absolu. Moi, je crois en la méthodologie scientifique. Je crois qu'effectivement, la science, étant gérée par des humains, peut et s'est déjà trompée. Mais il y a un tel recoupage d'informations, d'expériences, qu'en réalité, eh ben, même s'il y a des erreurs de temps en temps, elles finissent un jour ou l'autre par être rattrapées. Donc en fait, genre. Je vois pas comment on peut baser des décisions politiques en dehors du concept démocratique, enfin du concept scientifique. Aujourd'hui, il est prouvé que donner un accès aux mineurs, on parle pas de mineurs de 8 ans, hein, mais à des mineurs de 15-16 ans, les bloqueurs de puberté, quand ils font de la dysphorie de genre, que ça les évite de littéralement mettre fin à leur jour, de se tuer. Ça les évite dans 95% des cas. De quelle idée folle peut te faire dire, eh ben on va les interdire. Alors qu'en plus, c'est aussi prouvé que ça ne fait rien de mal, que ces bloqueurs de puberté sont réversibles. Donc, je comprends pas. Bah, je ne comprends pas comment on peut avoir autant de décalage par rapport à aujourd'hui, on a de la littérature scientifique énorme, comment on peut vivre. En fait, j'ai l'impression que ces gens, politiciens, vivent dans un monde alternatif. La réalité physique du monde est différente. Genre pareil pour l'écologie. Enfin, l'écologie, elle. Non, mais ils préfèrent diriger par la haine que par la raison et la science. Mais je pense que certains d'entre eux sont persuadés que ce qu'ils disent, c'est réel. Genre, bien entendu, les gens qui votent sont mal informés, écoutent des discours de haine et votent sans se documenter. Mais je suis sûr que certains d'entre eux sont persuadés que c'est réel, hein, quand ils disent ça. J'attends parce que j'attends que la porte ouvre au premier tiers. Je suis caché dans un buisson. Mais plein d'autres trucs, hein, comme enfin, les consensus sur le racisme, sur les discriminations des LGBT, tout ça, les conséquences du colonialisme sur la géopolitique actuelle et tout. Pourquoi les gens nient que ces trucs-là existent? C'est documenté, c'est recoupé, ça explique des décisions qui n'ont même pas encore été prises mais qui vont finir par être prises. Et à chaque fois, c'est vérifié. À plus, Romain. On peut être un chat, c'est dans le 3, je crois, le chat. Je terminerai pas le médaillon de Cavage 3, non. Par contre, Gargaro, si Minerve va être si près. Le gouvernement est déconnecté et comme tu l'as dit, c'est bien triste quand on a un président, un premier ministre qui se revendique jeune et dynamique, mais qui sont autant en retard. Ouais. Ouais. Voilà, la sortie est apparue. Là-haut, on va attendre que l'autre fasse demi-tour. Mon père croit que c'est à cause des émigrés que la France va mal, à cause de CNews et compagnie. Ouais, mais pareil, ça, pareil. Elle est où la porte là? Elle est là. C'est aussi documenté que c'est pas vrai. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Comme les gens, en fait, un exemple par rapport à ça, genre. Une majorité de gens, enfin pas une majorité de gens, mais plein de gens pensent que les musulmans, c'est un problème en France. Et que l'islam, c'est un grave problème en France. Et en fait, quand tu leur demandes, quand tu vois sur les réseaux, quand ils te disent combien il y a de musulmans en France, les chiffres qu'ils disent sont aberrants. Genre, les gens disent. Ce genre de personnes, qu'il y a littéralement 10 à 20 millions de musulmans en France. Et ils y croient à ce discours. Je sais pas combien il y a de musulmans en France, mais il y en a quoi? 2 millions? Un truc comme ça, attendez. Tu m'étonnes qu'ils ont peur.
S'ils pensent qu'il y en a 5 millions en France. Et les gens pensent qu'il y en a 20 à 30 millions parfois, genre. Qu'il y a au moins 20 millions de musulmans en France, comment? Enfin. En dehors de tout principe réel, enfin, ils sont complètement déconnectés de la réalité pour faire des jugements. C'est aberrant, aberrant. Bon, on n'a toujours pas trouvé le bosquet au bambou, hein. Je sais pas que ce soit la meilleure idée que tu exposes ton avis politique sur YouTube. Bah, pourquoi? On a le droit. Et si j'ai autant d'abonnés? Et c'est pas un avis politique de ne pas être raciste ou de ne pas être LGBTophobe. Et si justement j'ai autant d'abonnés aujourd'hui qu'il y ait plus de 200 personnes qui me regardent et que je peux pas éviter à certaines personnes de devenir des gros cons plus tard, bah je pense que j'aurais loupé ma vie. Plus que faire des millions sur YouTube ou devenir ultra populaire et tout, si je pouvais au moins éviter certains enfants aujourd'hui de devenir des racistes, islamophobes, misogynes ou LGBTphobes plus tard, je pense que j'aurais un peu... J'aurais au moins une satisfaction. Mais je n'ai pas de satisfaction de ne toujours pas trouver le bosquet au bambou. Est-ce que bambou UK Watch? C'est au Mont Sylvestre, pourtant il y a marqué Coteau Fleuri. Moi je cherche Sanridion, attendez, regardons où est Sanridion. Coteau Fleuri. Apparemment Sanridion est bien au Coteau Fleuri. Un billet de loterie Kirbendo se passe sur ce jeu. Faut les laisser dans le déni, Kirbendo. À quoi tu fais référence? Non, parce que après, les gens qui sont dans le déni de vérité, bah après, ils font des mauvaises décisions politiques, donc c'est mauvais pour tout le monde, en fait. Parce que quand quelqu'un vote à l'extrême droite, genre, il pense vraiment qu'il y a un danger. Il fait pas ça parce que c'est un gros méchant. Il le fait parce qu'il pense réellement que, même si la réalité est autre, il pense vraiment parce qu'il y a un danger que demain, genre en 2025, les filles seront toutes forcées de porter le voile. Si tu consommes de l'alcool, tu vas te faire tuer. Il y a plein de gens qui sont persuadés que ce genre de choses va vraiment arriver, genre demain. Et en fait, il faut leur apprendre que c'est pas vrai. Tu m'avais donné la réponse, elle est où? Au temple abandonné? Comment ça, au temple abandonné? Quel temple abandonné? À plus, Dragon Khan. Mais en fait, il faut que je trouve Sanridion. Et qu'elle soit au bosquet fleuri ou... Enfin, au coteau fleuri ou au bosquet du bambou, on n'en sait rien. À l'ouest de coteau fleuri, le bosquet au bambou. Ouais, mais je trouve pas d'entrée ou quoi. Là, sentier de la bambou. Bambouserie, peut-être. Peut-être elle est par là, non? C'est un caille de quel rang? B. La corniche, c'est pas dans Yokawash 1 qu'elle est à la corniche? Ou Yokawash 3? Parce qu'elle change entre les trois jeux et elle est pas au même endroit. Ça change d'avoir quelqu'un qui se prononce politiquement. Certains ne veulent pas parler de la haine ou des discriminations sociales, mais chacun vote ce qu'il veut, mais prenons conscience. Oui, moi je force personne à voter comme il veut, enfin à voter quelque chose, mais c'est juste que moi je vois pas l'intérêt d'avoir une communauté si je peux pas au moins éviter qu'ils deviennent haineux. Parce que ce que je me rends compte quand même, Pépito, et l'exemple je l'ai vécu moi-même, c'est que pendant des années, moi, homosexuel, je n'ai pas parlé des LGBT. De temps en temps, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, quand quelqu'un demandait que j'étais gay, je disais oui. En fait, c'était pas caché. Mais je ne le montrais pas, enfin genre je le disais pas à haute voix. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que... Eh bah, ça faisait que le jour où j'ai décidé d'en parler, j'ai perdu des centaines et des centaines d'abonnés. J'ai
reçu, et encore aujourd'hui, je reçois sur les différents réseaux de la haine. Encore des gens qui disent tous les jours, surtout sur TikTok, qu'Herbendo était mieux quand il était pas gay. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que si, quand j'avais commencé Yuka Watch, dès le début, j'avais dit que j'étais gay. Et que j'avais éduqué les gens, alors justement, en faisant mes vidéos, en rappelant que j'étais gay, mais en faisant les vidéos normales. Peut-être que ces gens, en grandissant, ils seraient pas devenus homophobes. Parce qu'ils se seraient dit, tout simplement, qu'en fait, bah, genre, j'ai suivi Yuka Watch et tout, et alors, il était gay, et en fait, bah, c'est normal. Genre, c'est une personne normale et tout. J'ai apprécié et tout, parce qu'en fait, les gens, aujourd'hui, sont dans un délire où ils se disent qu'à l'époque de Yuka Watch, j'étais pas gay. Donc en fait, ce que j'ai produit à l'époque de Yuka Watch, j'étais pas gay. Donc c'est bien. On pouvait regarder Kiana à l'époque. Maintenant, il est gay. Donc on peut plus le regarder. Et donc, justement, bah, ça, c'est une erreur de ma part. Si à l'époque, j'avais annoncé, répété plusieurs fois que j'étais gay, ces gens-là ne diraient pas ça aujourd'hui. Ils auraient grandi en pensant qu'être gay, c'est normal. Ce qui est logique en réalité. Donc, ça, c'est l'un de mes regrets. Donc aujourd'hui, je ne me mets plus de filtre. Je parle de trucs comme ça. Les trans, les gays, les musulmans, tout ça, c'est. Tout ça, il faut en parler, il faut dire que ça fait partie de la société, que c'est normal. Et donc, les gens qui aujourd'hui sont petits et qui grandissent, et ben, quand ils regarderont tout ça derrière, peut-être que ça les évitera de devenir des cons. J'ai jamais été au Japon, j'y suis allé deux fois en vacances. Cette idée qu'il est... T'as poussé à l'annoncer publiquement? Non, pas forcément. Et aussi, juste au fait, je voulais. Je sais pas, je pensais que c'était évident que je l'étais, et pour les gens, non. Donc. Qu'est-ce qu'il a dit, Nathan? Moi, je suis pas d'accord, Donny. Enfin, après, chacun son avis, mais. Je suis d'accord déjà avec le fait que. Toutes les menaces de mort, c'est mal. Il y a pas de justification à faire des menaces de mort. On ne menace personne de mort pour aucune raison. Après, effectivement, je trouve que le port du voile à l'école, c'est quand même un peu stupide. Hein. Genre, empêcher le port du voile à l'école. En fait, je comprends pas quelle est la logique là-dedans. Déjà, bon, ça cible souvent que les musulmanes. Hein. Les autres religions, on dit jamais rien. Puis en plus, c'est stupide. Ça veut dire quoi, en fait? Genre, quand tu demandes à une femme... Donc une fille de 16, 17, 18 ans de retirer son voile à l'époque, ça fait quoi en fait? Genre tu lui dis, alors à l'école t'as plus le droit d'être musulmane, hein, t'arrêtes. Puis quand tu sors après de l'école, tu peux redevenir musulmane. Mais par contre dans l'enceinte de l'école, tu n'es plus musulmane. Ce qui est un peu débile. Enfin après genre, ça pourrait aussi s'appliquer à n'importe quoi par exemple. Genre t'arrêtes d'être gay dans l'école, hein, t'arrêtes d'être trans dans l'école. Dans l'école t'es lisse, t'es comme tout le monde. Genre t'es la personne lambda. Et genre, c'est pour ça que c'est un peu dangereux, je trouve, les discours de dire le voile n'a pas sa place à l'école, enfin, et donc, bah, pourquoi aussi le drapeau LGBT aurait sa place à l'école, en fait? Pour moi, les deux ont leur place, hein. Mais c'est pour ça que, pour le coup, le respect de la laïcité, c'est un truc assez complexe, parce que le respect de la laïcité, c'est souvent un peu quand même à sens unique, hein. Et par contre aussi, genre, l'État, qui va porter plainte contre une gamine... On a tous fait des conneries quand on était petit, genre je veux dire une gamine portée plainte par l'arsenal de l'État, ça je trouve ça quand même un peu aberrant tout de même. Tu peux essayer de jouer le nouveau Paper Mario mais il est pas encore sorti, mais bien sûr que je le ferai. Bah par contre je l'ai quand même fait en live il y a deux semaines et t'étais pas là donc... Et la vidéo elle est sortie, il y a une vidéo qui est sortie il y a deux semaines sur ce jeu, sur ma chaîne principale. Par contre je ne comprends pas Sanridion, je ne sais pas où elle est. Personne n'a l'air de vraiment savoir. Il y a plein de gens qui disent « je pense qu'elle est là, mais je ne peux pas fouiller toutes les zones en pensant que... » Il faudrait que je la trouve. La laïcité, le fait de ne pas porter de signes religieux... Bah ouais, mais le fait de ne pas porter de signes religieux, je suis désolé, c'est toujours les musulmans qui en prennent plein leur gueule. Genre, le nombre de gens qui portent une croix et on leur dit rien, ou la kippa. Je ne comprends pas, tu vas porter d'abaya, par contre tu peux porter la kippa, à un moment quand même. Jamais dragon, il n'y aura pas de démo sur le chapitre 3. Ils vont sortir directement le truc final, mais c'était la dernière démo, mais je pense dans 2 ou 3 ans. Ah c'est vrai, t'as raison. Je peux savoir sur le médalium. Pourquoi on ne peut pas parler plus de l'islam? Comment ça on ne peut pas parler plus de l'islam? Tu peux en parler, hein, t'as le droit.
C'est bien au coteau fleuri. C'est un rang B. Par contre, j'aimerais bien sortir d'ici aussi. Par là. Mais personne ne sait où est le bosquet au bambou. Je suis choqué. J'ai annoncé que tu t'es gay, c'était la période où je regardais moins YouTube, mais quand je suis revenu, bah, j'étais pas choqué, mais fier, on va dire. Parce que je m'en doutais. Bah, merci. Mais ce qu'il y a, c'est que... ça me paraissait évident, en fait, mais... C'est pour ça que j'avais jamais fait d'annonce. Surtout que j'avais déjà fait des vidéos avec mes différents mecs, mais personne n'avait... Ok, pardon. Non, ça a été modifié depuis Yo-Kai Watch 1. Mais c'est vraiment un endroit qui s'appelle le bosquet au bambou. Col du clair de lune. Il n'y a pas une sous-zone, non? Rue du temple de la voix. Temple de la voix, ouais. Au pire, tu te le gives. Non, non. On n'abandonne pas dès qu'on sait pas, quand même. Mince, mince, mince. Heureusement, ouais, les musulmans sont les premiers visés, c'est un fait, mais la laïcité s'inscrit, donc on doit le respecter. Oui, mais alors, l'interdiction de ces signes à l'école, c'est un truc... en fait, la laïcité, c'est plus complexe que ça. Hein. Et le fait de ne pas porter ce genre de truc pour les élèves à l'école, c'est un truc qui a été fait, qui a été décidé durant la loi de 2004, je crois, durant un ajout. À la loi sur la laïcité. C'est pas la laïcité de 1900... Attends, la loi de la laïcité, c'est de quand? Et je connais jamais les dates. Loi de la laïcité en France, c'est de 1905. À chaque fois qu'on parle de laïcité en France, on parle de la loi de 1905. Sauf que cette loi de la laïcité, tout le monde la comprend mal. Hein. Elle ne dit pas que les élèves n'ont pas le droit de porter le voile à l'école. Hein. Ça, c'est la révision de 2004 de la loi de la laïcité. Révision de la loi de la laïcité qui a été décidée sous un gouvernement de droite. Donc, un gouvernement conservateur. Donc, c'est une révision conservatrice de la loi de la laïcité. Et en plus, le rapporteur de la loi à l'époque n'était pas d'accord. Il a voté contre l'interdiction du port du voile à l'école. En fait, ce que la laïcité dit en France, c'est que l'État n'a pas le droit d'afficher genre une appartenance ou une préférence religieuse. Ce qui veut dire que les fonctionnaires de l'État, donc les gens qui travaillent dans le secteur public, qui sont embauchés par l'État, c'est-à-dire les professeurs, les inspecteurs des finances, les ministres et tout ça, n'ont pas le droit d'afficher une appartenance religieuse. Ils n'ont pas le droit de porter de croix, de porter le voile, de porter une kippa ou quoi, c'est interdit pour quelque fonctionnaire que ce soit. C'est ce que dit la laïcité. Cependant, ça ne dit pas que les citoyens n'ont pas le droit d'afficher leur religion. La loi de la laïcité de 1905 dont on parle tout le temps et que personne ne comprend encore et que tout le monde, enfin que personne ne comprend parce que quasiment personne ne l'a lu, indique les limites de l'expression religieuse dans l'expression de l'État. Et pas du tout celle du citoyen lambda. Le citoyen a le droit d'être religieux et il a le droit de l'exprimer de la façon qu'il le veut du moment qu'il ne le fait pas du prosélytisme éhonté. Donc, il n'y a pas de... Ça veut dire que il était légal de porter le voile à l'école selon la loi de 1905. Et c'est pour ça qu'il y a eu en 2004 une révision de la loi pour l'interdire. Un ajout à la loi. Un ajout avec lequel je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec la laïcité de la loi 1905 en France. L'État ne doit pas financer, l'État ne doit pas se prononcer, l'État ne doit pas intervenir dans le religieux ni mettre du religieux. Mais le citoyen a le droit d'être religieux comme il le souhaite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'État lui-même ne respecte pas la loi de la laïcité de 1905. Hein. Quand l'État il fait, je ne sais plus quelle fête religieuse juive à l'Élysée, ou qu'il reçoit le pape, il brave lui-même la loi de 1905.
Donc après, va parler du fait que des gamines n'aient pas le droit de porter le voile. En Finlande ou dans un pays d'Europe du Nord, les élèves ont le droit au voile à l'école et tout va bien là. Bah ouais, hein. Surtout qu'en plus, il est quand même prouvé que plus tu stigmatises une communauté, quelle qu'elle soit, plus cette communauté se radicalise et donc plus elle a de chances de devenir violente. Et donc en réalité, bah, genre, plus on stigmatisera les musulmans, plus il y a de chances qu'il y ait de l'adhérence au discours haineux et au terrorisme, tout simplement. Le bosquet au Mont-Mousse, c'est au Mont-Sylvestre. Ah bah alors, c'est pas au Mont-Sylvestre. Hein. Je sais pas où elle est, sans Ridion. Parce qu'il est bien indiqué que sans Ridion, elle est au Coteau Fleuri. C'est marqué dans le médaillon. Mais donc elle est pas au bosquet en bambou. Mais alors elle est où? C'est dommage qu'il n'y ait pas de modo. Merci Soloï, merci pour les deux subs. Et donc bienvenue à Dream 2000 et bienvenue à ChrisTug 934. Merci Soloï. D'ailleurs, tu offres des subs, mais t'es pas sub. Sur le chemin du manoir. Je pense que ça doit être là. Bon, tout ce que je dis là, par contre, ça restera durant le stream. Durant la rediffusion, bien entendu, ce sera coupé. Qu'on aille directement à l'action, quoi. Salut Léo, ça va? Donc c'est un rambé qui est par là, alors. Est-ce que ça risette d'aller dans le manoir? Sous voiture, distributeur tombe au temple de la voix. Ah ouais? Ah c'est chiant, personne n'est d'accord. Par contre, c'est le jour, tu dis? Bon, dans le doute, hein. Les bosquets au bambou, c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure, Corentin. Tu nous aides pas en disant ça. On a eu des menaces d'explosion et d'assassinat à mon lycée cette semaine, j'étais pas rassuré. Ouais, et d'ailleurs, au moment où Coco, il était en voc avec moi, il y a eu les premiers trucs qui ont été reçus, tu vois. J'ai dit à Coco, c'est sûr que c'est un gamin qui est même pas musulman qui fait la blague. Et bah vous savez que le gars qui a fait ça, il a été arrêté. Hein. Et c'est effectivement pas un musulman. C'est un gamin, d'ailleurs un peu adhérent au truc de droite, qui était en garde à vue là, hier ou avant-hier, je crois. Donc voilà, enfin c'est pas du tout un musulman, ça, c'est toujours. Hein. Je sais pas si vous avez reçu, je fais référence cette semaine aux gens qui ont reçu des mails dans leur lycée pour dire que, enfin un gars qui disait qu'il allait tout faire exploser là. Ben en fait c'était pas un musulman, comme on pouvait s'y attendre. Et donc c'est quelqu'un qui allait rien faire, hein. Mais bon, ça a quand même mis un peu tout le monde en état d'alerte. C'est quoi ce dont tu parles? T'as pas suivi Sandbad? Cette semaine, dans plusieurs lycées et collèges de France, sur le... Ghost Trick, il y a eu des gens qui ont reçu un mail sur, tu sais, le Pronote ou des trucs comme ça. Un mail de quelqu'un qui disait... Attends, je crois que... Mail... Ça a placé d'ailleurs la France en menace Vigipirate. Hein. Menace, attentat, lycée. Ouais, en gros, il y a un gars qui dit « Assalamu alaikum, nous venons de la part de l'État islamique, blablabla, on veut faire notre projet à bout, dans la journée du 25 mars, on va faire exploser l'établissement scolaire, si j'écris ce message, c'est pour que mes acolytes m'aident, blablabla, blablabla. » Il a dit un truc qui voulait déchiqueter les mécréants, etc., etc., décapiter les koufars, tout ça, il disait en disant « Pour servir Allah le Tout-Puissant, blablabla, tu vois, genre, littéralement, littéralement, le message a été envoyé. Coco me l'a lu, j'ai dit, c'est sûr, c'est un blanc raciste qui l'a écrit. Salut Wadi. J'ai dit, c'est sûr, c'est un blanc raciste qui a écrit. Et bah, littéralement, là, il y a deux frères qui ont été arrêtés, j'ai vu hier. Et bah, c'est littéralement ça, c'est deux blancs racistes qui ont fait ça. Genre, surtout, parce qu'il y a eu un gars qui a fait une menace d'attentat, Wadi, en France. De toute façon, en plus, en plein ramadan, quoi. Ah, là, voilà. En plein ramadan, t'aurais
un musulman qui qu'enverrait comme ça une menace d'attentat, genre, wesh. En plus, c'est, l'État islamique marche pas comme ça. L'État islamique, c'est pas pour le défendre, bien au contraire. C'est l'un des pires ennemis que le monde ait connu depuis longtemps, mais ça n'empêche qu'ils envoient pas une petite lettre avant de faire un attentat. Hein. C'est quoi cette blague? Donc elle aime le lait, vas-y. Ça a confiné un délicé de ta région. Bah ouais, mais justement, là par contre, les deux frères qui ont fait cette blague, enfin blague, c'est sûrement aussi pour stigmatiser les musulmans, et bah, ils vont regretter, hein. Parce que ça, l'État ne rigole pas avec ces trucs-là, hein. Genre la logistique que ça coûte de faire un truc comme ça. Jamais vu ce fond de décor, je suis le seul. Je l'avais vu quelques fois, mais c'est vrai, c'est un peu rare. Kuta, après, ouais, t'as raison, hein. Quelqu'un qui fait une masse comme ça, généralement, c'est toujours n'importe quoi, mais il vaut mieux quand même prévenir que guérir. Genre, vaut mieux mettre en état d'alerte, suspendre les cours pour rien, que faire quand même cours et qu'il y a un problème. Mais en effet, enfin, genre, ça se voyait que c'est du flan. Hein. Salut, Evanbot. Les règles du live, c'est juste de récupérer le plus de yokai. Mais c'est marrant parce que, généralement, tous les trucs haineux, genre, j'ai jamais vu aucune exception, sauf les gamins de 14 ans sur Discord, les débiteurs. Mais généralement, quand t'as un message haineux quelque part tagué ou sur une lettre qui se termine par « au nom d'Allah » ou des trucs comme ça, c'est toujours un blanc qui l'a écrit, hein. Genre, les gens qui écrivent « nique Jésus », etc., etc., c'est signé un musulman, c'est toujours un blanc qui écrit. Genre, toujours, il n'y a pas d'exception. Hein. J'en ai jamais vu, en tout cas. J'aime pas lui, il est trop moche, en plus c'est un bozo. C'est elle plutôt, non? C'est sans Ridion. Mais on va l'évoluer en une belle. Re, Yashik, elle était bien, la vidéo. C'est triste de lier la religion à ça, bah c'est pour vous faire passer pour des sauvages, c'est tout, enfin... Oh non! Est-ce que je peux acheter le jour? En fait, c'est ça, c'est tous une manipulation, parce qu'en fait, ça fait que... Un message est écrit comme ça. Sur les réseaux, les gens vont dire « Regardez, les musulmans, c'est des fous, regardez ce qu'ils font !» Et après, bah, quelques jours après, il va être prouvé qu'en fait, c'était pas des musulmans qui ont fait ça. Sauf que le nombre de gens qui ont lu, qui ont entendu l'information que c'était des musulmans, bah eux, ils vont pas forcément entendre l'information que ça n'en était pas. Donc dans leur tête, ils vont croire, pour toujours et à jamais, que c'était vraiment des musulmans. Et c'est comme ça que marche la propagande raciste, en réalité. Hein. Genre, y a pas de mystère. Hein. Pourquoi je suis un gigabâtard? J'ai fait quoi? De quel moment tu fais référence? Les gens qui disent H24 au nom de Dieu, bon, ah, c'est des expressions normales. Moi, je dis souvent mon Dieu. Genre, même dans mes vidéos Kawash et tout, genre, c'est du langage courant, un peu. T'as trop voulu me faire, mais c'était trop drôle. Ah bah, merci. Pourquoi tu dis blanc? Il y a des arabes blancs. Alors, quand je dis blanc... C'est genre ce qui est socialement... Je le répète, hein, Ishako, mais les races, ça n'existe pas. Ça, on est bien d'accord. Enfin, ça n'existe pas biologiquement, mais ça existe socialement. Genre, il y a bien une différenciation sociale qui est faite au niveau de la couleur de peau et de la supposée appartenance ethnique des gens. Donc, quand je dis les Arabes et que je différencie des Blancs, c'est bien entendu, quand je dis Arabe, ce que la société considère comme un Arabe. C'est pas, genre, je suis pas en train de faire une explication biologique ou généalogique de la personne. Hein. Ouais, voilà, Otiwa B. J'ai deux potes à moi qui sont partis en garde à vue car ils voulaient dépouiller des gens d'un autre lycée d'un coup. Du coup, l'autre voulait dépouiller pour une clope. Quoi? Bon, je pense que ça va être un petit peu rare par contre. Dommage que je sois pas devenu ami. Ah, Isako. Ah, d'accord. La vidéo d'Orkanos, combien de fois j'ai dit mon dieu, bah c'était dur. Hein. Vas-y, Kirby bleu. J'ai mis. Surtout qu'en plus, le fait d'être arabe, c'est pas forcément une vraie définition. Enfin, genre moi, on m'a déjà... Enfin, les deux seules fois de ma vie où on m'a contrôlé dans la rue, c'est parce que probablement les flics étaient persuadés que j'étais arabe. Hein. Bon, en même temps, j'étais habillé comme un mec de cité, mais...
Et c'est quand ils ont vu... Mais d'ailleurs, en Algérie, à chaque fois à l'aéroport, quand on me contrôle en Algérie, quand je pars, hein, à chaque fois qu'on me demande mon passeport, on me demande mon autre passeport. Ça c'est dingo, hein. En Algérie, les gens sont persuadés que je suis, bah, pas arabe pour le coup, mais kabyle. Mais bon, du point de vue des Français, les gens pensent un peu que kabyle et arabe, c'est la même chose, même si c'est pas techniquement très différent, mais bref. Mais dans tous les cas, en Algérie, à chaque fois que je partais du pays et que je montrais mon passeport à l'immigration, donc pour quitter le pays, le gars, il regarde mon passeport et il dit « Vous pouvez me passer votre autre passeport ?» Comment? Bah, votre passeport algérien. Plaît-il? Je... en plus, j'ai même pas un nom de famille algérien, mais à chaque fois, le coup. Après, quand j'étais en Algérie, les gens... Y a personne qui me disait que j'étais français, hein. Genre, bah, quand je parlais tout. Même quand je parlais et tout, parce que j'ai pas l'accent et tout, les gens, ils me disent, ouais, c'est tes parents qui sont algériens, ou c'est tes grands-parents et tout. Non, c'est personne, je suis pas algérien. Non, la pub, c'est sur YouTube. Alors ça, c'est raciste, par contre, Zarox. Bon, en fait, il est rare sans Ridion, et c'est chaud. On sait, Anto, on sait. J'habite en France, oui. Aïe, aïe, aïe. Et quand on rentre dans le manoir, ça reset la zone? Sans Ridion, ça va être chiant. Ça dégénère, la conversation sur YouTube, hein. Est-ce que j'ai des pièces spéciales? Parce que sinon, vite fait, je pourrais aller au Bingo Kai voir si je l'ai. Même si c'est au long shot. J'ai pas de pièces spéciales, d'accord. Et pendant le coup, il sert à rien. On a eu. Depuis le début du stream, vraiment. Oh! On a eu aucune bulle avec l'amitié, littéralement aucune. Ça ne me plaît pas. Sans Ridion, allô? Voilà, mais pourquoi elle a pas de Ridion? Je sais pas ce que c'est des Ridions. Reste là! Voilà. Je crois pas qu'elle soit rare sans Ridion, après t'as juste pas de chance. Ouais, peut-être. Vous me conseillez quoi comme jeu Switch in... En avril, bah... attendre mai. Et prendre... Paper Mario, la porte millénaire. Voilà ce que je conseille. C'est un jeu de mots entre Cendrillon et Ride. Tu veux dire entre... Ah oui, oui, Cendrillon, en effet. Oh merde, j'avais trouvé. J'ai sorti à mon père que Montpellier, c'était dans les Alpes. Tu sais, je m'y connais tellement peu en géographie que c'est un truc que je pourrais dire. Hein. Tu peux la pack facilement au bingo sans Ridion? Ouais, mais il faut la pièce spéciale et je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il m'envoie, Exodragon? Ah ouais, ok. Ah, punaise. Mais en fait, c'est ça le bosquet au bambou, je pense. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais sentier de la bambou. Sentier de la bambou, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pièce mauve, ça suffit? Ok, merci. Oh là là. Rajoute Pitou dans ton équipe. On peut... Genre ça se stack d'avoir plusieurs... Et non, ça actualise pas là-bas. D'avoir plusieurs trucs de superstar. Vous êtes sûr? Moi, je pense que non. Sans Ridion. Ouais, la pièce mauve dans le présent, ouais. Mais est-ce que j'en ai d'ailleurs des pièces mauves? Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on n'a pas joué au Bingo Kai aujourd'hui. Attendez, on fait un dernier aller. Ah. Vas-y. Et tu dessines quoi, Kuta?
Oui, mais... Kirby Blue, on a déjà eu cette conversation. Je n'ai pas besoin d'avoir Pitou, parce que j'ai déjà Cabotin. Mais est-ce que âme superstar plus Pitou plus Cabotin, c'est combinable? C'est ça la question que je demande. Je demande si plusieurs sympathies peuvent être... Enfin, plusieurs superstars peuvent être combinées. Si c'est en région, enfin, s'il pouvait y avoir une bulle là, ce serait bien. Non, voilà. On s'en fout, vas-y, tu es là. Voilà, c'est mieux. Hercule Poirot, un fanat pour un concours qui signe demain. Bon courage. Bonjour, qui est au programme aujourd'hui? Ta mère... je sais pas. Putain. Est-ce qu'il y a un Télémire dans le manoir? Je crois même pas. Hein. C'est une zone un peu trop osef sur le 2. Ouais, y'a pas. Voilà, c'est ce qui me semblait, Shadow. Le talent sympathie ne se stack pas. Sympathie et superstar, ça peut peut-être se stack. Même si ça, c'est pas prouvé, hein. Mais Parce qu'à chaque fois que vous me dites oui, si vous me sortez comme source Fluffy et Nexus, ce serait comme sortir comme source Kirbendo. En fait, genre... Que ce soit eux ou moi... On n'a pas analysé le code source du jeu, hein. Donc on peut avoir raison sur certains trucs, mais la plupart de ces trucs, on le dit par rapport à notre ressenti. Et la chance, c'est quand même un truc qui est difficile à évaluer. Faudrait demander à Wadi. Est-ce que Wadi est toujours là? Wadi, allô, Wadi. Wadi. Si tu réponds pas, je pense que c'est bon. Je vais arrêter d'être fan du Maroc. T'es à combien de pourcents de médallium? I don't know. On a dit qu'on regardait au début et en fin de stream. On avait dit pas les mamans. Et pourquoi pas les mamans? Moi je dis les mamans. Et surtout les mamans d'ailleurs. C'est vrai que ça coûte rien d'utiliser super tard et sympathie. Si on speedrun les oignons, on a plus de chances de les avoir. C'est-à-dire, comment ça? On a compris, Link Astuce, que ton lait est délicieux. Vous êtes obligé d'en parler pendant 4 heures? Allez, laissez des pouces bleus! C'est ça vos putains de pouces bleus de merde? Eh ben dis donc, je suis déçu de vous. Les mamans, elles nous ont accouchés, donc on les respecte. Ouais, enfin, vu ce que certaines mamans font... Puis bon, vous les respectez, donc vos mamans, elles ont pas le droit d'avoir une activité sexuelle? Ça veut dire que si je baise vos mamans, mais avec leur consentement, j'ai pas le droit? Eh ben dis donc, c'est pas très cool ça pour vos mamans. Allez, allez... Ok. Kirino qui a passé 6 ans à dire que ça ne s'accumule pas et maintenant il sait plus. Parce qu'à l'époque, Abdallah avait dit que selon le datamine du jeu, ça ne se cumulait pas. Sauf que... Enfin, Abdallah avait dit en vidéo, par rapport au datamine du code du jeu, il semblait que ça ne se cumulait pas. Mais comme on n'avait pas encore analysé tout le code du jeu, et bah, ce qu'il disait aussi, c'est... Mais peut-être que quelque part, ça se cumule quand même. Genre, il y a peut-être des lignes de code quelque part qu'on n'a pas trouvées qui font que ça se cumule. Mais jusqu'à maintenant, il était trouvé que ça ne se cumulait pas. Allez, dernière pièce mauve. Je suis sûr que vous m'avez fait venir ici pour rien. Allez, allez, pitié, laissez des pouces! Oui, ah oui, Evanbot, effectivement, oui. C'est ça que tu disais. Oui, speedrun les Oni n'augmente pas les chances. Par contre, Abdallah avait dit que si. Il avait dit qu'il pensait que si. Mais ouais, ça augmente pas. Il y a encore des pères et des mères qui frappent leurs enfants. Zarok répond, non, c'est devenu illégal. Ah bon? Bah alors ça veut dire qu'il n'y a plus de meurtres? Il n'y a plus de pédophiles? Il n'y a plus de... D'agression sexuelle, y a plus de vol dans le monde, vu que c'est devenu illégal. Tu m'apprends un truc, tiens. Je savais pas que dès qu'un truc devenait illégal, genre, ça arrêtait d'exister. Bah si c'était si simple, et bah voilà, on a trouvé la solution. Mm-mm-mm.
Les pouces gris, ça apporte pas Pandanoko. Si, si, si. Ça, par contre, si, c'est prouvé. Allez, allez, Rambéran. Ah, 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 ah. Kirben Nas, pour le coup. Comment ça? C'est pas moi qui décide de ce que j'ai au Bingo Kai. Hein. C'était donc si facile d'avoir la paix dans le monde. Eh oui, on interdit toutes les mauvaises choses et c'est bon. Peut-être le Rattelot. C'est pour ça que je pense que le talent sympathie de Cabotin, il est probablement plus fort que celui de Pitou. Hein. En toute logique. Ah là là, putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment on a Jouvencia? Bah déjà, faut avoir 100 rayons. Et après, je vais vous montrer. Mais faut déjà avoir 100 rayons. Il n'y en a pas une qui veut flâner, là? Ah, voilà, l'envoûtement. Oh là là. Ça fait 30 minutes que je cherche Chauve qui peut, j'en peux plus. Chauve qui peut, c'est pourtant pas si rare, si. C'est peut-être une impression, mais je trouve que dans tes vidéos, tu essaies de rester assez lisse, mais qu'en live, tu te dévoiles plus. Ça dépend, mais c'est vrai qu'en vidéo... Bah, en fait, déjà, c'est parce que... La plupart des trucs que je dis, tu vois, là... Enfin, je sais pas à quoi tu fais référence, mais au sujet que j'aborde, là, par exemple, les trucs de politique. C'est-à-dire que... C'est hors contexte avec ce qu'on fait. Et les vidéos, enfin, en fait, c'est souvent un sujet qui est lancé parce que quelqu'un en a parlé dans le chat, tu vois. Alors quand je suis en train de faire une vidéo, bah, il n'y a pas beaucoup de raisons, en fait, que je dévie sur ce genre de sujet, tu vois. Parce qu'il n'y a personne qui me lance dessus. Quand je suis sur Mario, on peut quand même rarement dériver sur la politique ou les LGBT, hein. On peut, hein. La dernière fois, j'ai dérivé dessus quand on parlait de Viviane. Ou par exemple, dans Super Princess Peach, contre le premier boss, j'ai dérivé sur l'appropriation culturelle. Mais sur le premier boss, mais c'est rare. C'est pas que je veux pas, c'est juste que bah c'est... Ah voilà! Enfin! Par contre, on dirait vraiment qu'elle a pas la même tête sur la médaille et en vrai. Genre, vous voyez? C'est pas la même DA. C'est bizarre. C'est moi où elle dit vive les pisses en lit? Peut-être. Ou peut-être qu'elle dit vive la pisse au lit. On ne saura jamais. Démophage de con. Alors les gens, vous voulez savoir comment avoir le truc de Jouvencia? Ok. Par contre je sais que sur le mode. Hein. Sur le jeu normal je sais pas. Mais j'imagine qu'il faut battre Jouvencia jusqu'à ce qu'elle te drop l'objet. En plus que deux yokai et après on pourra peut-être arrêter le live. On aura un peu avancé. Toujours Cornac, hein. Cornac faut qu'on le fasse vraiment. Hein. Je pense que la prochaine fois on va le faire. En premier. Pisoli car elle est vieille et incontinente. Exactement. T'as compris le sous-entendu. Rion de Kirbendo. Comment t'as eu Gorgouille? Aucun souvenir. La poudre de Jouvence, c'est dans la terreur. D'accord, ok. Mais là, sur le mode, il y a une autre façon. C'est que quand Kirb débite pour n'importe quoi qu'il obtient de vos yokai. Là, j'ai débité longtemps avant de l'avoir, quand même. Hein. Débite et des culs. Ou quoi non, rien. Non, pardon. Et voilà, on peut l'acheter ici. C'est bien le... Hein? Il changerait pas de stock tous les jours? Tout à l'heure, il y avait d'autres objets, non? Il change peut-être de stock tous les jours. Attendez, vérifions. C'est bizarre. Bah non, c'est que j'ai retiré le mode, c'est vrai. On me l'a rappelé en plus, il y a genre 3 heures. En même temps, YouTube, ça existe depuis longtemps, sac sac.
croisons les doigts pour qu'Herbeno ait le tunnel sans fin. Je saurais faire en sorte qu'il soit long, le tunnel. Enfin, j'ai un tuto pour faire ça. Comment on a Citra comme ça à fermer? Je crois qu'il y a déjà un autre logiciel, mais je sais pas comment il s'appelle. Et voilà. Y a pas la poudre de jouvence ici? Je vais aller voir la page. Parce qu'il me semble que... il y avait middle... Peut-être à Troc Safari, peut-être, attendez. Ah, chlorophylle. Ça va être le jour. Donc, ok, les amis, on peut la voir dans le mode. Par contre, ça va être le jour. Coucou, Aroni Franck. L'essence perfide est où avec le mode? Nulle part. Il n'y a pas de moyen. Faut faire les missions et tout. C'est vrai que il devrait les ajouter. Hein. Je pense que vous lui dire comme suggestion. Non, les connexions entre joueurs sur 3DS ne sont pas encore arrêtées. Elles s'arrêtent dans 8 jours, Crémy. Enfin, mardi... pas mardi là, mais mardi d'après. Cornia qui se trouve dans le mode blaster. Ou dans le bingo Kayoni. Ou au tunnel sans fin. C'est ça l'enfer. Donc le magasin chlorophylle, c'est là. C'est quoi le magasin chlorophylle? C'est ça? C'est peut-être pas là, hein? Ce serait peut-être à la... au fleuriste, mais le fleuriste il vend rien, si? C'est dans le coteau fleuri. Magasin chlorophylle, qu'est-ce que c'est que ça? Chlorophyto, ouais c'est ça. C'est juste que c'est pas le même nom en anglais. Chlorophylle c'est en anglais. Ah bah ok, voilà. Chlorophylo, donc c'est ça. Et on peut avoir la poudre... bah j'en ai. Mais au moins, voilà, vous voyez, c'est ici qu'on trouve la poudre de jouvence sur le mode. Hello Kibikyo. Penses-tu faire du Inazuma Victory Road en live? Bah j'ai déjà fait. Salut Yamato, j'ai déjà fait le jour où c'est sorti. Voilà. Et la vidéo est disponible sur la chaîne. Il faut mettre la cloche, hein. La cloche des notifications. Comme ça tu loupes pas les streams. Oula, pourquoi c'est encore tout noir? Oula! Et ça fait peur, hein. Un petit yokai de plus. Sans Ridion et... il y a tellement d'objets! Voilà, poudre jouvence! Ta-da-ta-tam! Juvencia. Non. Viens, quand je regardais les vidéos, il y a cependant de Fantasy Life, TMO pour la suite en octobre. Ouais, moi aussi. Par contre, les amis. Il y a 5 généraux de perfide, non? Genre les généraux perfides. Qui a raison de quoi, Evan Bot? Donc, il y a 5 généraux perfides. Et ils ont chacun une mission. Et chacun d'entre eux donne un truc de... enfin, un petit sac de perfide, non? Si oui, on peut avoir tous les perfides.
Il y a des gens qui pensent que les Kawash 4 sortira en français. Oui, puis il y a des gens qui croient au Loch Ness ou Yeti. Alors, Morphée A. Ça, c'est pas genre super rare. Morphée A, je suis sûr que c'est rare. 5 généraux et chacun d'entre eux a une mission avec un truc ou pas? Ah merde. Attends, Super Solus ne fonctionne plus. Eh merde, Super Solus ne fonctionne plus quand on a besoin d'eux! René Rand, Cyrus, Modico, un Justin et Philippine. Ouais, mais l'autre question, c'est que chacun d'entre eux donne un petit sac de perfide. Morphéa, Smash. Ok, d'accord. Bah, peut-être qu'à un moment je ferai ça au remis. Le problème, c'est que le jour où je fais ça, bah, en fait, je peux pas faire ça plus ma chaîne YouTube, vu le temps de montage que ça fait. Donc, en fait, oui, peut-être qu'un jour je le ferai. C'est pas ça qui m'embête, c'est juste que si je le fais, bah, c'est la fin de YouTube, c'est tout. Ah! Pièce mystère ou Bingo Kai? La pièce mystère normale, mais pourquoi je l'ai pas eu alors? Parce que j'en ai joué plein des pièces mystères. C'est le seul moyen de l'avoir. Utiliser une pièce mystère. Non, pièce mystère ou voix du mystère. Attendez, mais faut savoir. Personne n'a l'air de vraiment savoir où se trouve. Enfin, en tout cas, sur internet, personne n'a l'air d'être d'accord sur où se trouve Morphéa. Comment Morphéa s'appelle en anglais, Sandy? J'ai déjà fait Pétunia et tout ça. Justement, tout à l'heure, on a parlé à l'un des générales. Ah, il y a une vidéo. C'est la Mystery Coin. Celle avec Emorino et tout. Mais attendez, mais la dernière fois, on a fait 50 essais et on l'a pas eu. C'est une blague. On a bien fait 50 essais sans l'avoir. Arrêtez de dire où elle est dans Yukawash 1 et Yukawash 2, ça change entre les jeux. La dernière fois, on a fait 50 essais et on l'a pas eu. Putain, bah on va refaire hein. Déjà je vais me donner les pièces, on va en donner 99 et on va terminer le live sur essayer d'avoir Morphéa. Mais elle a l'air d'avoir un taux de drop, mais wow, incroyablement chaud. Et... J'ai pas de chance, hein. Sur 50 essais ne pas l'avoir eu, c'est dingo. Alors, Mystery. Ok. Allez. Le bingo caille de la voie du mystère et le bingo caille divin du train doré. Apparemment, le bingo caille du train doré, il n'y a pas, hein. Enfin, genre, c'est pas marqué. Le bingo-kai du train doré, ça marche comment? Tu peux faire qu'un seul essai par jour, c'est ça? Les pièces avec le symbole Whisper dessus, on peut pas les utiliser dans le bingo-kai de la voix du mystère. Et il y a marqué bingo-kai, voix du mystère, pièce mystère. Il y a pas marqué pièce spéciale. Hein. Merci, Célinus. Ah, c'est juste à côté. On va se téléporter quand même. Pour les collections d'Amiibo, qui veut que Nintendo restock des Amiibo de Sephiroth? Ah, il n'y en a plus? Ça fait longtemps que j'ai arrêté, moi, les Amiibo. Hein. Quand je pense à une époque, j'essayais tous les avoir. Un seul essai après avoir pris le train, mais tu peux recommencer plein de fois le même jour. Si on essayait le train... Le train, on peut l'avoir à n'importe quelle station, non?
J'ai le... C'est lui, c'est le passe doré, là? Non? Passe train... C'est n'importe quelle station, on est bien d'accord? Du coup, il parle Hydra Fox? Guerra Guerra Land, forcément? Comment tu es resté sur Citra étant donné que ça a fermé? Bah, parce que pour l'instant, les créateurs de Citra, tu sais, genre, les gens qui avaient installé sur leur PC Citra avant, bah en fait, il y a les créateurs de Citra qui viennent chez toi et qui te désinstallent Citra. Mais moi, ils ont pas encore fait. Ils sont pas encore venus, j'habite loin aussi. Quelle question, en mode, genre, le logiciel, il va s'autodétruire de ton PC, quoi, enfin... trop bizarre. Quelle entrée là. Bon. On met en pause avec F4. Ok. Bon, faut que je fasse attention à la pause. Hein. Ok, c'est Linus, t'en es où? Ça va être toi, Didou, Didouap? Toujours pas chauffe qui peut. Pas de bol. C'est long. De quoi parle-t-on en attendant? Ah mince, non, c'est mystérieux, c'est pas ça. Reset la zone pour que ça aille plus vite. Je ne suis pas sûr que ça aille plus vite de reset la zone. Je sais pas en quoi ça irait plus long. Enfin, plus vite. Moi, ça va en ce moment. Très bien. Et vous? Merci Nintendo. C'est moi qui l'ai monté la vidéo Yokawatch, Ocarina of Time Random. Oh là 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 là. Eh ben dis donc. Heureusement que je suis quelqu'un de patient, hein. Dit-il. En attendant, allez voir ma vidéo Ocarina of Time Random. En plus, la vidéo, c'est un flop. Il y a genre même pas 1000 vues. Je suis choqué. Mais toutes les vidéos que je monte, c'est flop. Je suis triste. Même Mario Odyssey. Tu payes combien, Race, pour ça? J'ai testé Persona 5, j'ai plus que testé Persona 5. J'ai joué à peu près 70 heures à Persona 5, non, 50 heures à Persona 5 quand il est sorti. J'ai recommencé une partie quand Royal est sorti. J'ai pas de bol. Je peux augmenter encore plus le temps, mais bon... Oui, Adama, bah, comment ça, chez lui, comment ça? Vous l'espionnez? La dernière fois, il y a le petit cousin, j'étais à Noël chez Adama, enfin chez la grand-mère d'Adama, il y avait ses cousins et tout. Et on a joué ensemble et tout, normal, enfin genre tout se passe normal et tout. Et genre, quelques jours après, salut Tissem, quelques jours après, et ben il y a... l'un de ses cousins à Adama qui... reposte sur TikTok une vidéo où il y a marqué « Ouais, on se souvient de Kirbendo à l'époque de Yuka Watch, la meilleure époque et tout. » Et genre, par contre, quand ils étaient là, à Noël, et bah, ils étaient, genre, personne n'a rien dit. Ils étaient là en mode, ils étaient trop timides et tout, ils ont rien dit. On a joué ensemble et tout normal. Ils sont comportés comme s'ils me connaissaient pas. Et après, en fait, bah, genre, ils ont partagé des trucs en mode fan. T'en es où dans Isaac? Et t'as les DLC? Ouais, j'ai tous les DLC. Mais Isaac, j'en suis loin, mais j'en sais rien. J'avais terminé le jeu à 100% à l'époque quand il était sur Flash. Vraiment Platinum Gold. Après, j'ai refait le Platinum Gold sur Rebirth. J'ai dû terminer à 100% aussi les premiers DLC qui ont sorti.
La dernière fois que j'ai terminé à 100% Isaac, c'est quand The Lost venait d'arriver. J'ai terminé tous les nouveaux trucs avec The Lost à 100%. Et après, genre, il y a eu d'autres trucs qui ont été ajoutés et là, j'ai abandonné parce que, genre, il y a trop de trucs à faire, c'est trop long. Mais j'ai tous les DLC, oui. C'est un peu long le train, hein. Ouais, bah du just chatting, on en a déjà fait un peu, mais ça n'intéresse pas grand monde. Oh là là, mais c'est l'enfer, hein, le train doré. Comment les gens ont pu avoir la patience? Je suis quand même en vitesse x5. Essayer un Final Fantasy, déjà essayé, et j'aime pas. J'aime pas les RPG. Il y a que de rares exceptions. Sinistre. CF4, ouais, ok. Surtout que je vais pas l'avoir, hein. On va voir si la safe state, ça change le loot. Oh, on m'entend. Bingo Kai. Moi, je l'ai eu où, le bingo, le train doré? Par contre, il se voit bien, le train doré, hein. Tu peux pas le louper. Pourquoi je quittais et que je revenais, ça a aucun sens. C'est scripté par contre. Ah mince, je vais tester pour en avoir le cœur net, mais ça m'étonnerait pas. Ouais, le train plus de 150 fois, ça m'étonne pas. Hein. Je regarde une vidéo d'Iguess, ça date. Il l'attend à Valvoras. S'il y a quelqu'un qui maintient qu'on peut pas l'avoir à Valvoras. Je me demande si on peut. Je pense qu'on peut. Je vois pas pourquoi ce serait que Geralt. Mais pourquoi il s'en va et revient? Comment ça c'est... Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ah, je comprends en réalité. Ça fait gagner un peu de temps. Parce que tu vois le premier train qui pop. Je comprends. Il est bien à Valvoras. Il guess il a à Valvoras. Dans un jeu, tu l'as eu à Guerra. Ouais, mais c'est pas obligé. Comment vas-tu pour le train doré? Je me souviens que j'ai essayé de quitter la zone. Ouais. Mais vu que je suis sur émulateur et que j'accélère le temps, c'est mieux que de faire des allers-retours. J'ai déjà eu le train à la gare de Riche de Grandval. Ouais, il y a des gens qui m'avaient dit qu'on pouvait aussi l'avoir à Grandval et tout. Salut Natsu. Ouais, ce train, c'est toujours aussi relou, hein. Ça ne change pas. Ré, punaise. Brrr. Merci les mondes de Léo. Pandanoko, là, il me donne aucune chance de plus, hein. Salut Laze. Axel, c'est compliqué, mais j'ai déjà montré tout ça en vidéo. On se fait chier de baiser. Pff, se faire baiser, c'est moins chiant, hein. Je vous confirme. Hein. En plus, tu peux pas faire autre chose. T'as attendu 2 heures pour l'avoir une fois, ça m'étonne pas. Je sais même plus quel yokai on cherche, j'ai attendu entre temps. Enfin, j'ai oublié entre temps. Ah, Morphéa. Oh là 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 là.
donnez-moi mon train, bon sang! Snow Live Lethal, il y a un jour horaire que tu préférerais? Non. Jeudi ou vendredi soir? Je sais pas si j'ai bababou. Aucune idée. J'attends le train doré. Vas-y, crie ton... Fais ton cri de guerre. On a vraiment tous les trains du monde, hein. C'est quoi le pourcentage de chance? On a le temps de finir One Piece. C'est vrai, on devrait regarder One Piece en attendant. Quel est le yokai le plus BG charismatique à part Kirbendo? Car sinon c'est trop facile. On a déjà parlé la dernière fois. Celui qui pisse sur les gens là. Le train doré avait pas l'air si galère que ça quand je l'utilisais pour farm l'XP de ma team. Mais surtout que quand même je vous rappelle qu'on est en vitesse x5. Donc ça veut dire que si on finit par l'avoir au bout de 5 minutes, multipliez par 5 le temps qu'on aura attendu. Je le fais une fois, hein. Vraiment pour me rappeler à l'ancienne, mais... Est-ce qu'on peut juste... Est-ce que ça marche si on fait que de l'attendre ou il faut qu'on quitte la zone et qu'on revienne? Tu payes combien pour que je trade avec toi, Hydrafox? Parce qu'on a déjà expliqué ça tout à l'heure. Parce que j'aurais la flemme de partir et de revenir. En fait, j'ai peur de me tromper, hein, et de partir alors qu'il est là. La musique. En x10, je risque de le louper. C'est un peu plus rapide, mais bon, pas... Ouais, c'est plus rapide. Let's go, je fais juste une save state, parce que... Et je remets le temps normal, comme ça on verra si on peut reload le loot. Attendez. Waouh, tout devient doré, let's go! Il est trop stylé le train doré, pourquoi je suis le seul à le prendre? GG, comme si j'avais fait un truc exceptionnel alors que c'est juste du hasard. J'avais fait juste la démo de Monster Hunter Stories. Il est stylé ce train, j'avais oublié qu'il y avait genre une face dedans comme ça. Sur quelle vite que tu dis comment accéder à Valvora? Tu sais, ça fait longtemps, hein. Je sais plus, hein. C'est quoi comme yokai depuis le début du live? Je sais plus. J'ai oublié. Vous savez, je suis vieux, moi, j'oublie vite. Let's go, grand X-Porb. Allez, comment ça, tu veux t'arrêter à Brisbane, t'es sûr? Non, 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 je veux pas m'arrêter là. Est-ce qu'on peut avoir Corniac ici? Blaster, terreur ou tunnel sans fin.
Ça aurait pu être un boss, le gros truc derrière. Hein. Merci. La pièce Bingo Kai gagnant. Si on n'a pas Morphéa, je réessaye une fois, voir si ça change le loot. Laissez des pouces bleus, les amis. Et c'est parti pour le Bingo Kai gagnant. Que des boules dorées. Comme mes boules. C'est vrai que j'aurais pu me give des pièces, mais c'est stupide. J'aurais pu me give des pièces. Ah, j'ai l'impression que ça a changé en tout cas. Attendez, on va aller voir. Comment tu fais pour avoir prendre un Oko? Bah, t'es un chien, The Punisher. Non, mais je demande parce que j'ai fait une vidéo pour expliquer comment avoir prendre un Oko. Et effectivement, cette vidéo n'est pas pour les chiens. Donc, si t'es un chien, je comprends que tu l'aies pas vu. Mais sinon, tu devrais, hein. En tout cas, le Bingo Cave gagnant, là, c'était vraiment de la merde. Génial, la chance, hein. Si c'est la même, par contre, je serais dégoûté. Hein. Ah, mais j'ai pas de pièces. J'aurais dû me give des pièces. Mais je peux plus. Parce que je suis pas à la sauvegarde. Allez, allez, allez. C'est défini. On peut pas reload. Ah, mais c'est peut-être défini dans un ordre. J'avoue. Comment on part d'ici, par contre? Mais je suis déjà en train de refaire un Let's Play du Cavage 3, hein, Pikachu. Faut regarder sur la chaîne. Comment on part? Ah, par ici. Ok. C'est vrai, la vidéo n'est pas pour les chiens, donc c'est ciao pour Koma-san. Bon, eh ben, nul. Pour terminer ce live, on va juste aller voir... Morphéa, si on peut la voir en bas, mais... Give-toi les pièces. Si on n'arrive pas à voir Morphéa là-bas, je me giverai les pièces, mais bon... Les Bingo Kai sont script. Ouais, mais c'est script dans un ordre, alors, non? Genre, c'est-à-dire que la première pièce donnera toujours ça, la deuxième toujours ça, etc., etc., non? Dans le 1, c'était comme ça. Dans le 2, je crois que c'est pas comme ça pour tous les Bingo Kai. Hein. Peut-être le chanceux, mais pour les autres, je crois que ça marche pas comme ça. Hein. Ah merde. Dans le 1, ouais, dans le 1, par contre, c'était sûr, c'est bien script. C'est pour ça que, par exemple, pour avoir Dente, j'avais dû épuiser le Bingo Kai. Ça sert à rien de sauvegarder et de réessayer. Il faut juste l'épuiser jusqu'à ce que tu l'aies. Ok, dragon. Par contre, je pense que c'est plus comme ça à partir de Blaster et Yokavage 3. Parce que, tu sais, chaque jour, ça te change les loots. Donc, je pense que ça doit reload... Enfin, genre, c'est pas scripté. La voix du mystère est, selon moi, la pire zone du jeu. Pourquoi? J'aimerais bien pouvoir descendre là et tout explorer ce monde infini. La musique est pas ouf. Ouais, ça va, hein. Comment tu peux savoir par où faut aller? T'as combien de pièces mystères? 99. À chaque fois, j'ai tendance à aller directement vers la droite au début. Ok, c'est bon. Dans le 3, on peut plus prendre le train d'or et en plus, on peut plus aller à Gera Gera. Non, mais dans le 3, il y a trop de zones qui ont été retirées et c'est trop dommage. J'attends le mode de Wadi là qui rajoute plein de trucs dans le 3, ça va être dingo. Wadi, c'est l'un des plus grands développeurs fans de Yokawash du monde. Wadi, il est mariable. Ça, c'est officiel. Pourquoi ta gueule, non mais?
Anto, voyons donc. Bannez Anto, s'il vous plaît. Je sais plus par où faut aller. Ah, là où est à droite. Je crois que c'est ça. Ah ouais? Donc en fait, ils se trouvent ici. D'accord, ok. On peut les avoir ici. Très bien. What? Alors, Oden et Oden. Ok, très bien, très bien, très bien. J'ai les meilleurs Oden ou pas? J'ai que des œufs à la coque? Ah, je peux pas utiliser sur l'ennemi? Pourquoi? Donc je sais même pas si on peut devenir leur ami. Peut-être pas, hein. Peut-être pas en réalité. Je pense qu'on peut pas en vrai. Je croyais qu'ils avaient ajouté sur le mode pour qu'on puisse, mais non. Ah, dommage. Pourquoi ça indique qu'ils aiment les Oden si tu peux pas devenir leur ami? Ça a aucun sens. Lui, il cache son petit zizi. Mais on a déjà vu, regardez, il en a même pas en fait. Par contre, il a une énorme langue. Ça compense, j'imagine. Ça peut faire un taf. Hein. Faut avoir l'essence maléfique. Je sais, mais sur le mode, peut-être que ça a changé. C'est ce que je me demandais. Ah, dans ce combat, on peut avoir l'essence. Ah, ah, ah merde, peut-être là. Bon, pas là. Allez, allez. Je sais pas qu'il pouvait drop l'essence. Mais il y a un yokai qui a comme pouvoir de voler les objets. Il vole forcément l'essence sur ce genre de combat. Je sais pas, je me demande. Bon, par contre, c'est quoi cette équipe nulle? Allez, allez. Voilà, merci. Est-ce que t'es un somnel? Oui. Dis donc, super drop. Allez. Eh merde, c'est en bas. Y'a pas un autre perfide là? Ah, perfide qui a dit perfide. Les perfides, c'est du solide. C'est bien ça les paroles? Y'a de la joie! Oh, ça me saoule. Vas-y. Bah. Ok. Ça faisait un talent alors que Liu Kang n'était plus là. Bizarre. Ah ouais, les 150 points de dégâts d'un coup, ça fait plaisir. C'est VIP et sec et c'est comme Panda Loco, c'est une chance sur 6. Ah, ok. Donc Panda Loco, il y a une chance sur 6 que son pouvoir se déclenche, c'est ça? Ah, dommage. Ça, on s'en fout. C'est Castellius Max, non? I think so. Chihuahua glagla, trop mimi. Allez, c'est parti pour le boss. Après, on a 99 essais. Si on l'a pas dans les 99 essais, je vais Kablax. Par contre, pour le combat, il y a littéralement rien à faire. Hein. Tu restes là et bim. C'est quoi l'Omao? Tu essayes de faire quoi? Je t'écoute pas, Anto, je pense que tu mens. Ah bah déjà? Ok. C'est no brain. Je sais pas à combien de pourcentage je suis, on regarde au début et à la fin de chaque stream, mais pas pendant. Comme ça, c'est la surprise.
La multine de Pandanokos, j'en sais rien, il redonne des PV, non? Je sais pas. C'est compliqué. Ah ouais? Trop compliqué pour expliquer? Merde. Putain. J'ai été trop présomptueux. S'il drop pas en 99 essais, j'aurai vraiment pas de chance. Hein. Ce sera la preuve que je suis fort mais que j'ai pas de chance. Littéralement, merci Anto. C'est avec Blender. Ah, Blender, j'y connais rien. Les dégâts qu'il fait! Les critiques de dingo! Tu connais rien, Yuka Watch, Anto. Oh oh. Merde, non! C'était fait exprès! C'était fait exprès, les amis. Vraiment. Je vous le conjure. Oui, avec Pretendo, on pourra échanger les yokai, oui. Quelqu'un sait comment avoir Robodian sur le spectre psychique? Donc, quelqu'un sait comment avoir Robodian sur le spectre psychique? Je pense que Super Solus sait. En effet, Lomario, c'est vrai, c'est bizarre, ça me ressemble pas. Bon, allez, let's go! Je parle pas de yokai, en fait t'as mal compris le monde de Léo, pas du talent qui permet d'avoir plus de chance que les yokai ils lâchent leur objet. Mais j'avais un de mes yokai sur le randomiseur, c'était Sirenée, mais sauf que c'était randomisé. Et son talent c'était que quand elle attaquait un yokai, elle volait un objet au yokai. Quasiment obligatoirement. Pas à la fin du combat, mais genre l'objet directement, il y avait la bulle en bas qui indiquait à voler machin truc comme objet. Et je sais pas quel yokai a ce talent de base, mais c'était celui de Sirenée. Oui, Natsu, en effet, c'est vachement dur. Allez, c'est parti pour les 99 essais. On va augmenter le temps, hein, parce que bon, on n'a pas que ça à faire. Hein. Laissez des pouces. Imaginez, je l'aurais eu dès le début. Vas-y, allez. Ok, super, poupée d'argent. Oh, oh, oh. C'est pas Morphea. On va avoir plein d'Yoko et plein d'Yoko inutiles, vous allez voir. Punaise! C'est Gloops qui l'a, tu penses? Peut-être. Ce serait pas étonnant. Et Morino. Bah ouais, Natsu, bien vu. Mais si tu fais à la main, par contre, ça va être très long, hein. Oh, super. Genre, en fait, t'es en train de traduire chaque truc à la main. C'est pour ça que c'est super long. Parce que c'est pas ce que fait les gens qui traduisent normalement comme ça, n'importe comment. Hein. Ils extraient tous les textes. J'ai besoin que de Morphea. Genre, je pense que j'ai tout eu ici. Après, j'ai pas vérifié, mais je pense que j'ai tout eu. On a déjà joué 50 pièces ici, donc... Oh là là. On va avoir 20 yokai de... Enfin, on va avoir 99 yokai de merde. Enfin, non, parce qu'on arrive aussi à avoir des objets, mais bon, vous m'avez compris. Talent pour voler, c'est Chip Shop. Merci, Piki Gaming. Mais comme tout à l'heure, tu as dit n'importe quoi au sujet du train, je sais pas si je peux te croire. Hein. Oh, let's go! Ça n'aura pas été si long. Merci, Morphea. Morphea. Ok. Bon, je sais pas comment ça se fait qu'on l'ait pas eu la dernière fois, parce que là, c'était quand même très rapide. Morphea. L'attendant qu'il a, c'est doigt de fée. Merci. Et comme ça, on a tous les sinistres. Incroyable. Incredible. Alors, quel va être le prochain yokai qu'on va devoir faire? Pas aujourd'hui, je pense. Ah, ben, on fera Corniak, de toute façon. Mais juste après lui, on fera qui? Oula. Urnaconda, Muren et Somoni. Les yokai qui n'ont pas l'air d'être très compliqués. Somoni, je sais pas, mais... Donc j'ai Bababou, mais j'ai pas Tourneboule. Et j'ai Cockpit, mais pas Claquille. Non, mais ça va aller en vrai, hein, je pense.
Est-ce que, vu qu'il me reste un peu de temps, pas énormément de temps, mais il m'en reste un peu, est-ce que vous voudriez qu'on fasse 99 essais au bingo-kai de la chance, là? Je suis sûr qu'on n'aura rien, hein, parce que de toute façon, tous les yokai qu'on pourrait avoir, c'est des yokai qu'on a déjà, mais on pourrait se donner 99 pièces et aller le faire. Hein. Comment elles s'appellent en anglais, les pièces du bingo-kai de la chance? J'ai besoin de savoir ça. Lucky Crank-kai. Lucky Crank-kai coin? Ok. Non, c'est pas ça. Alors, item. Je m'en fous de t'insulter, Anto, tu m'insultes tout le temps. Donc bien fait chier. Insultez Anto, s'il vous plaît. Enfin, si ça vous dérange pas d'être banni, parce qu'il y a des chances que vous soyez banni après, mais bon. Je décline toute responsabilité, pour quoi que ce soit qui puisse vous arriver. Ça s'appelle pas Lucky Crank-kai Coin? Comment ça s'appelle? Ah, peut-être qu'on peut pas. Peut-être que c'est un objet clé. Il y a moyen que ce soit un objet clé. Et si tel est le cas, on peut pas s'en donner à l'infini. Ah ouais, c'est un objet clé. On peut pas s'en donner à l'infini. Et non, donc c'est quelque chose d'impossible. Salut Anto. Comment ça fait quand toi je parlais pas à toi, je parlais d'un autre Anto sur YouTube. Ça va? L'Anto originel, l'autre c'est une fraude. Anto toujours imité, jamais égalé, si je puis dire. Méchant Kirbendo. Bon bah en fait j'ai redémarré le jeu, mais c'est terminé hein. Le live est fini. Ah ouais, mais c'est parce qu'on doit voir combien de pourcentage on a. Je vous rappelle qu'au début du stream, on en avait 92. En continuant comme ça, il n'y a plus que 3 lives, hein. Mais bon, à la fin, on a eu que 1%. Bon, ça va, ça va. Bon, les amis. J'espère que ce live vous aura plu. Merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas sur YouTube de laisser plein de pouces vers le haut, commenter, partager, de vous abonner. Vous étiez nombreux comme d'habitude. Donc, la rediffusion de ce live, c'est samedi de la semaine prochaine. Et le suivant, samedi de la semaine prochaine. Je le programme juste après. Faut juste que je fasse vite fait la miniature. Enfin, changer le nombre, quoi. Et voilà, voilà, les gens, merci à tous, hein. N'oubliez pas de laisser des pouces vers le haut, voilà, voilà. Et à la prochaine, et demain, Yo-Kai Watch 3, hein, comme d'habitude. Ah oui, et aussi, allez sur la chaîne Kerben Deluxe pour regarder la vidéo Ocarina of Time. Attendez, attendez, je vais vous partager le lien parce que... Ah merde. Ok, allez voir cette vidéo. Si j'ai Shogunian. Voilà, voilà. Merci à tous et à demain en vidéo. Salut!